et à partager parole qui bat la vie. Donc, chaque Seigneur permet qu'il nous soit capable de faire ça. Nous estimons que nous bénis pour ça. Donc, c'est pour ça nous devons demeurer dans la volonté pour nous vivre pour lui-même tout le temps qui va bien, bien-aimé. Et si objectif là, même là, nous étions dans une lutte, dans un combat, pour nous capables de vivre, vivre pour lui, pour nous arriver à remporter victoire, ça, qui c'est une grande victoire. Et grande victoire, ça, c'est pour nous capables de vivre dans la sainteté. Nous étions dans un combat quotidien, un combat mensuel, annuel, un combat, comment dire, qui ne nous pas jamais arrêter là-dedans, puisque nous devons lutter pour nous capables toujours dans la volonté Seigneur, pour nous capables toujours saints, pour nous capables toujours propres, pour nous capables toujours purs. Et pour nous arriver purs, propres, saints, c'est plutôt dans la volonté pour nous arrêter. Il faut nous arriver à faire ça qu'il demande. Il faut nous arriver à pratiquer la loi Lio. La loi Lio, c'est lorsque nous examinons ce qui est écrit, c'est lorsque nous faisons exactement ce qui est écrit, ne pas détourner ni à droite ni à gauche. Donc nous comptons pour nous ensemble, nous comptons pour nous gagnons, que Seigneur bénisse chaque monde. Et bienvenue sous fondement dans l'espace privé noir que nous partageons avec bien-aimés élus qui prennent le bon temps pour capable examiner avec nous la parole de Dieu. Et comme les chrétiens de Béry, donc nous devons examiner la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, soyez bénis et soyez grandement bénis par la grâce de Dieu. Et alors, ce soir, disons, cet après-midi pour la plupart du bien-aimé frères et sœurs, alors on devrait plutôt partager sur le baptême, de la continuité de ce sujet, parce que nous étions dans le baptême de la repentance et que nous devions clôturer le baptême de la repentance afin de continuer sur cet enseignement à propos du baptême. L'objectif, c'est de montrer aux bien-aimés élus le vrai baptême biblique qu'il faut prendre et aussi de prouver que ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne sont vraiment pas baptisés. Donc, l'objectif, c'était d'aider nos bien-aimés frères et sœurs, Samuel et Aurélie, de comprendre ce sujet, de comprendre ce point, bien qu'ils ne sont pas présents ce soir, puisqu'ils sont en France. Donc, nous allons et poser un peu ce sujet en attendant leur présence ou quand ils seront là pour partager ensemble. Et nous allons entamer ou plutôt terminer avec un autre point ou un autre sujet. Par la grâce de Dieu, nous allons le faire, nous allons parler à propos de tout cela. Ok? Donc, soyez bénis, soyez la bienvenue. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous t'avons parlé hier de bien-aimés qui croient qu'ils sont capables de sauver en dehors des enseignements de l'apôtre Paul, en dehors de la révélation que Paul avait reçue et qu'en retour, il nous avait transmis. Il nous avait transmis cette révélation de la parole parce que tout simplement il a été établi apôtre des nations, établi pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand vous entendez le mot jusqu'aux extrémités de la terre, automatiquement vous faites référence à Acte 1, le verset 8. Puisque dans Acte 1, 8, il est bien, très bien écrit et très bien précisé par le Seigneur lui-même que ces bien-aimés seraient les témoins de notre Seigneur
à Jérusalem, Samarie, Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ils ont été à Jérusalem, ils ont été à Samarie, ils ont été en Judée et ils sont venus à nous, ou ils ont été à nous, dans Actes 13, 47-48, puisque l'apôtre Paul a été établi ce fameux très excellent apôtre de Jésus-Christ ayant reçu le message par révélation et nous a fait part de sa révélation, puisque c'est la même révélation qui nous permettrait de comprendre la parole de Dieu. Donc nous sommes dans la joie de partager, de pratiquer, d'imiter aussi l'apôtre Paul, puisqu'il est écrit dans 1 Corinthiens 11, le verset premier, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc nous devons l'imiter de la manière où il imite notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important, mes bien-aimés, c'est très important. Alors pour personne, Mounbavin dit que il est capable de sauver en dehors du message Paul là. Parce que nous, ouais, même sous même des pasteurs répéter ça, des pasteurs disent même bagaille là. Des mondes qui disent que c'est pasteur, ils ont même ils dit ça tout. Ils ont pas suivi Paul, ils ont suivi Jésus. Alors, ils ont répété bagaille ça souvent. C'est lorsque vous traitez sujet femme non, avec vous, c'est-à-dire que la femme se taise ou que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Donc, quand vous traitez ce genre de sujet avec ces pasteurs traditionnels, ces chrétiens traditionnels, et c'est à ce moment-là qu'ils vous relatent que je ne suis pas Paul, je ne suis pas les apôtres, mais je suis Christ. Alors, quand ils vous disent cela, vous réfléchissez si vous avez été enseigné, instruit de la bonne parole, vous vous dites, mais est-ce qu'ils savent bien ce qu'ils disent? Parce que comment peuvent-ils dire que je ne suis pas Paul, je ne suis pas les apôtres? Mais les enseignements de qui les ont permis à témoigner aujourd'hui que Jésus-Christ est mort et ressuscité? C'était des témoignages de qui? D'ailleurs, la parole de Dieu nous a bien déclaré clairement dans les Écritures, Apocalypse, le chapitre, si je ne me trompe pas, le chapitre 12, le verset 10, qui nous dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, ils ont témoigné, ils ont annoncé, ils ont fait connaître aux hommes que le Seigneur Jésus-Christ avait été ressuscité, il a été monté au ciel. D'ailleurs, il n'y avait que les 11 qui étaient présents, qui étaient témoins de l'ascension, de la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Il n'y avait pas des femmes présentes. Donc il n'y avait que les 11 qui étaient là, puisque Judas était déjà, comment dira, était déjà dans son lieu, selon la prophétie. Ce qui fait qu'il n'y avait que 11 apôtres qui restaient à ce moment-là. Et ces 11 apôtres avaient été invités sur la montagne, Matthieu 28, 16, afin que ces apôtres puissent, par la grâce de Dieu, à recevoir les dernières recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 28, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc par là, le Seigneur Jésus-Christ a pris le temps de transmettre et non seulement de s'identifier aux 11 et de lui dire quels étaient les pouvoirs et desquels il était, comment dire, il était investi, il était investi, donc il a été investi de pouvoir qui devait déclarer aux apôtres et les expliquant, voilà, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel aussi là, et sur la terre. Donc, puisqu'il avait tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, donc pour cela, il a déclaré aux
11, hein, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il a tout pouvoir. Donc, lui, il a tout pouvoir. Donc, c'est pour cela qu'il peut commander et ordonner aux disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples. Alors, à ne pas oublier que à un certain temps, j'avais dit bibliquement que le message au tout début n'était pas aux nations ou n'était pas encore aux nations. Donc, c'est-à-dire les nations n'avaient pas encore accès au message. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était avec les disciples, pendant qu'il était au milieu de son peuple, au milieu des brebis qui étaient perdues, eux, retrouver, revenir à Dieu, eh bien, il avait centré son message au milieu de ces brebis-là, pour ces brebis-là, avec ces brebis-là. Parce qu'il devait préparer ces brebis-là afin d'accomplir Luc 24, 47, c'est-à-dire d'apporter le message vers les nations. Pour cela, il avait besoin de préparer les antagonistes, les apôtres qu'il avait nommés pour cette mission, pour ce message. Donc, j'entends souvent les bien-aimés qui disent que j'ai fait qu'obéir à l'ordre du Seigneur. Mais je leur demande souvent, ou tout comme je vous demande souvent, mais vous obéissez à l'ordre du Seigneur. Maintenant, la question, c'est que à ce moment où le Seigneur donnait l'ordre ou donnait ses dernières recommandations, il avait invité qui à le rejoindre sur la montagne? Y avait-il des femmes? Non. Y avait-il d'autres personnes à part les 11? Non, il n'y avait personne d'autre que les 11. Donc cela veut dire, les 11 ont été sur la montagne. C'est eux qui devaient exécuter l'ordre de Matthieu 28, 19, parce que c'est eux qui avaient reçu cet ordre. Donc, ce ne sont pas les hommes d'aujourd'hui, ce ne sont pas les pasteurs traditionnels déjà qui ne sont même pas appelés, déjà qui ont prouvé cela parce qu'ils ont été étudiés la théologie. Comme je le dis souvent, la preuve qui prouve que Dieu ne les a pas appelés pour de vrai, parce qu'aucun homme que Dieu a appelé aura l'audace d'aller étudier ce qu'on appelle la théologie, une science démoniaque et satanique. Donc, nous avons vu le baptême de la repentance. Nous avons pris le temps d'examiner. Et d'ailleurs, nous nous étions arrêtés dans le chapitre 1 de Jean. Et rappelez-vous ce que nous étions en train de lire à ce moment-là. Et si je ne me trompe pas, nous étions dans le verset 33 de Jean 1. Lorsque, déjà dans le verset 32, lorsque l'apôtre Jean disait, alors le texte dit, « Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Et s'arrêter sur lui. » Donc, comme une colombe. Mais ce n'est pas une colombe. Alors, nous devons être clairs et très précis. C'est pour cela que je vous dis, quand il s'agit du baptême, nous sommes très prudents et très stricts dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de fausses églises, de faux pasteurs, de faux évangélistes, faux ouvriers qui, soi-disant, se disent être appelés de Dieu et qui baptisent des gens sans savoir comment faire, sans avoir reçu l'appel pour cela. Donc, des hommes qui ont terminé leurs études classiques, qui ont été à l'université, ils ont étudié des sciences. Donc, malheureusement pour eux, ils n'arrivaient pas à travailler sur le métier qu'ils avaient étudié,
Donc, ils se disent dans quelle branche je vais m'orienter, puisque ce que j'avais étudié, je n'arrive pas à travailler dessus. Donc, ces hommes-là ont pris la décision. Ils ont pris la décision de dire, donc, je vais me tourner vers ce qu'on appelle la théologie, parce que dans la théologie, quand on étudie la théologie, donc, on peut facilement se rendre à la préfecture, se rendre au ministère des cultes et là, nous pouvons déclarer une association culturelle. Donc, cette association qui aura un nom qu'on appelle Église ceci, cela, au nom de ce monsieur qui vient d'étudier la théologie, puisqu'il ne pouvait pas travailler dans la branche où il avait été et il avait étudié. Donc, pour cela, ils ont un diplôme de pasteur. Donc, il va déclarer une entreprise, il va déclarer une association qu'on appelle Église. À son nom, donc le document pastoral qui va le permettre de voler, d'escroquer, d'égorger les gens légalement, donc c'est-à-dire il sera couvert par, hein, il sera couvert par ce soi-disant diplôme théologique, ok? Ce document théologique qui le légalise légalement qu'il est pasteur, bien que cela n'a rien à voir avec le fondement des apôtres, donc il va avoir le droit légal d'exercer dans un bâtiment ou de construire un bâtiment qu'il appelle l'église, où il va rassembler beaucoup de gens dans ce bâtiment-là. Et à l'intérieur de ce bâtiment, il y aurait beaucoup de personnes réunies autour de ce monsieur. Et ce monsieur va pouvoir exercer sur ces personnes en maître et seigneur. Pourquoi je dis en maître et seigneur? Parce que il va inventer des phrases, des paroles, disant que puisque nous sommes réunis, vous êtes d'accord de faire partie de l'église. Donc, il aura un nom. Cette église aura un nom. Donc, il aura un nom à donner à cette église. Donc, il appellera peut-être cette église, église de Dieu, église de ceci et de cela. Or, nous savons que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 18, je bâtirai mon église. Donc, l'église ne peut avoir un autre nom que l'église de Jésus-Christ, puisqu'il disait, je bâtirai mon église. Mais ces hommes-là, puisque ce n'est pas une église, c'est une entreprise, il ne donnera pas le nom de Jésus-Christ à cette église, mais il donnera soit son nom, hein, Patrick Ministry, hein, John Ministry, Paul Ministry, ceci, cela Ministry, ou il donnera un nom de lui-même qu'il va choisir à l'État, au ministère des Cultes, ou à la préfecture, ou dans le département d'État, pour que cette église soit légalement, officiellement appartenu à ce monsieur, qui portera le nom de ce monsieur, il aura le droit d'exercer avec ce diplôme de théologie ou ce papier de pasteur sur cette église légalement et demander à ces personnes, sur la base frauduleuse, sur la base erronée, mensongère de Malachie 3:10 qui vont interpréter et lire, hein? Élire erronément, mensongèrement, en disant apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Hein? Chaque mois, et les bien-aimés vont dire, mais comment donner ma dîme ou mes dîmes et mes offrandes chaque mois? Eh bien, ce monsieur va dire, vous allez apporter à un dixième de votre salaire, selon Malachie 3:10, ce monsieur, c'est faux pasteur, selon Malachie 3:10, un dixième de vos salaires et ou de vos revenus chaque mois. Donc, vous aurez cette phrase, un dixième de votre salaire ou de vos revenus chaque mois, hantée, ancrée, enracinée, fondée, fusionnée à votre cerveau. Et il va encore ajoutez à cette phrase, si vous ne payez pas vos dîmes mensuellement, chaque mois, vous volez Dieu, vous trompez Dieu, vous êtes un voleur. Et vous aurez tout ça ancré, enraciné, fondé dans votre cerveau. Vous savez, la plus bonne manière de coloniser l'homme, de rendre l'homme esclave, c'est de coloniser son cerveau d'abord. Ce qu'on appelle esclave mental. Et à ce moment-là, vous aurez que des zombies qui suivront ces gens-là. Et à ce moment-là, ces hommes auront une église. Ce sont ces messieurs-là
qui vont commencer à baptiser des gens. Voilà comment commence l'Église. Ils ne demanderont pas à savoir, c'est-à-dire ils ne vont pas lire la parole de Dieu pour savoir comment les apôtres avaient commencé. Quand l'Église ou les apôtres avaient pris leur fonction officiellement le jour de la Pentecôte, comment ils avaient exécuté Matthieu 28, 19, leur premier baptême, comment ils avaient fait leur premier baptême. Et après le baptême, quels étaient les processus, la continuité, comment était la persévérance de l'Église? Ils ne se demandent pas cela. Automatiquement, qu'ils ont fini de regrouper des gens, et comme d'habitude, vous pouvez voir que ces gens, ils donnent de la nourriture après les réunions de prière, afin d'attirer des gens. Et d'ailleurs, pour mettre en place cette entreprise qu'on appelle l'église, il doit automatiquement acheter des instruments de musique, payer des musiciens païens pour venir jouer, donner de la nourriture, parce qu'il sait que cela va attirer des gens. Parce que ces gens ne vont pas être, comment dire, ne vont pas se dire en eux-mêmes que nous devons porter l'Esprit de Dieu pour pouvoir attirer les enfants de Dieu. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui attire, qui ajoute. Puisque dans Actes 2, 47, il dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait à son église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc, par là, je sais que celui qui ajoute des gens à l'église, ce n'est d'autre que le Seigneur lui-même. Donc, le Seigneur ajoute ceux qui étaient sauvés à son église. Donc, ce n'est pas moi. Cette responsabilité ne dépend pas de moi d'ajouter des gens à l'église de Jésus-Christ. Même quand vous entendez des gens qui se disent, mais oui, la façon que vous prêchez, frère Patrick, vous faites fuir les gens au lieu de les attirer. Je vais vous dire que je ne suis pas là pour attirer les gens. C'est Jésus-Christ lui-même qui ajoute des gens à son église. Or, c'est Jésus-Christ qui m'a donné le mandat d'enseigner, d'annoncer. Donc, dans la méthode d'évangélisation, Jésus-Christ nous a montré deux points dans cette méthode. C'est-à-dire, dans l'évangélisation, il y a ce qu'on appelle annoncer et il y a ce qu'on appelle dénoncer. On ne peut pas annoncer sans dénoncer. On ne peut pas dénoncer sans annoncer. Par exemple, si je vous dis que votre baptême n'est pas valable, je dois vous dire pourquoi et je dois vous prouver bibliquement que personne n'a jamais été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Père est un nom commun, Fils, nom commun, Saint-Esprit, nom commun. Il faut trouver le nom propre du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour exécuter les baptêmes. Maintenant, c'est ça la question d'aujourd'hui. C'est ça la question. Donc, quand ils commencent à se rassembler, ils se sentent maintenant pasteurs parce que beaucoup de gens commencent à venir. Donc, ils ont établi un principe. Et d'ailleurs, la dîme, il faut rapporter la dîme parce que la dîme, c'est pour le pasteur. La dîme, c'est pour ceci. La dîme, c'est pour cela. Bien qu'il n'a jamais vu bibliquement les apôtres quand ils se réunissaient, qui recommandaient aux disciples d'apporter la dîme ou quoi que ce soit. Donc, ils n'ont jamais vu ça. Mais ils vont établir, ils vont initier cela. Et beaucoup de gens vont accepter ça. Ce sont ces hommes-là qui vont vous baptiser. Et que vous allez croire que vous êtes baptisés. Parce que pour vous, vous ne vous dites pas, est-ce que cet homme est appelé par Dieu? Est-ce qu'il a vraiment reçu la révélation de l'Évangile? Est-ce que Dieu l'a mandaté vraiment? Vous ne vous êtes pas posé cette question. Pourquoi est-ce que vous allez vous poser cette question? Vous savez pourquoi? Parce que la majorité des gens qui font partie de ces églises de salles d'attente, de centres de loisirs, la majorité des gens qui font partie de ces églises-là, ce ne sont pas des gens qui sont vraiment convertis. Ce sont des païens, des prostituées, hommes ou femmes, des voleurs, des fraudeurs.
C'est tous ces gens-là qui font partie de cela. Des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc, ce sont tous ces gens-là. C'est des personnes d'autres. Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens en réalité qui sont empêchés à servir Dieu comme il se doit. Mais qui sont là juste. Voilà, ils ne veulent pas rester chez eux. Ils sont venus juste pour, voilà, passer un moment. Se sentir bien. Parce qu'ils vont écouter des paroles qui peuvent les aider à se sentir bien, à se réconforter. Voilà, tout simplement. Mais ce n'est pas parce que ce sont des gens qui ont vraiment pris en compte ce qu'on appelle vouloir servir Dieu, ce que cela veut dire, et ce que cela implique aussi. Parce qu'il y a des formalités à remplir pour servir Dieu. Donc, vous êtes baptisé par quelqu'un comme cela. Et vous vous dites que je suis baptisé. Et il y a le monsieur. Donc c'est Jésus qui disait, et je suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc j'ai fait qu'obéir, j'ai fait qu'exécuter les ordres du Seigneur Jésus. Vous exécutez les ordres du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Hein? Avez-vous déjà été voir les 11 qui avaient reçu ces ordres-là? Les ont-ils exécuté? S'ils ont exécuté cet ordre, ils l'ont exécuté comment? S'ils ont exécuté cet ordre, ils ont exécuté cet ordre comment? Avez-vous été vers les apôtres pour voir comment ils ont fait? Comme ce sont les colonnes, ce sont nos grands frères dans le ministère. Donc, il faut que j'aille voir comment Pierre avait fait après avoir reçu les recommandations de Matthieu 28, 19. Comment Jean avait fait, comment Philippe avait fait, comment les apôtres avaient fait. Afin que je puisse faire comme eux. Non, ils n'ont pas pris le temps de faire cela. D'aller voir est-ce que les apôtres. Comment ils avaient exécuté Matthieu 28, 19. Ils n'ont pas le temps d'aller voir ça. C'est juste qu'ils ont été étudiés en théologie, ils ont loué un endroit, ils ont été au ministère des cultes, déclaré un endroit, une entreprise qu'on appelle l'église, ils ont leur diplôme de pasteur, ils ont assermenté ce que je discutais avec le pasteur la dernière fois quand nous avons eu l'entretien ensemble et par la grâce de Dieu, eh bien. Ils ont été au ministère des cultes assermentés. Donc, ces mecs ont été. Ils ont prêté serment pour pouvoir exercer en tant que pasteur. Mon Dieu! Vous imaginez que vous allez choisir un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui vient d'assermenter pour exercer en tant que pasteur. C'est comme s'il était un avocat. Donc, pour exercer ou bien pour faire partie du barreau, il a été. Hein? Il a été assermenté, il a prêté serment pour pouvoir exercer dans le barreau ou bien le barreau de Port-au-Prince ou des cailles ou peu importe. Vous appelez ça pasteur. Et c'est cet homme-là qui vous a baptisé. C'est lui-là même qui lut dans la Bible. Il n'est pas aveugle, il n'est pas malade, il n'a pas une cécité. Donc, automatiquement, le mec, il a lu, il sait très bien ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Hein? Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, je viens de dire Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre oui, que votre parole soit oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malais. Vous avez prêté serment, cela vient du diable.
Voilà celui qui vous a baptisé. Voilà l'homme que vous appelez homme de Dieu, ayant été appelé de Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est un homme aveugle. Il a dit Jésus-Christ l'a appelé, il vient de Jésus, c'est Jésus même qui l'a appelé, mais il est aveugle, il n'a pas vu que Jésus lui a dit, ne jure pas non plus par ta tête. Donc, ce mec se présente devant des païens, des francs-maçons, des satanistes, et il prête serment. Pour faire quoi? Pour exercer en tant que pasteur. Donc, ça dit, pour exercer en tant que pasteur, le soi-disant pasteur qui a l'esprit de Dieu là, il va assermenter devant un païen, un sataniste, un PD, un massimadi. Donc, c'est ce massimadi là qui va lui dire, ok, mon ami, tu peux exercer en tant que pasteur puisque tu viens de sermenter devant moi. Mais quelle honte! Quelle abomination! Quelle honte! Alors, un voleur, un brigand, pareil, vous a baptisé, vous allez me dire que vous êtes baptisé? Dans quelle Bible? Quand je dis voleur, brigand, je suis dans Jean 10, verset 1er, tout simplement. Ah, donc c'est-à-dire, les pasteurs protestants théologiques qui ont assermenté, ils n'ont jamais lu que la parole de Dieu a dit cela. Je vous dis de ne jurer aucunement, non, mais peut-être que je suis avec, vous ne lisez pas la même Bible que moi. Ne jurez aucunement. Dites-moi les pasteurs théologiques qui ont prêté serment. Donc, vous êtes avec, vous n'avez pas vu que Jésus-Christ a dit de ne pas jurer, de ne jurer aucunement, aucunement mon frère, aucunement. Vous imaginez, je vais exercer en tant que pasteur. Maintenant, je vais voir quelqu'un qui n'est même pas converti. Je vais gérer devant lui, assermenter devant lui, pour qu'il puisse me reconnaître en tant que pasteur et qu'il puisse me donner un document pour me permettre de légaliser. Parce que ces hommes, ces menteurs disent, la Bible a dit, donner à César ce qui est à César, bande de menteurs, un menteur. Vous voyez les apôtres? Lequel des apôtres avait juré pour exercer à Rome? Pour exercer à Corinthe? Pour exercer à Jérusalem? Lequel des deux? Des apôtres? Donc apparemment, Paul n'avait pas assermenté. Parce que lorsqu'il devait quitter la ville, on lui avait mis dans une corbeille pour le faire passer par une fenêtre afin qu'il puisse quitter la ville ou qu'on ne le tue pas. Il y a passé Mackinton. Ah, où est-ce qu'on a passé Mackinton? Après, ça va courir. Même bien, chaque fois courir. Non, tout n'a pas. Bref, faut courir tout de suite. Bref, faut courir pour pas arrêter du tout. Ah, on va honnête. Bref, faut courir. Passé Mackinton donne 2 Timothée 4, le verset 2 Timothée 4, le verset 1er. Je vais regarder le 2 Timothée 4, le verset 1er pour Pasteur Mackinton. 2 Timothée 4, le verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition. Pasteur Mackinton, pas dit mon bon 2 Timothée 4 là pour montrer que Paul jurait. Pas dîme, c'est ça. Pas dîme, c'est ça, on voulait dîme là. Conjure. Quand Paul dit, je t'en conjure. On a les dîmes bien, parce que c'est qu'on est ici, c'est ça, on voulait dîme là. On a les réponds-moi. Est-ce que 2 Timothée 4, 1, on voulait dîme que Paul jurait ici là? On a, réponds-moi vite, réponds-moi vite.
Alors, peut-être que moi, dit ça, je me dédie avec mes longs, malgré l'insister, parce que depuis que je me fais une bonne décision, je me campe sous ça tout. Bon, c'est passé pour tout ça, parce que je discute avec eux. Comme si depuis moi, c'est un sensoriel, je discute d'abord. C'est peu importe, non, peu importe, Jean Sataye, même païen. Même les peu importe, soit dit la petite, le bon côté la privée, depuis l'ouest, c'est salier, la oui, ok, c'est vrai. Mais depuis ce pasteur protestant audacieux, pasteur protestant qui a pris bagage, déjà, il n'y a pas qu'on a rien dans ça, il n'y a pas même qu'on a la dire. On ne pas en discuter avant. Pas dans discuter avant. On va discuter avec là, li don bagay, ou mande le côté le jeune ni, li disparaît. Après, elle peut être li tourne encore. Ça, li, c'est pas pour vous, oui? On va parler d'orgueil. Qui, comment, comprend, comment nous définit orgueil? Ou qu'on orgueil, c'est qui ça lié? C'est le codim Patrick. La Bible dit le blanc, et m'gade m'li mouel blanc vrai. Et puis, m'bavle admettre li. On veut être en l'air parce que comme c'est si m'admettre c'est soumettre nous mettre avant. Non. Maintenant mais sans c'est à deux comme ça assermenter c'est pas un serment, c'est un engagement. Engagement envers qui est-ce qu'on engagement envers l'État, envers franc-maçon sataniste dans le ministère dès qu'il aura le engagement. Comment tu madame Noël encore, tu madame qui te qu'on a parlé pas on parle encore oui. Comment le encore aïe. C'est pas Stéphanie non. Et comment dire encore? Ti madame non oui. C'est Laura. Merci frère Volti. En vérité, c'est Laura. Ma prend c'est Laura pour mon bon Dieu. Pas me doit pour mon bon Dieu. Non même avec ton. Bah chez un gros pain aujourd'hui. Laura a plus bon sens face au rimaque ton. Parce que au moins Laura a bon sens. Soit dis sous ta tête ou à quoi parole ou à doupi bon que Laura gagne bip. Bon Dieu relo, mais Laura fait pression oui garçon. Mais qu'on a le doux, on s'est belle avec Mackinton, assermenter est un serment, n'est pas un serment, c'est un engagement. Qu'on a pris un bibou, prouvez qui boit la Bible, bon doit pour aller assermenter, pour aller pour engagement devant païen. Qu'on a dit qui boit la Bible, dit qui apporte qui t'a fait démagogie ça. Maintenant, nous, si vous répondez, tout retire dans la vie. Allez, allons l'autre côté. On a les bons textes à côté aujourd'hui. Parce que comme on nous parcourit, c'est pas courir ou courir, maintenant on attend nous. Sous pas qu'à répondre, pas parler dans la chat là du tout. L'autre à répondre, dès pour répondre, ou mettre parler, pas de problème. Mais dès pour pas qu'à répondre, moi, pas parler du tout, fait silence. Est-ce que d'accord avec nous? Quand on dit, dans qui Bible, ou jouen que yon pasteur, que Dieu baille, dans 5 dominicaires, Ephésiens 2 et 11 là, qui bo la Bible mandé, pour yon pasteur à assermenter pour le prendre engagement devant des gros païens satanistes, dim nan ki bibou jwenn ni, koto jwenn ni. Et puis ou mettre te nan chat la. Sou pa ka prouver ça bibliquement, pas écrit. Pas parler, fait silence en même. Pito Laura, c'est Laura, quand Dieu dit Laura, pito li même li vin nan chat la, là il parle. Parce que ou moins li même il y a bon sens. Protestant mauvais, protestant pas moun bon Dieu, protestant c'est gros païen ou joué. Même catholique la fait pour nous. Protestant. L'aime nous massive à protestant massive parce que protestant trop sans honte, protestant trop pas respecter moun. Protestant pas tout moun pour égarer. Protestant prend tout moun pour égarer. Wow! On pas bloqué mais sous son monde sérieux sous gen bon sens oui sous pas capable me koto jeune dans bible ou pas parler mon cher ou pas parler pas bloqué mando sous gen bon sens oui répond prend bibou répond dit koto jeune ak ça qui bon jeune ni en aller parce que sous son monde qui gen bon sens ou bon Dieu le vrai ça que on dit bon l'autre pour la sémenter. Comme on dit à sermenter, c'est pour sermenter lié. Comment est-ce s'il vous plaît, mes amis, bon petit bail, mon qui n'a chat. Là, on passe à la sermenter. Qui ça dit? Est-ce qu'elle dit Jésus? Comment elle dit même? Est-ce qu'elle lève mes lanes? Est-ce qu'elle met mes mains sous Bible là? Dis-moi non. Comment on fait à sermenter, mes amis? Dis-moi petit bail. Parce que comme on va faire, on va connaître comment on fait. Dis-moi non. Comment on va la faire? Là, on passe à la sermenter. Parce que avocat, c'est même pas là où faire.
Vous comprenez que de côté comme ça vous faites. Dis-moi, comment vous faites, mes amis? Dis-moi, qui est-ce qui est au courant, comment ça fait? Nous ne mettons pas les gens qui sont devant nous, les gens qui sont dans le chat, qui sont à côté de nous, bah, mon petit bagage. Comment le passer à la sémanté, comment vous faites? Parce qu'elle dit son engagement, là, elle prend. Vous comprenez? Ça dit engagement, c'est pas un serment, son engagement. Gardez la définition, citoyenne. Comment c'est monté son bagage, monsieur, vous venez avec lui, bon, regardez, bon, bon, mal sur Google, bon, mal sur Google, bon, mal sur Google, mes amis. Et c'est, protestant, ouais, depuis c'est moi qui a parlé, ouais, depuis c'est moi qui a enseigné, qui a parlé, monsieur, depuis nous parlons, Bible, nous n'avons pas envie de parler, plutôt nous tout fait silence, attendez. Attendez, promesse de fidélité, à qui est-ce là, promesse de fidélité, de respect, à qui est-ce là, le fait là, à gros parrain, yo. À André Michel, quand il l'aura dit. En tout cas, c'est nous fort, monsieur. Nous fort. Aïe. Sans promesse de fidélité. En promesse de fidélité, là, le fait. Oh, Seigneur Dieu. Hein? Oh là 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 là. Aïe. Bon, regardez-moi, assermenté, définition. Mais ça va mettre pour nous. Oh, mes amis, mon Facebook, pas ka wè. Pour nous, comment. Ou quoi ça m'a fait pour Mackinton? Mets-toi à genoux. Marre de mon derrière. Fouette-toi bien fouette. Pour crétin. Et ça m'a fait. Mes amis, gardez pour nous. Nous qui devons nous ka wè. Et comme non. Et heureusement, je suis sur Google, mes amis. Qui ça nous lit là? M'bezon moun sou. Lis pour moi, s'il vous plaît. M'bap li peut-être. Et Mackinton a dit c'est moi qui ai inventé ça. Lis pour moi, mes amis, j'ai besoin de lire et faut lire pour ça, pour tout le monde qui attendait. Attendez, bon mon titre pour nous capables de lire pour moi, mes amis. Lis pour moi, parce que moi-même, next, c'est pour me faire, comme la Bible demande pour me faire mes bouches, ça qui me prend un gage pour me faire mes bouches pour tout ça. En allez, qui est-ce qui a lu pour nous? Mais juste là devant nous, qui est-ce qui a lu pour nous? J'ai besoin de monde qui lit à votre frère Volsi, ou qui a lu pour moi? En allez, non, lis pour moi, pour que mon yo attendez, s'il vous plaît. Frère Volsi, est-ce qu'on calme pour moi? Assermenté. Comme qui définition le bail? Mon le monde. Comment le monde traduit? Parce que son bail est le monde lié. Comment le monde traduit assermenté pour moi, s'il vous plaît? En allez, je ne peux pas lire non, parce que si je lis, Mackinton a dit que moi qui inventé. En allez, lis pour moi, assermenté. Qu'est-ce qui applique pour moi? Qu'est-ce qui applique pour moi, mes amis? N'importe qui. Avoir prêté serment en vue de l'exercice d'une mission, d'une fonction, d'une profession. Relis là quoi pour moi, servante. Relis pour moi. Assermenter veut dire quoi? Assermenter veut dire avoir prêté serment en vue de l'exercice d'une mission, d'une fonction, d'une profession. Deuxième partie, avoir prêté serment devant un tribunal avant de témoigner à la barre ou d'y exprimer un avis. C'est vrai, tout qu'on lit, oui, bravo. Tout qu'on lit. Gloire à Dieu. Frère Volsi, date ma prélo là. Faut écouter lire moi, frère Volsi, pour sans s'inscrire les Mackinton, non, qu'attendez. En allez, lis pour moi. Avoir prêté serment en vue de l'exercice d'une mission, d'une fonction, d'une profession. Deuxième partie. Avoir prêté serment devant un tribunal avant de témoigner à la barre ou d'une exprimer de l'avis. Merci, Pi, nous connaissons ça. Donc, Mackinton, qui sort ce dit? Bon, regarde la définition Mackinton pour moi. Comment nous, qui ça Mackinton écrit comme pour le définir assermenté, mes amis? Pour comment protestant crétin? Qui ça Mackinton écrit dans la définition là? Assermenté, c'est une promesse de fidélité et de respect de l'institution. Mackinton, gros crétin, regardez, allez sur Google, je parle dans la Bible pour me définir. Si c'est un mot biblique, je parle dans la Bible pour me définir parce que je n'ai pas besoin de Google pour me définir mon mot la Bible parce que c'est la Bible qui explique la Bible.
Mais Mackinton Cretin, gardez pour voir comment il définit qui ça veut dire assermenter, mon ami. Donc, et pour reconnaître qu'on baille moun menti, reconnaître qu'on son chrétien, reconnaître. Si vous pas reconnaître qu'on son chrétien, pas écrit dans le chat moyen. Parce qu'on pas digne pour écrire dans le chat moyen. Parce qu'on pas de conscience ou pas honnête. M'vle moun honnête. Moun honnête. Les nous protestants chrétiens, protestants hypocrites, protestants pas sérieux, c'est gros menteur, c'est pas menti. C'est pas menti. Regardez pour vous. Assermenté par définition, selon Google, hein? Avoir prêté serment en vue de l'exercice d'une mission, d'une profession, d'une fonction. Ou même pour la ni fonction, déjà, protestant, parce que protestant, ouais, tous les trois bagages, il y a la donne. Parce que protestant, il y a le protestant, c'est pour une fonction, c'est pour une profession, c'est pour une mission. Parce que ça a fait à son fonction bien. Son profession lié, son mission qui est lié. Bambocher ça. Légalement, il y a un droit pour égorger les gens, casser les gens pour dire que les gens disent ça chaque mois. On dixième chaque mois, parce qu'on a qui bib yo écrit. C'est-à-dire, au moins, nous avons prouvé les gens, dans qui bib nous avons dit pour nous porter un dixième dans ça, les gens chaque mois, qui bon ça écrit dans la Bible. Qui bon? C'est sûr que nous avons continué à écrire dans chaque point là. L'a écrit parce que li pa gagné bon sens pour ta gagné conscience pour le répondre pour ta dit mon cher serviteur la vrai ou bon sous moi pour ta gagné conscience pour ta dit mon cher c'est vrai oui m'gen les parler trop vite parce que orgueil là qui bolé c'est là que orgueil là l'orgueil là la caillou ou connait pour ça orgueil la caillou on lui prend conscience ou reconnaître même l'orgueil pas d'accord avec orgueil pas mes forme tête pour Mackinton mais pour reconnaître ça m'a dit c'est vérité. Ou à m'oblige quitte bip moué pour me garder ça le monde dit de assermentation pour me kadou, mais qui ça? Mais parce que me connais son bam n'arrive pas salié. Parce que même avocat yo, tout moun yo le pou yo exercer, faut yo prêter serment. Koun ya comme bip qui nan moun, c'est tête en bas l'île. Ou pas respecter Jésus parce que Jésus pas très l'ouvre le paro yo. C'est chaque fois par que Jésus Christ dit dans Matthieu 5 là. Li dit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens. Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais, le verset 34, moi je vous dis de ne jurer aucunement, de ne jurer aucunement, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marche-pied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, parce que tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Verset 37, que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malais. Après, elle peut être notre ministre dit qu'il a pour dire, moi, la sémanté en vrai, t'es baka, diable, la sémanté, baka, et diable qui m'a dit, nous, elle fait. Parce que la Bible dit, tout ce rajouté, c'est diable, la boli. C'est baka, c'est pour Satan dans le petit sémanté, monsieur. Pour Satan. Mais si pasteur t'en dit qu'il a sémanté, non, ministre dit qu'il dit, c'est pasteur, tous ces agents du diable, oui. Tout son paquet de bonnes bambos chéri, un paquet de bonnes vacabons. Même Jean 10 verset 1, Jean 10 verset 1, on compte ça le dit? Hein? Gardez Jean 10 verset 1, bon, les Jean 10 verset 1 pour ouais, monsieur ça. Même nous volé, nous m'a passé ces jours, m'a joué, non, m'a précité verset, m'a précité, ou m'a fou, m'a pas le don bagay qui m'a pas prouvé, vous dites l'écrit? Hein? Ou m'a semblé un monde qui parle ou m'a don bagay qui pas écrit? Après ça, pour dire, c'est vite sorti la photo de Venni. Ami, pour m'a pas rien, pour m'a même et Mackinton. Non. Ou bien c'est oui, Mackinton a pris. Ou sans honte, Mackinton. Ou juste sans honte, c'est tout. Ou sans honte. Paul a raison avant, oui. Philippiens 3, 2 à sous. Je ne vais pas préciser pour nous, même là. Philippiens 3, 2 sous. Philippiens 3, verset 2 pour. Boum, dans le figure. Boum. Je ne vais pas préciser, non. Si je récite, je dis, manque au dégât. Mais Philippiens 3, 2 pour. Philippiens 3, 2 pour. Si on a Philippiens 3, 2 dit, ou à on dit, j'aime plus tout. Bon. En allant. Jean 10, le verset 1er. Qui ça Jean 10 verset 1 dit? Si ça m'a dit pas écrit, si stoppez-moi, dit ça vite, ça dit pas écrit. Voyez ça dans la poubelle, moi. Et puis m'apprenez, j'étais dans la poubelle de l'île à écrit. En allez. Jean 10 verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Ou vine exercer tes pasteurs, ou escalader Mackinton, ou pas passer par la porte. Parce que le point de la porte là, c'est révélation que mettons en dedans.
C'est Christ qui a pour en dans le bon révélation. Ou même, ou achète à des mon paquet bambochet dans le ministère de Kim, mon paquet sataniste dans le ministère de Kim, mon paquet corrompu dans le ministère de Kim, mon paquet massi ma vie. Kounala, qui sont en fait, ou elle s'émonter devant yo pour yo avoir accès, pour exercer en tant que pasteur, pour exercer fonctionnant, professionnant, missionnant. Et puis, nous avons été pasteur pendant ce temps, Jésus-Christ qui met l'évangile là, ou pas de jurer. En aucune manière, tu n'as pas le droit de jurer. En aucune manière, ou mon pote tête ou elle jure, ou elle tête ou son volet, ou son brigand. Philippiens 3D, je ne sais pas si tu as dit Philippiens 3D. Ou a dit manque ou dégâts. Ou a acquis, mais dès que Philippiens 3D, ou bien manque, ou bien à deux mondes, à mettre dans le Paul et Paul qui t'a écrit. Par contre, ça m'a dit. Par contre, ça m'a dit non. Ok. Et heureusement, tout ça m'a dit écrit. Peuple là, il a su, il a entendu, il a dit non, mais il a examiné avec. Ou même si par contre, ça m'a dit, et qu'on a la prouvé, nous qui ça pour me dire, dis-nous qui ça qui écrit. Ou pas que tu m'as sermenté, c'est qui ça? Assermenté, c'est comment te dis? Bam regarder moi, assermenté, bam regarder définition et Mackinton non. On tellement aimer définition non, next série Mackinton, next série protestant Shelby. Et bati Mackinton qui là, un gros tonton Mackinton qui là. Série. J'ai définition tête en bas, il vient là dans sac monde là, comme s'il passait. Ou pas dans Bible, pas problème avant, moi le tout hein. Assermenté, c'est une promesse de fidélité et de respect de l'institution. Dans le connaît qui est institution, l'église ou bien les administrations de l'État. Donc, quand il va le prêter serment pour respecter l'institution, qui est institution là, l'église ou. Gardez l'État de Dieu ici. Gardez mal, il fait un Dieu ici. Bon, nous, Mackinton, son gros menteur qui est lié. Clair, nous voyons ça, ça veut dire assermenter et nous voyons qui ça la Bible dit. T'as les allégories en verset 2 Timothée 4, le verset 1er, côté Paul dit, je t'en conjure devant Dieu. Hein? Quand il voyait lui, modèle qui ça lui dit? Est-ce qu'elle lui dit que Paul t'est assermenté? Comme si Paul t'est assermenté, bon déjà pour le temps, il a assermenté, il faut le dire, qui est Paul t'a assermenté? Qui profession, qui mission Paul t'a pas le prendre? Qui responsabilité? Qui. Bon, déjà, nous même pour ça nous grave. Et vous dites pourquoi vous aidez Timothée? T'es chargé. Oh, regardez l'histoire. Vous êtes là. Mais vous avez demandé, est-ce que l'église va une institution? Bon, l'église peut être une institution. Nous avons une politique, nous avons toutes sortes, nous avons tout bien, nous avons tout. Nous avons toutes sortes. C'est une institution, nous, vrai, monsieur, parce que. Et comme dans l'administration de l'État, là, on regarde, on rentre dans le bâtiment protestant, on n'a pas qu'un drapeau en haut, drapeau en bas. On a dit que nos ministères ont entré tellement de drapeaux en dans le bagage. Par contre, qui ça s'agit pour l'église, qui ça l'église a le perdu là. Et je vois, donc son institution, il est vrai. Qu'on a la sainteté. C'est pas dire, est-ce que l'église par une institution? C'est vite. Ou c'est tout ce monde bon Dieu. Si on veut dire qui ça l'église, c'est non Bible là pour la même. À la Bible, dis-moi qui ça l'église. Ou autrement, ou quand tu tapes mon église sur Google, sur pas qu'à la Bible. Et puis Google définit mon église bon encore. Est-ce que vous comprenez? Définit mon église bon, parce que là, vous prenez pour bagaille le monde pour définir ou pour aller remplacer par bagaille spirituel. Mais serviteur, je ne comprends pas. Moi, le serviteur, par exemple, le serviteur de Dieu, non, le serviteur dit Diabouye, il me dit serviteur, pas maintenant, t'as vu mon Christouille. Et bien, ça me l'a dit. Il me dit serviteur, je ne dis pas serviteur, parce que le serviteur de Dieu. Bon, on a une définition de l'église, donc. On a une définition, on a une définition de l'église, là. Définition avec Mackinton. Église, on a une église. Nous ne voyons pas comment les mots définis. Mais et définition les mondes là-bas, même j'ai parlé de la Bible définit l'église en l'autre manière. Nous comptons qu'il y a la Bible définit l'église. Mais là, comme Mackinton dit, avec les mondes liés, je me suis mal rencontré M. Côté Lia pour me mettre M. Non. C'est Mackinton, il y a quelque chose à faire même. Mes amis, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Lis pour moi, définition de l'église, s'il vous plaît. Mackinton, je dis que l'église son institution qu'elle est. En définit l'église pour moi. En allez, qu'est-ce qu'il y a pour moi? S'il vous plaît, fais-moi valeur, lis pour moi, s'il vous plaît. En on lit. Définition de l'église. Bam souligner pour nous en bleu pour nous capables bien ouais, moyo. En allant. Définition de l'église. L'église, qui ça lit pas définition. Qui ça? Ah, il y a une définition. Bam cliquer moi. Église.
Ah non, c'est moi seulement dit, il va expliquer phrase. En allez, définis pour moi, s'il vous plaît. L'église, par définition, c'est qui ça lié? Ensemble des chrétiens, ensemble de fidèles chrétiens, unis dans une communion particulière, par exemple l'église catholique orthodoxe. Donc ça veut dire nous pas ouais institution là-dedans. Non. OK. Donc il dit l'église c'est un ensemble de chrétiens, on va parler d'institution parce que toute institution sur bagaille étatique est liée. Bon, bagaille protestant sont institutionnels parce que son bagaille étatique. Pourquoi? Parce que c'est l'état bordois. Et je suis d'accord avec Mackinton qu'elle dit l'église sont institutionnels. Parce que l'église ou devant l'an sont institutionnels. Pourquoi? Parce qu'elle prête serment devant l'état pour l'état bordois pour exercer sous bagaille ça à l'état bordois, lui déclarer. Donc son institution liée. Mais l'église Christ là, c'est pour institution liée. Son ensemble, son famille, son maison spirituelle. Et bon, définir par biblique. Bon, mais c'est ouais, bon, pas quitter le monde. Bon, 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 pour entrer dans la Bible là. Bon, entrer dans la Bible, bon, quitter, monsieur. Hein? Et Pierre 2. regardez dans la Bible, mais regardez dans la Bible. C'est ma petite démagogie pour me corriger. On comprend pas, il y a des fois l'homme qui est dans le. Il tombe dans la démagogie. Hein? On a dit ça m'a dit pas biblioé pour qu'on les oreilles moi. Vous comprenez moi? 1 Pierre 2. Hein? 1 Pierre 2, le verset 5. Elle dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc l'église est une maison spirituelle. Donc elle dit, ça va gagner pour l'ouak la terre même. Bah, qu'est-ce que nous entraver? Ça va gagner pour l'ouak bagaille la terre. Et ça qu'elle va faire une institution tout. Il n'y a pas de gros drapeau devant, drapeau Haïti, États-Unis, drapeau la France, drapeau ceci, drapeau cela. C'est vraiment son institution, il y a vraiment gros drapeau. Regardez dans vieille église Mallory, vieille église ceci, vieille église cela. Bon, on n'a pas de vieux drapeau, ou t'as dit c'est dans quelques ministères entre eux. C'est normal son institution. L'exemple, c'est seulement il y a le prêté pour exercer. Il n'y a pas respecté Matthieu 5 à côté Jésus qui dit pas juger. Puis il y a nous juré aucunement. Bambocher, ça ne veut pas Christ qui est là. Il y a dirigé pour l'État. L'église, c'est pour l'État lié. Et ça, il y a déclaré l'église à sous nom. Il y a un papier pour exercer en tant que pasteur. Donc, monsieur, ça, c'est à faire l'État, il y a réglé. Son institution, il y a. Mais l'église, Christ, qui ça veut dire? Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Là, vous faites comprendre, l'église, son maison spirituelle qui est liée. Je continue à regarder quelques définitions de l'église, qui ça dit de l'église, pour continuer d'aller là. Bon, maintenant, Éphésiens. Alors, bon, bien aimé qui ton bagay, ce n'est pas Nations Unies, l'église. Bon, je ne comprends pas ça, bien aimé, avait dit. Ou a dit le plus clair pour me comprendre. Parce que je ne comprends pas ce que je dis. Je ne peux même pas faire un petit commentaire sur ce que je dis. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas faire un commentaire sur ce que je dis. Ok? Ok. Donc, à nous garder pour nous. Je vais retourner dans Éphésiens 4 là pour me garder toujours. Parce que, avant de prendre Éphésiens 4 là, je vais me tourner parce que là, nous avons regardé la définition de l'église. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que des fois, nous perdons nous perdre tête nous. Nous parlons de la Bible et puis on dit nos démagogies nous quoi. A dit, ma question dit démagogie tête en bas là et puis nous juste quoi nous répéter démagogie. Mon âme dans la Bible. Je vais mettre dans la Bible, je vais mettre dans la GN. Et allez, nous avons Éphésiens 1, le verset 22-23. Qui ça le dit? Hein? Quoi, c'est monsieur. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps. Donc l'église est le corps de Christ. Hein? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, l'église, son maison spirituelle, son sacerdoce royal, son nation sainte, c'est le corps de Christ. Et son ensemble de monde qui réunit ses corps christiens. Donc, ça, c'est l'église. Ça, c'est l'église. Bon, avant, c'est plus devant. Vous comprenez? Aïe, définir sur l'église où on est babouché pour tes pasteur théologie, pour tes babouché, ça va bien définir l'église. Bon, bibliquement, et voilà, c'est type, et à faire pas, bon, même celle là où je suis, mais je vais pas définir l'église. Son institution. Bon, j'ai bien ça, pile. Oh, institution. En allez, on continue dans la définition de l'église, on est mieux. Notez ça, même, ça m'a dit là, oui, c'est important. Parce que l'église n'a pas défini pour Mackinton. Vous comprenez? En allez, Ephésiens 2:20. Qui ça le dit? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc ça dit Jésus-Christ est la pierre qui est même maison. En lui, tout l'édifice, ça veut dire tout Kaila. Kaila, Kaila, pas l'édifice, il n'y a pas l'église. Et pas bout de bloc. Mais c'est OK, non? Et ça, quand nous, l'église de Boal, peinture l'église, c'est pour tant de comme il y a le dimanche matin, tant dimanche matin, tout le monde finit réuni, qu'on a pris quelqu'un, mon avant, commencé à bassiner, figui, tout le monde a peinture. Bassiner, figui, pasteur, bassiner, figui, tout fidèle. Les hommes, pourquoi? Ou vini, vini, sale, mon a peinture, comme ça, disent, comme passé à mander pour peinture l'église, comme c'est nous que l'église, vini peinture, non? Bassiner tout le monde. Ou pas capable de peinture l'église, ou tant de pagues, pour venir peinture l'église, ou venir peinture mon bout de caille, en bout de mi, en caille, ou peinture. Ou pas peinture l'église. Et pourtant, les foulas, ou venir bombarder les figures à peinture, laisse ça, ou peinture l'église. Laisse ça, ou toucher. Vous comprenez? En oualle. En lui, tout l'édifice, qui l'édifice lié? Maison spirituelle là. Caille là. Koa. Église là. Ensemble des mounes, non. C'est ok, édifice. Ça veut dire, nous former un édifice. Vous comprenez? C'est pour l'édifice physique, non? Spirituel, nous sommes dans 1 Pierre 2, 5 là avant. En avance, en lui tout l'édifice, bien coordonné, célèbre pour être quoi? Un temple saint. Un temple saint, c'est pour un bout de mi-saint, non? C'est pour un bout de bâtiment pile bloc qui saint, non? Un ensemble de personnes qui formaient un temple saint. Hein? Un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être. Qui s'allie? Une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire l'église, son habitation de Dieu en esprit. Hey! Peut-être n'a pas de problème avec nous. Mais nous n'avons pas de raison. N'a pas attaqué un poignet. Ça, c'est dans la Bible noire, il écrit. Nous pas avec. Nous qu'on lit. Lit dans la Bible noire. En sérieux, monsieur. Tout, regardez, nous tout qui là, que soit côté nous, il y a 10 000. Dans tout ça, nous autres li là, est-ce que nous avons un bagay qui a un rapport avec un caille physique qui construit? Non. Donc l'église, par définition, qui s'allie? Une maison spirituelle. Autrement dit, le corps de Christ. Autrement dit, une habitation de Dieu en esprit. Autrement dit, l'édifice de Dieu, la maison de Dieu. Et l'on dit maison de Dieu, n'est pas qu'à physique. L'on dit édifice de Dieu, l'on dit corps de Christ, n'est pas qu'à physique, n'est spirituel. Pourquoi? Parce que tout le monde qui l'a dans 1 Pierre 2, c'est le monde qui est spirituel. Oh, si vous ne faites pas spirituel, vous ne faites pas partie de l'église Christ là? Vous ne faites pas partie de l'église Christ là? Ou pas de mouvement spirituel pour de mouvement partie de l'église, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais continuez à nous définir l'église. Mais continuez à parler de qui sacre l'église. Eh, mes amis, oh, regardez qui sacre les protestants. Oh, mon gars, là, nous faisons pause. Mackinton, le faux pasteur Mackinton, déclare dans les commentaires « Malheureusement, vous avez devant vous des gens imprégnés par votre enseignement. L'Église est une institution, mon frère. C'est un groupe d'individus et régi par un enseignement et des méthodes instituantes, internes ou externes. » Ah, monsieur, ça c'est normal, théologien, monsieur prend des magoïsales, il n'a rien à faire de là. Donc ça veut dire, monsieur, ça n'a pas besoin de changer, laissez monsieur tranquille. Donnez mes amis, malgré ce. Hey! Prends Google fait même bouche Mackinton sous définition l'église. Bon, même dans Bible découpé le pack en pack. Malgré ça, où elle était aliénée, zombifiée. Et puis ça puis mal là. Quand il me dit quel utopique. Vous comprenez? Ça puis mal là, il continuait pour aller son sophie.
misérer, li continue dans salabdia, comme si pour nous que salabdia, c'est ça lié, même les Google démentil. La Bible encore, fina monsieur. Mais quand même, li continue là-dedans. Li continue. Pour la dit la Bible, l'église son institution. Bam, qui bon la Bible dit que l'église son institution. Moi, déjà, nous, pour l'église, ou déjà son institution, je suis d'accord avec vous, dans le domaine où l'église son institution. Je suis d'accord avec vous par rapport avec Google, je suis d'accord avec vous. Google, je suis d'accord avec vous. La Bible, je suis d'accord avec vous, parce que l'église par une institution, selon Google, voit la Bible même. Mais l'église son institution pour faux pasteurs, ça, parce que vous avez prêté serment. Et c'est l'État qui a le droit pour exercer. L'église, vous avez exercé, c'est l'État qui l'a déclaré dans l'État. Donc, l'État a des autorités sous l'église là. Et qu'on a le bail professionnel bandit volé brigand ça pour exercer sous l'église ça. C'est ça que professionnel ça relève l'église à ou institution. Oui, c'est ça que nous devons mettre drapeau, nous devons vider, mettre drapeau, monsieur, parce que c'est une institution étatique que nous avons devant nous. Non pas qu'être bande politicien nous y est. C'est ça notre église, c'est pas fait Christ après l'église. Mais vraie l'église Christ là, il n'est pas une institution, mon ami, c'est une maison spirituelle, attendez. Il n'est pas même physique, aucun moment je ne sais pas qu'à l'église Christ là, parce qu'elle est spirituelle. Pierre de Saint, et vous-même bien vivant, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un seul sacerdoce. Donc ça veut dire l'église, l'est spirituelle. L'église, l'est spirituelle, l'est pas physique. Donc si l'église spirituelle, il va comme institution, toute institution, son bagage est physique, son bagage est au cas là où elle prend service, et service à pour tout le monde. Pendant ce temps, l'itel. Bagay yo a tellement son institution, oui. Vous connaissez des fois, yo fait men, yo fait payer entre, yo fait conseil payer entre pour entendre de bagay la fopé. On dit si on dit oui. Ouais, on dit si on dit, yo gagne pour y a payer chaque mois. Vous comprenez, y a payer pour sur le revenu, le revenu mensuel. Son institution, les femmes. Ok. So, by what? Oui, by what, son institution. Mais les églises des saints, en côté 433, c'est pas une institution, ils ont maison spirituelle. Dans les femmes, li pas physique. Personne pas qu'à venir camper. Pour bien dire que l'église son institution liée l'église on a c'est dès qu'on monsieur t'es capable moi si Google te bal réseau Google va bal réseau on comprend ça que mal dans Google mal dans Google on a pour regarder moi qui ça Google dit de l'église Google définit l'église pour nous on a regardé pour nous assermenté qui j'a défini le mot assermenté là on a regardé assermenté c'est ça. Bon, qui dit tous les débats devant l'écran. Bon, m'ouvre l'autre page. Parce que citoyen, ça fait mourir. Vous comprenez moi? Il fait mourir. Qui ça nous dit assermenté, moi, mettez assermenté encore. Assermenté, avoir, hein? Assermenté. Parce que monsieur te dit assermenté, c'est juste que et son engagement, ou son promesse d'engagement qu'on prend envers institution. Yo. Donc, elle dit ça, ouais, ça pas gagné pour la Bible, ça pas gagné pour l'évangile, ça pas gagné pour la Bible du tout. Et aucun faux pasteur. Pas qu'à venir devant pour le prouver. En rien dans ça, il a fait là, c'est la Bible qui dit. En rien. Ou à sermenter, c'est pas Bible. Ou théologien, pas de Bible là. Ou prêter serment, pas de Bible. N'attendez pas. Mais nous pas qu'à dire rien, nous pas qu'à démentir rien. Nous pas qu'à venir prendre Bible pour venir devant. Nous pas qu'à venir la Bible devant, monsieur. Mais nous défie prendre Bible venir devant. Jésus-Christ dit pour ne pas sermenter aucunement. C'est ça le dit. Aucunement nous pas de sémenter. Mais qui ça nous fait nous-mêmes, monsieur? Hein? Nous passons temps nous, n'a pas sémenter, pas vrai? Ah, n'a pas sémenter, monsieur, n'a pas sémenter, n'a pas sémenter. N'a pas sémenter, monsieur. Sémenter, sémenter, nous, attendez, monsieur. Sémenter, sémenter, nous. Passez temps nous, n'a pas sémenter, attendez, monsieur. Sémenter. C'est monté. On a résisté. Mais il passe. Il y a un pile passé dans le chat là. Toutes ces gens qui ont sémenté, ils ont des serments, l'église, ils ont déclaré. On a demandé à qui vit Noël. Monsieur Vinsou, dis-moi qui vit Noël. En allez. Dis-moi qui vit Noël. Moi, Mackinton, pasteur, soi-disant Mackinton, je dis l'église sont institutions. Google dit menti. Les mal dans la Bible a panni. Bible a panni complètement. Et ça, comme l'a dit Jean 10, 1 et Philippiens 2, 3. Philippiens 3, 2 à Bali. On n'aime pas répéter, non, on va répéter pour dire et moi parler. On a dit, c'est facile à mettre en bas pour Paul. Philippiens 3, 2 à ça nous, monsieur. Philippiens 3, 2 à ça nous. Bon, l'île pour nous, monsieur. Bon, l'île. Parce que la Bible m'a plié, pas moi qui ai inventé. M'a écrit, m'a appelé l'île pour nous, monsieur. Oh, bon, l'île Philippiens 3, 2 pour nous, monsieur. Oh, bon, l'île Philippiens 3, 2 pour nous, m'a répété, m'a appelé l'île pour nous, monsieur. Hein?
Comme l'île pour nous, je n'ai pas monté écrit. Et Paul, nous suivons, regardez-moi, qui a cité écrit, pour ne pas dire moi dit ça, pour ne pas dire et moi qui a manqué au dégât. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe et aux évêques et aux diacres. Donc ça veut dire, automatiquement, l'église, en plus, ouais, pour qu'on peut dire à tous les saints, l'église de Philippe, ce sont des saints. Donc ça, ça va donner pour la question. Moi, mais l'évangile, tu sais. Si nous sommes contents, c'est pas comme si l'autre bagaille, nous sommes contents, c'est pas comme si nous sommes contents. Ou tout, tout d'homme gris, tout d'homme de yo. C'est pas faute, moi. C'est pas faute, moi. C'est émotion, grâce, mon Dieu, comme ça. Je suis tellement content. Parce que mon Dieu fait me faveur ça. Et, bon, regardez, moi, melon, melon là, parce que écrit sur nous, là. Et, ou pas, j'ai une Bible, non, frère Patrick. Qui j'ai ou comprenne, ou met 13 là. Bon. Mais vous n'avez pas dit que je n'ai pas de Bible. Mais en tout cas, je n'ai pas suivi au juge. Est-ce que je n'ai pas de Bible? Comme vous dites que je n'ai pas de Bible et pour demander une explication, vous mettez 13. Je n'ai pas de problème à vous. Je n'ai pas de problème à vous. D'accord. Et qui ça le dit encore? Et qui ça le dit homme de Dieu? Enfin, même si après le monsieur, homme de Dieu. Je ne sais pas homme de Dieu. Je ne sais pas qu'il n'y a pas la sémanté. Je ne sais pas qu'il n'y a pas homme de Dieu. Je ne sais pas qu'il n'y a pas la sémanté. Et qu'on a bon mais gars et les Macinton n'a dit que ou pas comprendre définition Google là. M'a comprendre définition Google là et Macinton. Donc ça veut dire définition Google là mande compréhension. Donc bon interprétation de bon. Et ben dit non dans grec là comment dit. Là comme nous mais voilà déjà défini. Dans le grec le mot grec qui dit assémenté, le mot grec qui dit ceci. Bam grec, la vie ça le dit, frère. Bam ebouéa. Bam ebouéa selon l'exégèse. Expliquez-moi selon l'exégèse. Selon l'herméneutique. Parlez-moi selon les scolastiques. Définis-moi. Imagine le Google, mais ton bail devant j'ai mon pour la musée, tu ne vas pas comprendre ça Google dit. Bon, mais mon monde qui parle à l'école, tu ne vas pas Google dit. Bon, tu ne vas pas comprendre ça Google dit. Eh, quand est ta monsieur yo? Nous pas honte dans le côté seulement parce que ça parle dans la Bible là et Jésus qui parle droit pour monde sémanté, monde parle yo sémanté. Oh, bon mal répondre melon pour mal répondre melon, me ferme bouche melon parce que melon en gros que t'es melon, melon pas respecter rien du tout. Melon dit qui ça melon dit ou pas gain Bible non frère Patrick. Qui gens ou comprendre Romain 13 là? Bon, li ban yon chapitre, mes amis, li mande m koman m kompran Romain 13 parce que m pa gen Bible. M pral rann melon service pou m gade Romain 13 la ak melon. Et m kite définition sa yo devan nou sou assermenté, définition Google la, et l'église, définition Google. Pendant ce temps, nou konnen bibliquement ki sa la Bible di sou bagay sa yo, deja m sou montre nou la. Nou clair sou sa. Kounen m pral gade Romain 13. Parce que les protestants, qu'elles soient côté ou venus, il faut nous courir, l'évangile va nous doit pour nous faire mes bouchons, il faut nous faire mes bouchons. Nous avons plaisir pour nous faire mes bouchons, mais c'est ça, l'une après l'autre. Romain 13. Romain 13, Mélan. En aller. Mais c'est dit, je ne comprends pas Romain 13 là. En nous regardant qui ça, Romain 13 dit. Bon, et poche-t-il pour nous-mêmes qui là. Romain 13. Alors, gay moun ki pa ka wè ekran nan, alors juste pran gade nan Bible non, Romain 13 la, na gade nan Bible non, et puis pou nou kapab nan menm niveau avè moi, nan sa ke mwen pral explique a, Romain 13. Alors, mwen pa pral explique non, mwen de hadi nou la doctrine li littéral, pa gen aucune explication, interprétation, selon l'exégèse, l'herméneutique. Oui, dans le grec, ceci, c'est l'autre. Bon, c'est la on est dans la doctrine. Nous sommes dans la doctrine. Donc, pas grand, il va l'expliquer, ça va le dire. Qui va le dire? On a l'air, on met des parts de vous dire, on met des parts de vous dire, on met des parts de vous dire, on met des parts de vous dire. Mais regardez, vous m'avez dit, mais c'est pas parce que vous avez dit, vous avez dit, qui sont vous avez dit, qui sont vous avez présenté. Vous comprenez, vous avez dit. Même venir pour vous dire, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, donc, vous venir. On va aller, mes amis. Est-ce que nous avons dit, nous avons dit, est-ce que nous avons suivi? On a l'air, Romain 13. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Point virgule. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu.
que toi elle ton sanguinaire, que toi elle ton criminel, c'est Dieu placé le côté où elle y a, même leur était mensonge faute qui te mène elle. C'est Dieu qui t'a sa fête, Dieu voulait le faire comme ça. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ils avaient l'habitude de dire mal sorti dans Dieu, mais l'ont été pantant. Ah, papa dit, on dit si ça dit assez Bible dit si c'est sous dit si si c'est ça dit vrai. Qu'on a comme là qui verse dans sa clé bah on dit encore, tout fait mes bouches. Ni mal ni bien, c'est bon Dieu créé, c'est bon Dieu grand goût, misère, c'est bon Dieu créé ça. Richesse, l'abondance, bon Dieu créé tout. Non bon Dieu sorti. Il dit c'est pourquoi le verset 2. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et condamnation ça, c'est pas une condamnation biblique non, ou bien spirituelle non, c'est-à-dire qu'il y a une punition autorité si vous résistez avec eux. Regardez comment un protestant crétin. Et parce que la théologie n'a pas, nous mettons chire vieux bout de papier théologie, nous, ouais, théologie pas apprendre nous. M'bral moutre nous, ça veut dire. Lydie, ce n'est pas pour une bonne action. Ce n'est pas pour une bonne action c'est pour une mauvaise. Bamweli, verset 3, Romains 13. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action, une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. C'est-à-dire, mon qui doit, pas besoin de paix, monsieur Sayo, mais c'est mon qui cochit doit payer, mon qui va respecter la loi. Veux-tu, n'aie pas crainte de l'autorité, fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Nebuchadnezzar, le roi Babylone. Et si tu as par exemple Jérémie ou Isaïe, deux types de serviteurs. On t'a pas Romains 22, 23. Deux types de vases. Vase d'honneur, vase de miséricorde, vase de gloire là. Et vase de colère là, ou bien vase de la perdition. Donc, comportez ça par contre, baïsa, y'a pas de baïsa, y'a pas de sal. Y'a pas de tout baï, y'a tout baï ensemble, y'a pas de baïsa, y'a pas de baïsa, et puis y'a vide le bon, y'a tout valé ça. Ok, on allait. Le magistrat est serviteur de Dieu. Hein? N'oubliez pas, magistrats sont gros païens, mais on dit c'est serviteur de Dieu, pour l'exercer qui ça? Fon, pourquoi serviteur de Dieu? Qui type de serviteur qu'il y a? Texte après le deal. Mais si tu fais le mal, crains! Car ce n'est pas en vie qu'il porte l'épée. Dieu pas voit aucun serviteur là qui met épée pour tout le monde, pour couper pour le monde. Et tout serviteur de Dieu pour exercer la vengeance. Parce que Dieu dit, oui, mais en tant que serviteur, je ne peux pas venger. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, ne vengez pas. Donc là, pour venger, c'est vraiment fait. Dieu pourra le venger pour moi. Même Jean-Somme dit, le Dieu qui est mon vengeur. Maintenant, Dieu, c'est vengeur. Dieu va descendre comme ça, utiliser un instrument. Magistrat, en tant que serviteur de Dieu, qui pourra le venger pour Dieu. Pour faire qui ça? Et pour punir celui qui fait le mal. Donc, magistrat là pour exercer la vengeance. On a bibliquement, juste dit, est-ce que yon, serviteur de Dieu qui a exercé la vengeance. Nous tous nous déconnons ces mentis parce que c'est un cas d'adil, serviteur pas qu'à la vengeance. Donc, nous avons qui type de serviteur magistrat est, c'est ça, nous besoin nous, surtout. Mais maintenant, on dit obéir à l'autorité. Parce que toute autorité est à crainte. Moi, je vais la me camper, c'est fili de fil et question là. Bon, tout chapitre, mais c'est fil question là. Donc, moi, je vais la me camper là, nous allons baser sur autorité, obéir à autorité. Et ou capable d'ajouter texte là, oui, qui dit donne à César ce qui est à César, mettez-le sous lui. Vous comprenez? Mettez-le sous lui pour monsieur. Yo. Vous comprenez? Mettez-le sous lui pour monsieur, la important. M'ba de camper là, il faut m'avancer plus devant. Il faut m'avancer. Gomba qui est important. Verset 5, 6 là, il est important. Verset 5, 6, il est important. M'da pas le camper là. C'est à bon, yo. Bon, m'avancer. Verset 5.
Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car pendant cette faux pasteur, bambocher, c'est un cap d'obéir à l'autorité. Criminel, ça va en payer impôts, non? Fausse déclaration d'impôt sur l'État, oui. Puis là, nous déclarons l'église dans l'État, pas vrai? Nous prenons un diplôme pour parler l'État dans notre autorisation pour exercer. L'argent l'a dit, nous c'est tout moi. Est-ce que nous payons impôts là-dedans? Nous ne payons pas impôts pour voler. Nous ne payons pas impôts pour les criminels. Vous n'avez pas d'obéir à l'État. L'église doit son institution. Est-ce qu'on paye impôts sur l'institution? Toute institution doit payer impôts. Bon, mon cher McIntyre, est-ce qu'on paye impôts? Non, criminel, on ne paye pas impôts. On ne paye pas impôts. Mais on dit nous son institution liée. Ok, on allait. Mais c'est ça. Rendez à tout ce qui leur est dû. Deux points. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous donnez l'honneur. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous, aimez les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Boum. Maintenant, en allez maintenant pour la Bible expliquer nous. Obéis aux autorités. Qui gens obéit aux autorités en tant que serviteur, servant de Dieu ou bien l'église de Jésus-Christ? Obéis aux autorités comment? Pas de problème, non. Et là, t'as bien allé, oui. Mais bon, malheureusement. Bon, malheureusement. Et bon, je vois qu'à déborder. On joue qu'à triompher. Qu'un bien, on met 13 la fois. Parce que c'est au mieux 13 ans, nous pouvons le comprendre. Nous pouvons le comprendre à la manière des hommes, c'est-à-dire en étant d'homme animal et en étant homme spirituel. Ok? Donc, nous te dis, acte 4. Gardez dans acte 4 là pour nous. Ouais. Autorité, on va le convoquer, monsieur, là, dans acte 4 là. Ok? Dans Acte chapitre 3, m'a résumé Acte chapitre 3. Monsieur a monté dans le temple à l'heure de la prière, parce que tu es dans la chambre haute chaque jour, à l'heure de la prière, 3h de l'après-midi. Donc il a monté, puis il a dans la prière, parce que l'heure de la prière est arrivée, il a monté. Dans monté, puis il y a des gens de l'apôtre, de gauche à droite, ça a monté, il parle dans la prière, dans la chambre haute, correctement, comme d'habitude, c'est là où on réunit avant persécution, il parle fait là, pour quitter le temple, pour aller réunir dans la maison. Ok? Donc il va maintenant conçu bagaille pour bambocher ça ou il a fait là, c'est pas vrai. Donc on a là pendant, il a monté, il va le réunir, et puis on a là, puis il y a des gens qui ont citoyen qui était toujours chita devant belle porte là, c'est porte pour prendre un temple, c'est belle porte ça, c'est première porte ça, ou entrer pour aller entrer dans le parvis des femmes. Lorsqu'il était parvis des femmes, on prend porte de Nicanor pour entrer dans le parvis des hommes. Pendant dans le parvis des hommes, on allait dans le parvis des prêtres et des lévites. Donc, ok? Donc, ça dit, belle porte, ça, c'est porte d'entrée. Parce qu'on quitte la cour des païens, des gentils, nations, pour entrer par la belle porte, pour entrer dans ta plan. Eh bien, qu'on a, mes citoyens, ça chita devant belle porte, là, l'a demandé le monde. Pendant l'a demandé le monde, qu'on a bien aimé, frères et sœurs, mais chaque jour, tu es toujours campé là. Monsieur, tu es toujours monté chaque jour dans ta plan de la prière. Mais sauf que je vois pas corriger, parce que les fougons miracles qui de fait, c'est pas vous décider, ou pas méditer intervention cet esprit, ou pas préméditer, ou pas programmer le tout. C'est cet esprit qu'on qui l'est là pas agi, parce que c'est lui qui met là. Et bien, pendant que je suis monté, on joue comme ça, mais je suis toujours citoyen, je suis dans une belle porte là, tranquillement, là, demandé le monde. Et bien, quand on a demandé, monsieur, comment c'est rapporté son paquet de bonne pauvreté? Vous avez dit, apôtre, c'est ton paquet de bonne pauvreté. On dit le fort, oh et fort, et maintenant, on passe tête de mentir. Apôtre, son paquet de bonne pauvreté. Comme son paquet de bonne pauvreté. Et il va pas de mentir, non? Comme son paquet de bonne pauvreté. Et puis, monsieur Apôtre, on a des gars qui disent, cher, et bon nom. Qu'on a citoyen, oui, il m'a dit, il m'a dit l'aumône. Qu'on a l'aimant de l'aumône, et monsieur, il est campé. Pierre et Jean campé. Parce que n'est-ce pas l'argent? N'est-ce pas malheureux, pauvre, il est l'argent. Il comprend que la soumette de Montilan, Bakaba, il est malheureux, pauvre, il est pauvre. Bakaba, l'argent. Monsieur, il m'a dit, il y a des villes pour lui. Il va dans la banque, il va dans contre l'église là. Parce que combien de millions, il s'est passé à millionnaire, c'est contre l'église. Toute l'église avait une poulie. Pratiquement, l'église a été poulie. Donc, on a automatiquement réduit ses pasteurs millionnaires. Il est bien comme. Pour te dire, parce que l'argent, l'église a été poulie. Est-ce que moi, je me garde à faire ça? Qui bon, l'église pas l'argent? L'argent, l'église a ramassé. La Bible dit,
Acte 2, verset 1, 2, 4, 32 à 37, de côté 1, de côté 9, il dit l'agent de l'église a de redistribuer, il veut partager, séparer entre tous entre le besoin de chacun. Donc ça dit pas bien l'agent automatiquement, si nous séparons entre tous et le besoin, selon le besoin de chacun. Quand on a la porte, je suis affronté, et puis il m'a dit, le monde, avec Capotio, imagine nos gros gens, gros pieds par l'agent. Quand on a imaginé nos gros gens, go, il n'est pas au plein corps. Ou un gros melon, l'agent. Ou un gros amel, gros maloui, gros kalos, n'est pas au plein corps. Est-ce que vous comprenez? Samuel Obis, n'est pas bon, c'est devant l'adoration, devant louange, n'est pas fait l'agent de toute façon, n'est pas au gecko. A dit, ou allemand, n'est pas au corps, il y a gecko. Si vous pas bon, il y a pas, parce qu'il n'est pas au gecko. Eh bien, mes pieds, l'agent, pas de gecko. Quand on a pas de gecko, il y a au gecko. Et la dame de l'Ebale, ou il y a au gecko. Ou il y a au gecko. Ou il y a au gecko. On comprend bien. Eh bien, n'est pas handicapé. L'agent n'a pas qu'à faire le marché. Mais comment est-ce qu'il dit fort? Chris. Quand on a vu au côté Chris, on dit mon cher, baguette là, bon. Au nom de Jésus-Christ, lève mon cher pour marcher, bon. On a automatiquement, comme on a vu au côté Chris, l'esprit accompagne les paroles qui prononcent. Hein? Et puis, la loi de l'esprit de vie envahit citoyen. Même quand il y a toute cheville déployée, blam, bam, 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 monsieur, vous plus capé pour le marché. Eh bien, à cause de ça, il y a arrêté, monsieur. De blos a pété, tout le monde vient garder, moun saisir, moun étonner, bagay. Eh! Autorité arrêté, monsieur. Autorité arrêté, monsieur. Kouna l'air, autorité arrêté, monsieur. Qui s'est passé? Est-ce que monsieur obéit ou pas obéir à l'autorité? Non, ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Kouna l'air, arrêté, monsieur, qui s'est passé? Hein? Kouna, la livre, la lecture de mon yo. Dans chapitre 4, Kouna, m'avancez. Il dit tandis que Pierre et Jean parlaient, hein, acte 4, au peuple, suivaient les sacrificateurs, le commandant du temple, les sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple, parce que c'est interdit. On a, Melon, bientôt la m'tan de bon loi qui parle interdit pour lire Bible, pour dire que c'est juif qui t'a tué Jésus, obéir à l'autorité, vous entendez? Et Melon, faut commencer à faire mariage pour homosexuel, oui, parce qu'il faut obéir à l'autorité, ou pas, mon cher? Obéir à l'autorité, monsieur. Faire mariage homosexuel. Faut nous obéir à l'autorité. Il m'a dit pour nous marier, garçon à garçon, femme à femme. Monsieur, dame, tranche, il fait pour nous baptiser parce qu'il faut nous obéir à l'autorité. Parce que pas venir dire nous ne pas faire ça, non? Parce qu'il faut nous obéir à l'autorité. Obéir à l'autorité, monsieur. Quand on a là, qui s'est passé? N'est-ce que fâché? N'est-ce que gonflé? Parce que, qui s'est passé? Monsieur, hein? Il est interdit. Qui ça? Mécontent de ce qu'il enseignait le peuple. Parce que la loi, autorité, interdit, monsieur, enseigner le peuple. Annoncer en la personne de Jésus la résurrection des morts. C'est interdit. Qu'on a qui ça passe? Est-ce que autorité, est-ce que Pierre et Jean obligés obéir à l'autorité? Ouais, au monde qui gon Bible nan men Christ parallèle, son criminel qu'il est, son bandit qu'il est, son voleur. Il ka tuyo, il ka égorge, moi mais longtemps en courir, moi il ka tuyo, il ka égorge, il ka couper cou. Mais yon moun ouè Christ ke le gon Bible nan men, li la poule menon vers le bon pas. Bon port, c'est la vie, la pensée yon. En avance. Il mit les mains sur eux. Pourquoi? Parce que yon t'a enseigné que c'était interdit. Par la loi, l'autorité était interdit. Il les jetait en prison jusqu'au lendemain. Parce qu'il était déjà tassé. L'église a réuni à 3h de l'après-midi. Bon, il m'a dit arrêté, n'est-ce pas de rapporter. Il va même mettre prêt pied au soleil quand tu as couché. C'est normal, mon cher. Car c'était déjà le soir. Merci, Udani. La loi, l'État, pas loi, mon Dieu. Merci, Dani, parce que vous comprenez. Regardez, puis, moi, le pasteur, ou les mêmes, le pasteur, mon cher. Pasteur Dani. Ou les mêmes, le pasteur. Avec Mackinton. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole courut, et le nombre des hommes s'élevait à environ 7000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblaient à Jérusalem. Mais attendez, gros tour, t'es là. Attendez, qui est-ce qu'il a? Les chefs du peuple, c'est-à-dire autorité, yo. Les anciens, c'est-à-dire gros autorité pays, yo. Tout n'est yo net, la net. Ok? S'assembler à Jérusalem. Tandis que ma brèche dit toute autorité que tu as pour nous, c'est autorité que tu es là. Pour nous dire, mais est-ce que Pierre et Jean par où il y a autorité?
les chefs du peuple, ils ont réuni à Jérusalem parce qu'ils ont été détimés sur une prison, peut-être qu'ils ont annoncé Jésus-Christ. Donc, ils ont fouillé en prison pour ça, bonne fréquence, nous venons pas enseigner Jésus-Christ, mais quand ils ont mis nous, nous avons dit que Jésus a ressuscité, et qu'on a même Bible après, aux États-Unis, loi signée, qu'on avait dit Jésus était mort, Jésus qui touille, Jésus c'est Jésus là, c'est pas grand temps de parler ça. On a mes élèves qui déclarent, ils ont dit qu'ils fermaient nous. Ils ont fait le chercher au côté, comme on a déclaré pasteur, puis ils viennent râler, puis ils ont prêté, puis ils ont fait ça au monde. Bonne babouche, côté nous. Dès que vous avez localisé nous, vous avez dit que nous, bonne babouche. Le lendemain, le chef du peuple, c'est-à-dire autorité, yo, les anciens, autorité, yo, les scribes, s'assemblaient à Jérusalem. C'est pour qu'on finisse, nous avons autorité toujours, parce que tout est là. Avec Anne, le souverain sacrificateur, tête chargée. Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, mais y gouvernement, président, tout ministre, premier ministre, tout réuni, tout juge, coup de cassation. C'est comme si vous prenez mes corps étatique en Haïti. Ou prend présidence. C'est-à-dire le président avec tout ministre, premier ministre, coup de cassation, et tout avocat, mais si toute institution net, ministre de la justice, toute bagarre net, tout réuni, mettez Timaler et Pierre et Jean devant vous. Pierre et Jean devant vous, papa. Bon Dieu, Pierre et Jean devant vous. Vous êtes là, vous n'avez pas obéi à l'autorité. Yo pas obéir à l'autorité. Dani, faut obéir à l'autorité. De pour pas obéir à l'autorité, on va en prison. On va parler de Jésus. On va prêcher contre l'homosexualité. On va dire l'homosexualité par là-dedans. Ou pas obéir à l'autorité, mon cher. Ou pas marier femme à femme, garçon à maçon. Garçon à garçon. Ou pas obéir à l'autorité. Et puis on fout dans la prison même. Et puis on fout dans la prison. Pas obéir à l'autorité. Yo pas fin bol l'autre pour ouvrir l'église. Yo bon papier pour qu'on exerce en tant que pasteur. Ou ne pas faire mariage femme à femme, garçon à garçon. Donc on désobéit l'autorité. Ou bien on choisit à qui ça va obéir. C'est chargé. On nous garde mes amis, j'ai une fait là. Les tout. Nous avons toute autorité, ça a fini érigé en juge. Ils ont placé. Regardez, nous avons à 4 le verset 7. Ils furent placés au milieu d'eux. Dès qu'ils m'avaient ils ont placé devant gros nègres, ils ont obligé où ça a. Oh, Seigneur. Et bien, regardez pour mal parler, nèg la fille, mon cigare, il touille le nan jo. Oh. Yo placé deux petits malheureux qui partent même à l'école, qui partent des instructions. Oh, m'don baga la chouille là. M'sot dit tout à l'heure, tout à côté, t'es pauvre, mais qu'on y a dit baga une petite à l'école. Deux petits malheureux partent même à l'école. Yo placé devant gros chabrak sa yo, à Jérusalem. Nan yon sot de, et comme t'as dit, ou kon t'as dit, yon réunion, congrès extraordinaire. Ça c'était extraordinaire, et toute autorité était là. On regarde ce qui s'est passé. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean. Ça a fait. Et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors, le verset 8. Pierre, rempli du Saint-Esprit, m'porte l'Esprit bon Dieu, m'a prêché l'évangile Christ, m'a dit ça Christ dit, ou dit m'a pas obéi à l'autorité, l'Esprit compte qui ça m'doué fait pour m'obéir à l'autorité, qui ça m'doué autorité yo. Au contraire, moi-même, les Jésus qui doivent bagarre, ils respectent ça le dire. Depuis le film, ils parlent, ils respectent les paroles. Peut-être qui ça, leur questionner Pierre. Ici, texte la première bagaille, il dit, c'est qu'elle dit Pierre rempli du Saint-Esprit avant. Peut-être qui ça? On a regardé pour qui ça? Moi, je vais la clé, je vais en détail, je vais grosso modo pour pas comprendre ça, m'a enseigné, ou de comprendre pour maîtriser ça, m'a dit. On a regardé pourquoi Saint-Esprit va apparaître avant même. Saint-Esprit va quitter Pierre répondre, non? Saint-Esprit va apporter tête bien vite. On a regardé pourquoi Saint-Esprit va arriver là. Comment Saint-Esprit va arriver? On allez, Matthieu 10, m'a plus ça vite fait pour Matthieu 10. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au tribunal. Ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à eux-mêmes. Pourquoi? Car ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'esprit de votre père qui parlera en vous. Ça passait. Il fut placé Pierre
au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pourvoi ou au nom de qui avez-vous fait cela. Verset 8, pour accomplir Matthieu 10. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Oh, c'était suite à le mensonge. Oh, aïe, 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 aïe. Chef du peuple. Ancien. Et le pape Bambo, chien, non, aïe, de l'opote, il explique que le pape Bambo, il est là, il y a le Saint-Esprit, ou go fin, on doit pas sortir, go contour, ou go bonheur, ou go maloui, ou il va pas tête li, ou pas gagner les subonies, ou pas mon bonheur, non, pas. Et l'opote, il explique que le pape Vacabo, non. Ou pas de vaca pour nous, ou quand on parle, ou confiant, ou ferme, ou pas de menti, ni ou pas de camper de vous. Nous, ils ont fait basse de, fait basse, messieurs. Attendez. Hein? Les chefs du peuple, anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié. Que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut, mais ça peut le piquer, monsieur, encore. Il n'y a de salut en aucun autre, monsieur. Nous-mêmes, nous sommes finis, vous n'avez pas l'empile, monsieur. Ah, Alexandre, Jean, Caïphe. Monsieur, l'escrime, les salles, monsieur, pas de salut n'a aucun, nous m'écraser pour nous retenir dans ta place de démagogie. Pas de salut n'a aucun l'autre. Où m'a dit que les Jéhovah, El Shaddai, Yahweh, pas de l'autre. Il n'y a de salut n'a aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Pas de l'autre monde, pas de l'autre nom. Qu'on vole, qu'on pompe. Ou pas de l'autre monde, même qui pas Jésus. Ou pas de l'autre nom, même qui pas non Jésus Christ. Ou vinou mal, vinou mal campé. C'est qu'on pas monter sous fondement pour te construire dans 1 Corinthiens 3, 11 là. Quand personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Le verset dit ça. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et si quelqu'un veut construire, veut bâtir dessus, il doit savoir comment il doit construire dessus. Donc si vous voulez construire sur ce fondement, il faut faire attention, monsieur. Le fondement est construit. L'apôtre Paul n'était pas déclaré. Il n'avait pas de diplôme. Il n'avait pas étudié la théologie d'ailleurs. La théologie n'existait même pas encore. Il n'était pas déclaré dans l'État. L'église n'est pas déclarée sous nol. Il n'a pas dit l'église c'est l'église moi. Fidèle c'est fidèle moi. Membre c'est membre moi. Non, monsieur, ça n'a pas existé. Il n'a pas de diplôme pour l'exercer, monsieur. Il n'a pas de l'État pour te dire, monsieur, autorité, le caïf, le Anne et Alexandre. Monsieur, j'ai besoin d'exercer, j'ai besoin d'ouvrir l'église. J'ai besoin d'ouvrir mon papier pour m'ouvrir l'église là. Monsieur, qui l'évangile n'a péché? Qui l'évangile n'a prêché? Qui est-ce qui voyait nous, monsieur? Comment on fait là? Côté de passé, monsieur, nous vivons là. Réponds-moi, qui va nous passer? L'évangile n'a prêché à côté de jeune ni. Côté de jeune ni, monsieur, qui va nous faire vivre là? Verset 13. Lorsqu'il eut l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné. Sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction, avec une équipe à l'école. Qu'ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Est-ce qu'il a pu obéir à l'autorité? Bon, malgré qui ça veut dire pour ça. À qui est-ce qu'on obéit à l'autorité ou à Dieu? Bon, regardez pour moi. Dans le même chapitre là avant, oui. Dans le même chapitre là. Le chapitre là, c'est un bel chapitre où il lit pour l'île la caillou. Parce que vous parlez, monsieur, vous finissez net. Vous finissez tout dans la prison, vous prison, vous battez, vous lâchez. Monsieur, vous venez dans le lieu côté au prier. Ce n'est pas dans ta benne qui est allé construit. Mais dans le lieu côté au prier, vous commencez à prier. Vous commencez à réciter somme dans la prière, prophétiquement, pour montrer l'accomplissement somme. Et puis, cet esprit rempli, fait terre trembler côté au prier. Et l'église, ça, de maison, monsieur. Melon, quoi te déranger, Melon? Quoi te déranger, mon cher? Mais vous avez Melon, madame, si c'est autorité dans le pays côté, madame, paye taxe, ou bien est-ce que c'est la Bible qui, madame, paye taxe? Mais Melon, comment est-ce qu'il va pas la caillou?
les apôtres là te prononcer parole ça Melon. Loi wap ki pou koz wap paye taxe là, est-ce que pays a existé? Nan état wap vive là, est-ce qu'elle existe Melon? Les apôtres là te prononcer parole ça. Nan année il te prononcer là. Est-ce que c'est l'autorité qui m'a dit pour ouvrir la Bible? Ou pas ni autorité ni la Bible dit? La Bible te dit là, pourquoi? Parce que Dieu prévoit par l'Esprit de Dieu, Dieu prévoit tout. Parce qu'elle voulait préserver nous pour le rendre nous légal. Si nous persécutons pour ne pas persécuter parce que nous violons la loi César, mais plutôt parce que nous appliquons la loi de Dieu. Parce que nous pas qu'à privilégier la loi César à ce que dit la parole de Dieu. Parce que nous connaissons César et nous, pape Jean-Mizami, n'a toujours ennemi. Nous demande si c'est autorité ou si c'est la Bible. Question n'a pas de sens. Ou bien la Bible dit payer taxe? Ou bien la loi autorité ou demande pour payer taxe? Leur posez une question, qui sera le Bible? Qui ça pour me répondre? Ça dit mais ça écrit oui. Est-ce que c'est autorité? Oui, c'est autorité. Est-ce que la Bible? Oui, c'est la Bible. Et qui sont les mots? Bon, ou même répondre question pour vous, mais non. Mais esprit nous, monsieur. Mais non, madame, est-ce qu'on a fait un mariage sans parler à la mairie? Numéro 1, Melon. Moun pas qu'on fait mariage. Pasteur pas qu'on fait mariage. Attendez, frère. Mariage veut dire mélange, l'union. Ça dépend de quelle union. Il est capable légal ou il est capable libre. C'est-à-dire, mariage libre, son mariage que ou pas la mairie, ni ou pas le code bon Dieu. Légal, c'est que ou al code bon Dieu, c'est mon monde qui fait bagage à l'air au caï bon Dieu, ou al code bon Dieu, et puis ou aller la mairie. Ou aller la mairie, ou fait yon acte qui pas yon mariage, mais qui c'est yon document officiel qui officialise vie commune que ou mené avec femme ça ou bien avec garçon auprès de César. Son boule papier qui est lié. Ou ka, l'état qui a fait le coup matin, demain matin, le krasel. Et s'il dit le krasel, ou pas qu'il marié. Ou comme si il marié dans l'état ou bien ak, non, c'est fini. Il krasel, ça qu'il dit. Boule papier, ça n'a aucune importance pour nous bibliquement. Important, c'est l'ovine devant mon Dieu, yon prononcé, yon invoqué le nom de Jésus, c'est là où lié. Ou mettre des fêtes, boule papier, ça fait pas, ou de vous devine de Kaikris ou toujours là. Parce que si on dit qu'on a accès, c'est juste un accès, on a bout de papier 24 de fête, j'enlève, continue à vivre, j'enlève. Parce que bout de papier n'a pas à engager dans rien devant mon Dieu. C'est l'état qui fait bout de papier, l'écraser, l'idou, c'est fini, c'est fini. Ou comme dehors, il y a autorité, autorité du bout de papier n'a pas existé encore, c'est fini. Mais qu'on y a Melon, dis-moi. Montre yon verset dans Bible qui dit payer taxe. Donc nous avons une question, Melon, mes amis. Montre dans Bible yon verset qui dit payer taxe. Et monsieur, bon, regardez qui est ça qui. Qui est ça qui like question? Ah, et ou Dani qui like question et Melon? Ah, mon cher, ou fait mot. Ah, ou fait mot Dani, mon cher. Ah, ouais, mon cher, m'a pris le pasteur, bon, mon cher. Ah, ouais, ou fait mot. Dani, c'est pas parce que Melon va connaître ça qu'elle crie, elle connaît, oui. Elle dit, l'hiver, j'ai fait temps passé. Ou pas comme un politicien, yo. Ou pose un politicien en question. Et puis, leur pose une question sur Bagala, il dit, bon, cher compatriote, je sais que vous voulez savoir telle chose, c'est une bonne question, mais t'es pensé à elle pour te répondre, même t'attends le moment venir. Parce qu'en réalité, nous te votons, il fait même 15 minutes de la parler, mais je me réponds ça, je dis là. Mais leur fait temps passé.
Est-ce que vous comprenez? Il dit pas le nom de Seigneur, donc il a dit que ça, il va le Bible qui dit payer taxe, on veut que le mot et melon. Alors, bien aimé, permettre qu'il me parle de melon. Permettre qu'il me parle. Melon, Ali Bibo. Créateur, Ali Bibo. Permettre qu'il me parle de melon. Parce que t'as l'air sur l'île, moi lis, texte l'a dit devant genou. Rendez, qui ça l'a dit? Li te di, alors gen dan ki se di donner à César te gen d'assise. OK. Merci Dani. Il dit c'est pour cela que vous payez l'impôt. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ceux qui leur est dit. Rendez à tous ceux qui leur est dit est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt? Ou elle a dit impôt, après ça a changé, elle dit le tribut. Pas oublier, c'est même, bref, pour exemple, clair pour vous. Je ne vais pas dire pour Mélon, parce que je ne vais pas répondre pour Mélon, je vais répondre pour bien aimé, parce que je ne vais répondre pour mon qui sans sens. Je vais répondre pour bien aimé, je vais répondre pour Mélon, parce que je ne vais pas Mélon réponse moi-même. Ou elle dans Deutéronome 22, verset 5. Tenez bien ça, vous dire, très important. Ou elle est texte, là, dit. Une femme ne portera pas un habillement d'homme, un homme ne mettra pas un vêtement de femme. Ou est-ce que la Bible a dit? Bible a utilisé le mot vêtement et habillement. Il n'est pas allé pour trouver un mot, mais il prend un mot qui regroupait tout habillement. Peut-être qui ça? Parce que dans le futur, au cours de l'évolution des siècles ou des dispensations, automatiquement les vêtements auront des noms. Donc, puisque Dieu ne peut pas déjà prédire les noms des vêtements, de chacune des vêtements, vous te dit qui, l'autre pantalon, cosaï, soutien, obligeant, il est là. Il dit vêtements ou bien habillements. En dans mon habillement ou bien vêtement ou jeune yon ou jeune tout groupe là toute famille on a l'autre dans mon vêtement ou habillement ou jeune pantalon dans cosa jeune dans jupon qui l'autre soutien chemisette tout bagaille net en dans parce que c'est vêtement yoyé qu'on a bam retourner côté me dire son exemple me prend pour me t'expliquer bon dire femme qui met pantalon bam bouche pour femme porter mettre pantalon je lui pas qu'à sauver et c'est clair. Quelle soit femme qui porte pantalon, elle pas qu'à sauver. Et pas un doute sur ça. Bon moi bon moi tout ne vous demander ya. Parce que pour exemple, on peut expliquer ça. Ou un texte Romains 13 7 là. Il dit c'est pour bail tribu ya ak moun ou doit tribu ya. Il dit impôt ak moun, il dit impôt et puis il dit tribu. OK? Donc ça veut dire gen pays y aurait le tribu. Bon côté on dit c'est impôt. À l'époque c'est tribu yo te kon dit. Mais maintenant yo dit impôt. Payer l'impôt. Ou autrement elle dit pour Jésus te payer est-ce qu'elle doit payer tribu avec César? Yo dit oui bay César sa cousin bay Dieu sa cou Dieu. Donc automatiquement tout ça l'état mandé pour payer automatiquement son tribut qui est lié faut payer parce que l'état dit ou doit ça comme service ou doit payer et la Bible dit faut payer on a hamdan me demandé comme l'église son institution les me demandé ban bon chef ou pasteur ça est-ce que vous payez l'état impôt sur l'argent la dit il a ramasser tout d'une tout là dis non mais non ou elle s'est monté dans l'état pour qu'à exercer en tant que pasteur, l'église ou déclarer. Donc ça dit son institution gagne. Est-ce qu'on paye impôt sur institution ça? Ou pas payer impôt? Mackinton pas payer impôt non plus. Et t'as ma pédi avec nous, monsieur. Ok. Moi, t'ai montré que. Obéir à autorité,
c'est obéir avec elle. Alors, bon, mal pour le texte, parce que je vais prendre plusieurs textes. Bon, prendre quelques autres textes pour capable comprendre. Alors, pas pour comprendre, mais qu'on a déjà compris. Nous, on dit pour comprendre, comprendre déjà. Et lui, on comprend. Mais ma première force, c'est un peu pour ajouter quelques bagailles encore pour capable et comprendre. Obéir, comment obéir. C'est pas obéir à le faire en bagaille que la Bible pas demandé, mais obéir selon gens que la Bible demandé. Par exemple, quand Éphésiens 5, il dit aux femmes, femmes obéissez à vos maris comme au Seigneur. Et d'ailleurs, mesdames et messieurs, qu'est-ce que Éphésiens 5, 22, essayez de comprendre, méditez sur lui, mesdames. Obéissez à vos maris comme au Seigneur. C'est-à-dire, Jean obéit avec le Seigneur, il faut obéir à Marie comme ça. Mais comment pas l'obéir avec Marie? Si Marie a le fond bagage que l'évangile va demander. Parce que obéir au Seigneur, c'est qui ça? C'est obéir selon les commandements, selon la loi de Dieu. Qu'on a pas l'obéir avec Marie selon la loi de Dieu. C'est-à-dire, selon tout ça, le bras demande pour me faire que l'évangile ben, doit demander, autoriser mon vel. Kounya ou obéir aux autorités ou à s'émenter. Et la Bible qui va devoir s'émenter. Diplôme pas sec dans mon an, c'est à César ou obéir ou à César, ça, César, c'est ça. Donc la Bible qui doit faire ça. L'église va le déclarer, c'est la Bible qui va devoir pour déclarer l'église. Mais qu'on a bon mélange bon vague bon vague de troubler la paix publique bon vague mélange bon ça ce côté de nous tout est même ouais ça l'écrit ou pour ça ouvrez ou jeter ça ouvrez bon mes amis lim pas interpréter mais d'abord c'est doctrine pas interprétation pas rien c'est ça qui écrit là c'est lui donc mais qu'on a dit comme ça oh oui et ou pour ça ouvrez ou jeter ça ouvrez jeter ou qu'a jeter ça qui écrit là. On nous dit d'abord OK mais là en sérieux en honnête maintenant en honnête qui ça me jeter là Melon en allez en allez écrit dans chat qui ça me jeter dans sa bible a dit là et si vous pas répondre pas écrit dans chat là encore dis-moi dans sa bible a dit là moi saute li là qui ça me pas prendre me jeter. Parce que le texte Apocalypse 22, 18, 19 a dit, pas ouéter, pas mettre. Dis-moi qui ça me jette, mais là, sous honnête acte tout, on allait, écrit dans le chat pour tout le monde, qui ça me jette, je ne vais prendre la Bible. Parce que je dis, je prends ça, je me jette ça, on allait, mais non, réponds-moi. Prends la Bible, montre-moi ça, je me jette. Parce que je baisse pour nous, comme nous de mauvaise foi, monsieur. Nous-mêmes qui disons, pasteur, nous, c'est Christ qui est là, pour nous, comme nous de mauvaise foi. On allait, qui ça me jette, mais là. Parce que là, je suis prouvé, ou pas qu'à ni à l'étude de théologie, ou pas qu'à ni un diplôme, ou pas qu'à ni déclarer l'église. Et mouton obéit à César, qui ça que lui obéit à César? Comment? C'est selon la loi de Dieu obéit à César. Selon ça, Dieu dit ou pour faire. Parce que Dieu dit ou qui sort d'obéir à César. Quand y a là, si bon bagay me jete m'pa pran, c'est pour Melon dimni. On a les Melon dim qui ça me jeté me barran. Écris pour moi, ça fait longtemps m'attend nous là pour écrire. Et où là? On a les. On a les prouver mon yo que c'est moi de mauvaise foi ou bien c'est ou même. On a là nous qui est entre nous deux qui de mauvaise foi. N'attend Melon qu'a répondre nous qui ça frère Patrick jeté dans ça le dire, dans ça le saute lia parce qu'il dit me prend ça me l'a, me jeté ça me l'a. Donc Melon qu'elle répond nous pour dire qui ça me jeté. N'attend Melon toujours. Melon tellement crétin. Il n'y a pas même qu'à arriver à faire différence entre les choses de Dieu et bagaille l'homme.
il n'y a pas fait différence ça. Mais non, il y a un acte civil. Déjà, nous utilisons comme un document officiel de l'État pour vue commune des gens qui vivent ensemble. Nous déjà nous si yon moun c'est un acte civil li fait, c'est pour un mariage qu'il li acte civil, pas un mariage, ça pas lié. Si l'État si divorce souhaite, li pas aucun problème, il ka remarier sans problème avec son acte civil. Si il t'al devant mon Dieu, OK, parce que depuis là devant mon Dieu là lié pour toujours, parce que c'est la loi de Dieu qui lie moun jusqu'à la mort. Mais bout de papier l'État pas lié, li fait le matin, li fait l'après-midi. Kou na ça que mi c'est pas comprendre. Lè nou fè acte de naissance pou ti moun yo. Lè nou fè acte civil. Lè fè papier tè, un papier kay par exemple. Ça c'est bagay la tè, mais non bagay qui concerne le fonctionnement quotidien l'homme qui pa ganyen pou wè avec bagay spirituel. M'oblige mete ou chita pou m'explique ou ça, mais non, ça pou m'explique ou li. Mais lè ou al étudie théologie pour qu'à exercer bagay spirituel ou son vagabond en bandouillé. Le ou aller al déclarer l'église qui son bagay spirituel, qui pas même physique, qui spirituel ou son brigand. Faut faire différence, mais non. Ou n'a mais non dit ou d'accord al bon papier dans l'état pour mariage là, mais ou pas d'accord pour l'église là, al prend acte théologien yo, al prend papier. Qui rapport qui gagne avec yon papier au prend papier c'est pas le mariage, son document officiel, ils sont déclaration lié, yon déclaration vue commune. Et pourquoi papier? C'est peut-être pour parents pas vite goumer venir faire le groupe dans bien moun yo, oui, ou marié avec madame ou melon sous pas faire acte civil là, ou quand doit décider faire ou on pas faire tout, oui, tout dépend ou quand doit faire ou on pas faire tout. Li pas indispensable, acte civil pas indispensable, acte civil li pas indispensable. Non, ça qui est important c'est devant mon Dieu, ça nous déjà nous li déjà. Nous déjà nous ou faire ou faire ou le faire ou pas faire, on va faire des démarches administratives. Papier actif là, c'est pour administrer des démarches administratives là. Oh, mais l'on bagay li di, l'on bagay sa di, c'est même Jean tout pour l'église là, acte théologien yo, frère Patrick, c'est pas papier qui est important pour nous parce que papier c'est pour l'homme. Ou pas honte, mais non. Ou pas honte. Ou pas honte? Mais non, réponds-moi, est-ce qu'on pas honte? Papier théologie, c'est pour l'homme qui ça l'homme qui rapport théologie là avec l'homme, l'église avec l'homme. Donc pour exercer en tant que pasteur, faut reconnu par l'État, mais non. Sou pas reconnu par l'État, pas qu'à exercer. Ou pas passé? Donc ça dit apôtres, les apôtres pour yoter exercer yoter gros papier, yoter reconnu, l'église a été déclaré. Waouh. Waouh. Kouna wa fè papier on bagay ki spirituel ki pa même physique. Institution nous gagne, oui, mais c'est pas vrai, c'est la raison que institution nous gagne, mais des vieux draps pour nous là, ils ont institution nous gagne, bizarrement, mais si nous disons institution, l'église, il faut nous payer impôt, faut nous payer impôt, je suis là, on dit, m'a pleuvé qui pas écrit dans la Bible, qui pas même existé, un dixième sous salaire, mon qui pas écrit, il faut nous payer impôt, monsieur, nous connaissons institution nous gagne, c'est normal, son institution, pas de problème, pas de problème, nous non institution, monsieur, son institution nous gagne. Mais va y mettre bail là, mélanger avec bail bon Dieu, tandis bail la Bible, ou va prendre Bible, on a bail théologie, ou va venir prendre Bible, ou va faire papier passer, ou va venir citer Bible, qui sa Bible gagne pour aller magou jouer quoi faire, que nous avons parlé, oui, mon al prend pas gagne, mon al prend papier mariage, non, à classe son document, son déclaration pour deux marches administratives et c'est tout. C'est pour mariage qu'il y a. Et ça, c'est pour bagay Chanel. C'est pas bagay bon Dieu.
qui ça Melo ak Mackinton, moi même pas étonné, moi le fait que moi nous chrétiens comme ça pas étonné, quoi, les protestants nous c'est normal, mais nous grave, même catholique pendant l'état nous monsieur, nous grave monsieur. Oh, même si madame non, comment si madame n'était là comme oublié non lui. C'est Laura. En tout cas, c'est Laura, me félicite. C'est Laura, me félicite. C'est Laura fait pour nous, bon bambo cher. C'est Laura fait pour nous. Agita devant André Michel. Agita devant Baguette, bon taf à terre. Et yo pour bon nous l'autre. Ah Dieu, yo pour reconnaître nous. On a imagino, Dieu les nègres là, ils vont dans l'état bon au bon et. Il dit que Dieu crée lui, il faut qu'on exerce, non, parce qu'il faut demander au païen, est-ce qu'il est capable d'exercer? Eh, monsieur, dans la Bible, nous, ça. Waouh. Oh! Cadeau histoire. Et Mélon, va m'expliquer où ça, comme moi, pas comprendre. Si ou besoin de faire des démarches administratives qui concernent les familles, ça dit bagaille la terre, automatiquement, on peut faire acte civil. Ou. Il y a des gens qui font qui marient, les dit Maria, qui couchent ensemble. Et qui invoque le nom de Jésus-Christ dans le mariage, Joa, qui pas fait acte civil. Parce qu'elle pas jugé qu'elle besoin un document pour faire démarche administrative pour yoder ensemble. Parce que le document unit toute déclaration. Nous font seule déclaration. Ok? Mariage n'est pas illégal. Comment le faire illégal puisque on invoque le nom de Jésus-Christ? Qui ça texte a dit? On regarde pour le qui ça la Bible dit. Bon, faire l'école ou Mélon. Bon, faire l'école. Mes amis, on regarde ça. Romains 7. On regarde ça. On apprend Mélon ça. Romains 7. Le verset 1 jusqu'au verset 4. Regardez pour nous. Regardez pour mettre sous écran noir. Nous quitter parti impôt, après impôt, tribu, tout ça là. Et nous finir ça. On nous entend dans Romains 7. Romains 7, verset 1er, jusqu'au verset 3. En regarde qui ça, l'apôtre l'a dit. L'apôtre l'a dit, ignorez-vous, virgule, frère, car je parle à des hommes, à des gens qui connaissent la loi. Et monsieur, que vous pouvez dire, monsieur, la loi, la France, la loi des États-Unis, pour la parler là. Mais espérons qu'on sait la loi de Dieu, la parole là. À des hommes qui connaissent la loi, c'est-à-dire la loi de Dieu. Mais espérons qu'on ça. Il n'y a pas interprété, il comme va le répéter pour me dire qui est loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, le verset 2. Une femme mariée est liée, marée. L'homme dit Marie à son créole. Lié, marié, jouqué, par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Ma propre souffrance, ça. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Dîme de qui loi que l'y offre ma congrégation jusqu'à la mort. Ma p'tite nous répondre dans le chat là. On a les répondements. Dani, comme c'est vous avez écrit plus souvent. Réponds-moi, qui loi ou connaît qui lié yon mari ak madame ni tout autant le vivant? En allez, qui loi? Mais non, réponds-moi, parce que dit mariage illégal. En allez, réponds-moi. Quelle est la loi qui lie une femme mariée à son mari tant qu'il est vivant? Quelle est cette loi? Amen, Dani. C'est la loi de Dieu qui lie le mari avec son épouse jusqu'à la mort. Parce que nous connaissons très bien, on va le faire acte civil dans l'état matin, après-midi, il y a défait. Et si l'état d'où acte civil défait, ou pas qu'à dire acte civil toujours là,
de gens qui ont dit que si vous êtes marié dans l'État, un monde pas marié dans l'État, ou si vous êtes marié dans l'État, bon, m'utilise le langage, si vous êtes marié dans l'État, et l'État fait divorce là, et vous êtes toujours marié. Mais document pas existant encore. Mais vous dites obéir à César, César, d'où ça pas existe encore, au monde il existe. Quand vous voulez mettre, vous voulez mettre dans le bagage, bon Dieu, ça n'a rien à voir, bon Dieu, il a fait autant réglé. Bagay bon Dieu, c'est l'ovin kay bon Dieu. On invite ministre la kay ou bien que ou tal nan service. Alors, bon, vous ouvrez parenthèse ça pour vous. Kay Christ dans la maison de Dieu. Mais ça qui mariage. Mariage, c'est les moun yon couche ensemble qui mariage. Mais des moun qui kay Christ pour yon arrive marié, ça dit pour yon arrive couche ensemble. Mais comment yon possède? Yo gen pou yo aplike Romains 7 la, c'est-à-dire pou yo lié par la loi de Dieu d'abord, c'est-à-dire soyez invité ministre, invité serviteur la kayo, ou bien yo vin nan service la ki fait chaque jour comme d'habitude, yo vin nan service, yo pa habillé normalement, voile tête yo normalement parce que c'est dans service yo vin pa vin nan bamboche. Mon konta le moun an di l'el pral nan service nan l'église nan côté assemblée réunion, il dit il pral nan mariage. Mais c'est faux, on parle nan mariage. Ou al nan service. Quand il protestant dit ou al l'église, ou parle nan mariage, ou al l'église. Madame nak monsieur qui pral marié, yo al nan service. Yo allé maintenant occasion ça, yo a prié pour yo invoquer le nom de Jésus-Christ, pour yo ka lié yo par la loi de Dieu dans l'union du mariage. C'est pas dans le lien du mariage, parce que mariage c'est qu'on lien lié. C'est pas mariage la code là. Code là c'est la loi. Texte a dit lié par la, ça dit marié par la loi, ça dit la loi son code. Qui marié des moun qui marié. Kay Christ. Koun yalo levé, par exemple, si la fête lundi, tout moun levé, à lundi, selon langage traditionnel, dans le changement temps, oui. Ou levé. Oui, c'est exactement ça. Oui, ça dit Adani, c'est ça. Oui, c'est famille yo. C'est famille yo qui organise yo pour faire ça. C'est famille yo qui va approuver yo fait. Mais qu'on a pour capable lier maintenant, faut yo inviter ministre ou bien que yo al nan service, sa mi yo vini pour présenter ça pour yo capable lier yo par la loi de Dieu dans l'union. Parce que mariage son union pas un lien. Mariage c'est pas un code, mariage son union qui lié. Code là c'est la loi qui marie ou dans mariage là, qui marie jusqu'à la mort. Et c'est la loi de Dieu qui reconnaît ça. C'est pas la loi États-Unis ou en France ou quoi que ce soit. Non. Quand on a levé, on a levé, on connaît jeudi, on prend un service comme d'habitude. Par exemple, nous réunis chaque jour, 3h de l'après-midi. Eh bien, nous connaît à 3h, nous toujours un service, dans un service. Et puis, dans l'occasion, il se trouve que y a bien aimé soeur un tel et bien aimé frère un tel, que il doit invoquer le nom de Jésus-Christ dans l'occasion pour lui, pour lier dans l'union du mariage. Non pas dans l'union, mais dans l'union du mariage. Eh bien, tout le monde là, ils prient ensemble pour yo, ils adorent Dieu, pendant qu'ils adorent Dieu, ils glorifient Dieu, ils présentent monsieur dame ça, et ils lient yo dans l'union du mariage par la loi de Dieu. Là, c'est jusqu'à la mort. Après le service a terminé, ça que tout le monde habillé très bien, yo voit les têtes yo, papa ouais mon gars avec drap qui couvre do yo, yo bon sort de ti ba yo passer sous do yo comme ça dit tout l'estomac tout tété yo dire tout en bas bras dire tout plus en bas bras yo, m'a regardé madame la malou avec un vieux rad sous lui, ou dit que prostituée, tout vieux salié yo tout en bas bras, il pas quand même lever mani comme ça mon pour demander un pasteur habillé, il pas habillé décemment avec un rad normal. Les gars des musulmans yo nous pas honte. Les gars des femmes musulmanes comment yo habillé nous pas honte. Bon protestant. Nous pas honte. Nous pas habillé pour pas bout tête nous. Nous pas habillé pour pas en bas bras nous. Nous pas habillé pour pas comment tête qui couleur sous tête qui couleur kilo qui couleur jupe sous nous. Nous pas honte. Et dès pour un mariage dans langage dans protestant, tout monde tout uni. C'est là pour le doux cotol là il est mort fait accident toute fille il pété qu'on a oublié passer maquillage pour coller morceau avant de mettre dans ce qu'elle là plein vieux maquillage dans toute fille qu'on a mon envie ou vienne de reconnaître mon avec tête démagogie dans tête dans toute fille. Et je comprends qu'on a fallu dans mariage. On a tête pas voilé, il faut cheveux, il faut maquillage, il faut zone, il faut tout bagarre qu'on a fait, mais le grand défilé a fait. Il a dansé, levé pied en l'air, levé pied à terre, balancé. On a des bons vieux mariages qui t'a fait, qu'on a il a dansé danse classique, qu'on a mon petit garçon même petit bon petit fille levé dans l'air, lui ouvert jambe dit fille levé dans l'air, qu'on a issue tout que pendant ouvert jambe dit fille levé dit fille en l'air, dit fille a te gain règle. Qu'on a eu pour photo exactement en bas
dans fond j'aime dire prendre photo avec toute réglé photo yo pas dans boîte de nuit ou pas dans chambre ti fille ou pas de baisser garde en barade li ou dans la présence de Dieu et puis qu'on a issue tout vous regarder yon bagay ki ou pata de wè se keti fiat et nan mouman li est pur nan sans sa parce que li gen menstruation parce que y a fait défiler danser m pa konn nan ki biblio jwenn. Et bien lorsque service a terminé, c'est à ce moment-là yo kite service, yo pat nan mariage, yo te non service. Lè yo kite service, yo ale nan lieu festin de noces là, festin de mariage la fête là. C'est pas normal, yo poko jam nan mariage là, c'est pas gen moun ki pral nan mariage. Nan nan service après nou pral nan festin, nou pral nan noces. Nou pral nan fête. Pas gen moun ki pral nan mariage, et kèm moun yo pral nan mariage. On a lèri nan sal la, ou konprann mwen, kou nan gen des adorations, k'ap joué, n'ap parler, partager avec Dieu, gen moun ki pote des conseils pou moun yo, kalmo zoreyo ki di tel bagay, mais ça m'a dit ou mais ça m'gen pou comme conseil, tout ça mais te tivè c'est biblique pou yo, partager avec tout ça, yo manje, yo bre ensemble. OK? Yo manje, yo bre ensemble. Et di kounya la, lè yo fini, lè festè, nos la fini. Tout moun a la kayo. Ensuite, deux moun ki pral marié a la kayo pou yo al marié. M pa konn si yo al nan hôtel, m pa konn se hôtel la. Lè yo moun a fè festan pou al nan hôtel, m pa konn se hôtel. En tant que serviteur de Dieu, sou bien réfléchi, li mye ki nan kayo ko lou ya ki se kayo. Avon fè festin, se konsey m'ap pote pou moun ki pral fè festin nou. Avon fèl. M pa konn sou antre nan jeune qui sont qui ont fait pour remettre consacrer Kayla by bon Dieu, c'est-à-dire pour Kayla vivre dans maison qui porte présence bon Dieu. Et ben leur sorti dans festin elle fait mariage à la caillou sous cabane. Pas fait mariage ou dans hôtel sous vieux cabane. Massi m'a dit tout bambochet, toute orgie, toute démagogie t'est faite. Non. Pas fait pour faire mon work. Nous même disciples de Jésus, nous pas qu'à faire même y'a payé. Ni nous pas qu'à faire mon work tout. Bagay nous doué à part, nous doué à part, nous pas sous moun. Bon, regardez nous j'en fait, comment vous faites sous moun, mes amis? Fait la caille, mes amis. Là où il va madame, nan, ou te la même soirée, nous pas rentrer dans la gage. Nous rentrer dans le jeûne, nous rentrer dans la prière. Pour nous remettre bon Dieu tout bagay avant même d'entrer dans la gage. Lè nou fini kou nan antre nan gage. Et c'est nous comme ça me dit. Après nous entrer nous ka rentrer nan gage à ce moment-là. OK? Nous ka rentrer nan gage. Mais pas comme si ndadou al débarquer non vieux hôtel côté tout bambouche a dormi ou fait toute qualité saleté là-dedans et puis c'est loin ou tout poids pour se prendre bénédiction de Dieu lié par la loi de Dieu dans l'union du mariage ou nous pas font bel mariage qu'on a voulu faire mariage là non hôtel son vieux cabane pas qu'être bambouche fin sale fait puis l'abomination c'est loin aller non pas faire comme ça pas faire comme ça c'est conseil moi pour nous pas faire comme ça et bien c'est deux mounou qui la caillou yo marié dès que mounou couche ensemble mariage la fête. Kounya, pasteur qui campe dans mi temps l'église qui dit vous êtes mari et femme. Kounya question pour nous monsieur pasteur. Est-ce que vous avez preuve que deux moun sa ou te couche ensemble déjà? Parce que ou pas ka dire mari sans pas coucher avec elle. Parce que ou pas ka dire nèg nèg la ima ou nèg avant ou le jipon. Faut nèg te couche avant déjà mon côté l'autre il va doit entrer et que ma ou qui pour entrer là. Là il c'est mari. On a dit, oh, vous êtes marié, menti parce que faux, ou menti et ou rementi encore. Si vous êtes connu, couché ensemble déjà, ok. Laisse ça, c'est pas mariage, vous pouvez le faire, non? Vous juste venez invoquer le nom de Jésus-Christ dans l'union. Mariage qui est au désaffaire. Vous n'avez pas de faire fête là, vous pouvez le faire fête là. Vous venez prendre bénédiction pour lier dans l'union du mariage. Après, c'est pour vous faire fête là, mais mariage a déjà fait. Là, on t'a dit, vous êtes marié et femme. Tout le monde déjà connaît, mari et femme, parce que vous connaissez vous, j'en ai déjà. Quand on a vous êtes lié par la loi dans l'union du mariage. Comme vous êtes déjà mari et femme, continuez à l'être. C'est tout.
Mais pas même quand on a fait mon body, vous êtes marié, va bonne des mon en femme vierge, dit pourquoi quand petit garçon dit tout pour dire qu'il est marié. Ou tu étais où j'avais déjà. Donc vous voulez dire que si jeune fille ça tout vierge là, déjà couche avec là. Et vierge, il pourquoi coucher. Et les démons y aurait mais y a pas de même n'a qu'un bémé. Après qu'il a rencontré bien tard, il a discuté blabla, perdre du temps, il a dû éviter parce que ça n'est pas un de gérer ça pour le Québec pour le faire dans démagogie. Pour aller combien d'apprendre dans le camp, dans le bon bagage, ça fait la donne. Je me conseille à tout bien mes frères et sœurs, de faire attention aux jeunes frères et jeunes sœurs. Ou pour faire mariage, ou l'orgue pour faire mariage, ou quand Christ ou pas dans les modes. Dans les modes, ou quand il a fait janvier, ou quand il a fait janvier, c'est dans les modes, c'est normal, parce que je dois rien. Par exemple, tu veux le pécher ou pas rien parce que pas qu'il crie, c'est normal, c'est comme ça pour agir, c'est comme ça pour posséder, c'est dans le monde où. Mais si c'est qu'il crie sur lui, ou bien, ou prier, mon Dieu, tout c'est lui, ou alors le parent, ses parents sont capables d'agir, ils sont capables de permettre qu'on marie avec Fissa. Tout processus à respecter. Éviter pour ne pas tomber dans la démagogie avec quoi, dans la sale quoi, dans la langue, dans le beau acte avant le mariage là. Non. C'est pendant le mariage qu'on a embrassé. Ça dit pendant sous cabane avec lui. Faut éviter tout bagage là. Parce que c'est ça qu'on a mené à un certain temps où on mène au paraïl. Ou pour aller tomber. Pas de faire homme puissant, homme ceci, homme c'est l'autre bon bagage là. C'est l'homme oui, t'as des amis. Ou expose ou devant un danger et vous devez bon Dieu vous allez délivrer, mais vous avez le bon moyen. Non, pas faire ça, Zaman. Mettez droite, évitez ça. Ou besoin de conseil de dialogue, conseil de bagaille, fais famille ensemble, discute avec famille, parle avec famille, ou quand parle avec lui, mais toujours bon limite dans la conversation pour éviter de arriver son série de bagaille qui pour mener notre démagogie. Ou fiancé, tout de suite après, faut festin et en fête. Faut que vous fassiez festin, faut que vous fassiez. Après ça, pour que madame pour aller marier Mario. C'est très important. Donc, pas faire comme. Monsieur Sarro, qui a fait démagogie, qui va écrit dans la Bible. Moi, je me demande 10 millions de protestants fait qui bon. 20 millions de protestants fait qui bon, que c'est la Bible qui m'a dit le boulevard. Le gars fait présentation au top. Je me demande qui vit la présentation au top. Oui, vous avez la définition. Et c'est pas lui qui dit, ah non, Mackinton a bonne ou vieille définition tête en bas. Il dit, nous, il va nous définition, présentation, il va nous définition valide. L'église, il va nous définition valide. Et l'église, assermenté, il va nous définition valide. Qu'on a, ouais, même Google, qui est même Google, qui est de pasteur. Tu as changé. Et il est de pasteur. Vous comprenez? Donc, c'est dans ce sens ça. Qu'on y a là, toute étape ça, c'est pas l'église. Bagay familial. Kounya, tout dépend. Si vous voulez déclarer avec Maria et Madame nan ki nan pen nan vie commune, c'est là où vous avez besoin ak la. Si vous déjà konnen ou dwe fèl, si tout nan pey étranger yo, faut nous déclarer une série de biens pour éviter une série de bagay, parce que déclaration papier ak la. Ak civil là c'est pas pour rien d'autre, c'est pour capable et réglementer bien moun sa yo. C'est sale, c'est rôle sale joué. Donc yo fait pour démarche administrative et pour réglementer bien yo sa yo posséder. Ça pas gagner pour ak spirituel ak bib, ça pas gagner pour ak bib, ça y bagay vie la tête. Et ça que yo moun ka fait yo moun ka pa fè tout. Par exemple, gobien nèm jò k'ta pa lavèl, li fè festin de mariage li. Ben, li pa fè ak civil. Ekote la Bible aux États-Unis, li pa gen ak. Li pa gen ak civil. Li pa fon ak. Ça veut dire ça. Li pa déclaré vu commune la mené avec mari li. Est-ce qu'elle va marier? Oui, elle marie. Est-ce que la Bible parle de marier? Dieu parle de oui, Dieu reconnaît qu'elle marie. Mais elle n'a pas fait un acte. Ça veut dire qu'elle n'a pas décidé de mettre ses années avec elle. Il va dire ses années marier. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas besoin de réglementer bien qu'elle possède. Elle n'a pas besoin de réglementer une série de bagailles pour lui. Elle n'a pas besoin de faire des démarches administratives uniques. C'est pour ça qu'elle n'a pas fait. C'est tout.
est-ce qu'elle a divorcé? Non. Mais pourtant, si c'est ça, c'est fait, il te qu'a fait. Parce que l'homme ou le cas écrit ou comme ça dit, lié par l'union, par le lien de, ou lié par la loi dans l'union du mariage. Cas écrit, ou par un acte civil. Ou pas parler de divorce? Ou en Israël actuellement, pas qu'il a fait ça ou les actes civils. Ça n'a pas existé. Léon, on moune en Israël, besoin de faire civil, c'est dans le pays européen, il a vu du vin faire acte là. Parce qu'en Israël, ça n'a pas existé. C'est la loi, c'est la belle, mais peut-être ensemble, il y a un bon côté, il y a un bon côté, il y a un bon entre eux, et puis c'est bon. Mais il n'y a pas fait l'État pas mélangé dans le pays, il n'y a pas de l'État. Est-ce qu'on peut la Bible, ou pas la Bible, mon ami? Et puis, il faut qu'on dise ça pour bouger tout. Faut qu'on dise ça que on doit faire, qui sont pas doit faire. Qui ça qui et qui loi on doit appliquer, qui loi on doit appliquer. Qui ça on doit bailler à César, qui sont pas doit bailler à César. Ça c'est dit besoin loi pour obéir à César, c'est selon Jean l'évangile mandé. C'est selon l'évangile, c'est pas en dehors de l'évangile loi pour obéir à Milan. Comme ou pasteur, moi qui ça on sait bien mon qui devant en réalité. Qui ça on sait yo? Qui ça on sait yo? Ah mais depuis c'est pasteur. Ou a gen papier, c'est faux passé. Qui gen diplôme déclaré, yo déclaré l'église là, déclaré l'église, yo gen diplôme, yo faux. Dieu pas reconnaît ça. Dieu pas la donne. Non. Parce que moun ki, moun bon Dieu pas besoin de document pour reconnaître nan anyen. Mais ou même à César nous ennemi, nous pas jamais d'accord. Qui est-ce qui tue tout apôtre yo? Qui est-ce qui tue tout disciple? Eh bien, César. Mais c'est César qui tue tout. Comment on prend le temps de regarder Jacques? Tout fraîche pour recouper tête Jacques. Qui est-ce qui fait le mal? Eh bien, César. Comment on fait un temps de avec vous? Est-ce que le message va prêcher en accord avec vous? Et ça, il est passé aux États-Unis, il va prêcher contre l'homosexualité. Oui. Ah, il est pour dire fou dans prison. Ni en France. Il n'y a pas dit homosexualité, il y a fou dans prison. Ah, on va rien pour le à César. Est-ce que nous avons des amis? Nous avons des amis. On a obéi à César comment? Obéi à ça la Bible dit. Tout ça la Bible dit, nous avons fait. Ou la Bible babo doit pour se mentir. Ou elle devant paquet de bambouche, ou elle se mentir, ou nous avons dit, c'est papier, ou prend, c'est si. La Bible voit, elle se mentir, mais non. Ou elle a se mentir de mon nez pour dire, Jésus, ou m'bakon, les gens ont dit là. Et me demande pour vous expliquer comment mon nez dit, là, oui, dans César, pour vous assermenter, comment vous faites, parce que vous avez un avocat, vous avez un avocat, vous avez un avocat, vous avez un avocat, vous avez un gen mon Jésus constitution yo le numéro comme ça ou comprendre moi qu'on a pour dire qu'on a ouais bambouche pasteur tête en bas yo campé devant gros païen rouge qu'on a levé il met même sous bible levé main l'enlève pour le jurer ou pas honte pour pas quand même fille du monde pour dire homme de Dieu et Dieu relo te gen révélation ou pas honte pour camper devant païen pour lever des mots aller ou sémenter sémenter pour faire qui ça soi-disant pour exercer ministère bagaille qui spirituel qui gen rapport avec bon Dieu. Soit dit là, son gros bagaille, oui, et Dani. Moun yo pa comprendre ça, non? Yo pa konnen, alors mesdames, yo pa comprendre ça. Bibliquement, yon femme pa ka repudier yon homme. Ni évangéliquement, ni bibliquement. Ou autrement dit, m'a dit bibliquement pour m'di général. Yon fi pa ka divorcer mari. C'est mari a ka décide faire ça. Bibliquement, m'a parlé pour moun ki l'église, m'a parlé pour moun ki dans le monde. Soit dit à fort, Dani. Je me sens que quelqu'un l'a appelé Dibou, garçon. Continue-le. Hein? Continue-le. Ouais, en pile bagaille, ou dit là, nous tombons d'accord sur vous. Pour te sentir d'accord avant nous. Parce que son dia écrit. Parce que pour te sentir d'accord avec ça qui écrit. Non, et pas nous, grand pile problème. L'église protestante, c'est un problème même lié. L'église protestante, les églises traditionnelles de l'église protestante, sont. C'est un grand cimetière et Port-au-Prince lié, oui. Tout l'église n'a pas qu'être petit tombe, il n'y a pas qu'être tombe. Et tout le monde va craindre, tout le monde va être zombie. Avec on a pour femme, elle dit ou elle divorce, c'est nègre. Et bah, vous ne pouvez pas qu'à l'église, vous ne pouvez pas comme ça. Qui est-ce qui doit ça? Ou bien doit ça? Bibliquement, ou pas qui doit ça? Et garçon, carité, école, qui garde où il veut aller. Enfin, elle était café, lui. Dans l'évangile, il n'y a pas qu'à faire encore. Il m'a parlé de la loi. Elle était café. Parce qu'on n'a pas qu'à faire, ou pas le divorce, il divorce qui bon. Bon, c'est jusqu'à là, moi, ou elle divorce qui bon. Eh! Kill the
c'est belle, qu'il va de belle, qu'il met, qui je te pète, qui t'a dommage, je t'aime comme tu es. Aïe, 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 je t'aime comme tu es. Il t'a belle, pas belle, il coche contre la tout sorti. Ou madame ou lié ma ou lié. Vous comprenez? Il va bosser, donne. Il va passer de dos en bas, bran. La bon flow, la batou. Comme le compagne, je t'aime comme tu es. Comme le compagne. Texte a dit jusqu'à la mort. Hein? Une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'elle vit, hein? Aussi longtemps qu'elle est vivante. Hein? Si, lui dit mais, si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Il a dit, femme, nan, c'est qu'elle a, elle a mort pour séparer une femme qui pour retirer une femme à votre mari qui pour délier la ville, bibliquement, évangéliquement. Vous courez à faire ça, avec quoi? Ça crée à Abdoula. Il dit, sinon, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme. Elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point d'adultère en devenant la femme d'un autre. Il va être comme ça, non? Il va être comme ça. Il va être comme ça. Il va être tout bien, il va être comme ça. Oui, femme, nous femmes répudiées, nous garçons répudiées. Texte ça, il dit. Les garçons n'ont pas le droit pour répudier femmes. Il va pas parler de femmes pour aller répudier, parce que femmes n'ont pas le droit ça. Femmes n'ont pas le droit ça. On va regarder ça. Oh, comment dire? Dani, mais l'homme de côté l'écrit. Mais l'homme est avec. Il est avec. Moi, de Dani et Dani, tu es venu avec. C'est que Dani est à côté l'écrit. Vous comprenez? D'où m'a pris le Dani pasteur, ou le Melon pasteur? Moi, Dani m'a pris le pasteur plutôt, parce que vous plus pasteur que Melon, t'en est? Mais vous n'avez pas de côté l'église, il n'y a pas de Bible, vous comprenez, il y a tout. Et Dani, plus pas se passe au Milan. Bah, je sais que plus pas se passe, vous faites mon nom quand même. Vous faites mon nom. Ok? Donc, je ne vais pas prendre mon nom, mais je ne vais pas prendre mon nom, ça, monsieur. Je ne vais pas prendre mon nom. Et Dani, tu es venu avec, vous voyez Dani. Dani, mais tu es détourné en 14. Ah, détourné en 24. Ah, détourné en 24. Non, ou qu'on prend tout, je vais prendre notre texte, ou qu'on prend, oui. Là, c'est dans la loi. Ou qu'on même prend dans l'évangile pour lui aussi. Vous comprenez? Après, le texte a parlé que l'homme, c'est lui qui a répudié femme, non, mais femme pas qui a répudié. Après, il n'a pas parlé pour dans quatre femmes, non. Il n'a pas viré dans le sens femme, non. Parce que la femme n'a pas de droit à faire. Ok? C'est quoi nous, femme égale à garçon, femme vine go con yet, femme bagaille, femme a décidé, qu'on a ces femmes qui marient à garçon, et pas garçon qui marient à femme encore. Vous comprenez ça que femme est obligée de divorcer tout? Si vous quittez son femme qui marient à l'autre, vous marient à elle, vous me connaissez, il t'a dit, vous voyez? Vous avez différence entre l'air ou même en tant que homme, vous choisissez épouser une femme. Avec les femmes dans les épouses. Ou les femmes dans les épouses là, et les garçons. Il fait ça, il veut le gaz, il veut le briser, il veut. Ou les épouses là, il doit soumettre à Véo. Jean veut soumettre à Christ là. Et pas moi, il dit, il 5, 22 à clé sous ça. Femme Maria doit soumettre à Maril, Jean qu'elle soumette à Christ. Quand on parle de garde, quand on Christ sort soumettre à Christ, pour soumettre à Maou. Dans ça, ma oudou que Christ m'a dit pour soumettre là. Et puis c'est tout. Et Mélan, Dani répond. Pasteur Dani répond. Oui, Mélan. Pasteur Dani répond. Oh, Pasteur Dani, même bon, ou met cette là, côté m'dapli, aïe la mi la. Aïe, ou met cette là, pas baïe, ou en ou met cette là. Ou wap balon verset exactement, Dani, baïe Mélan, ou verset directement. Vous comprenez, vous avez fait émission. Vous avez fait. Merci Dani, merci parce que vous avez fait. Ou balon chapitre, faut pas faire même Jacques Mélon, faut pas le verset, pas le chapitre. L'on balon chapitre, c'est comme si vous avez dit, il faut précis. Ou balon ou mes 7, ou pas juste la chapitre la bali. Chapitre la 25 verset là, mon cher. L'on balon ou mes 7. Qui va le regarder là même? Faut pas le verset directement, Dani. On y va dit au nom 24. Faut bel verset à coucher. Pour faire bail soit classique, précis, droite. En tout cas, Melo, c'est ça, m'a demandé. Repentis-vous. C'est pas pour l'autre bagaille, m'a pas d'accord faire débat avant encore. M'a fait un seul débat avant, m'a dit comment y est. Et puis m'a regardé comment fonctionne tout, comment on pas de conscience. C'est ça qui m'a pas d'accord faire débat avant encore. Mais c'est pas pour rien. Pas du tout. Moi, m'a fait débat avant, m'a dit honnête.
Même de prendre exemple pasteur qui m'a discuté avec lui, dit non, entretien ensemble, tout samedi, il va voir que l'idée. Il va... Ouais, par exemple, on va parler de théologie, nous passons tout le temps à entretenir sur la théologie, m'a expliqué. D'ailleurs, ouais, on a fait samedi, on a noté tout, noté point, théologien, papier pasteur, déclaration de l'église, prêter serment, acte religieux, acte civil. Vous comprenez? Si y a acte civil, parce que si y a acte civil, nous regardons tout point ça. Présentation au temple, nous regardons ça, baptême, nous regardons un paquet de bagailles. Vous comprenez? Donc, les gens qui ont fait théologie, ils ne peuvent pas tirer pied avec eux parce qu'ils ont déjà lu la Bible. Les mal sous papier pasteur, ils ne peuvent pas tirer pied, ils touchent théologie, ils ne peuvent pas tirer l'église des cas, ils ne peuvent pas tirer pied. Dans la présentation au temple, la présentation de Timoul au temple, ils ne peuvent pas tirer pied, ils ne peuvent pas retirer ça, ils ne peuvent pas. Et puis, il me prouvait qu'elle ne peut jamais présenter un petit monde au temps, jamais. Pourtant, il fait chaque tout temps. Et elle livrait où elle ne peut jamais faire ça, oui. Tout comme la dîme. Pourquoi jamais go monde l'église qui paye la dîme? Jamais. De l'an 70 à nos jours, pourquoi jamais gagne un monde qui paye la dîme? Son monde pouvait lui payer la dîme de l'an 70 à aujourd'hui, juste, je ne peux pas prêcher l'évangile, comme je dis comme. Et là, il m'a dit, bon, libib non. Et là, monsieur Sao, je ne suis pas d'accord faire débat avec mon débat inconscience. Je fais un débat avant. Débat, c'est qui ça? C'est que débat, son débat qui nous fait, son dialogue lié. Pour nous capables de arriver, mettre ensemble, ça me connaît, ça me connaît. Et puis pour nous comparer à la lumière de la parole, pour nous qui ça, entre ça ou dit, et ça me dit qui ça qui selon la Bible. Maintenant, si vous arrivez à ce pamnan qui selon la Bible, il faut dire amen. Si c'est pas parole à moi selon la Bible, faut me dire amen. M'a pas capable ranger comme pour me bagaille pour m'a saisir c'est l'autre bord. Par exemple, regardez Daniel sorti là, c'est famille qui a gagné. Oui, c'est ça lié. M'a pas dit ah non, mais c'est ça lié. Yo invité ministre c'est samedi, yo invité ministre vin invoquer l'on est pour lio dans l'union par la loi dans l'union du mariage. Mais si qu'on yo rive ouais samedi là, c'est ça qui écrit. Mais on pas qu'à d'une propose comme si on fait poser audacieux ou boum et tirer pied pendant que c'est pas même qu'à prouver le contraire ou pas qu'à défendre ça ou à dire pourquoi on prend le débat avant on prend le dit temps pour rien on fait parler avant qu'on pasteur on dit théologie par là-dedans il dit servite amen diplôme pasteur par là-dedans il dit servite amen présentation au temple par là-dedans il dit servite amen affaire pour le prêtre décemment par là-dedans il dit servite amen parce qu'on connaît sa Bible a dit au lieu qu'on dit gars diplôme pasteur par là-dedans. Et puis, il va pas oublier la non pour le dernier, non? Non, moi, je suis là pas là. Il va pas verset, non? Il va pas prendre Bible, non? Moi, je prends Bible pour me pouvoir ça va là dans lui. Il va pas prendre Bible là dans non? Comment on peut faire des bavards comme ça? On peut faire des bavards comme ça? On peut faire des bavards. Il y a quand si mal fait des bavards avec un pasteur protestant, ou bien pour pasteur qui est opposé avec non dans l'évangile là, si je fais des bavards, si je laisse le parler, c'est moi-même qui vais le parler. Si je voulais le parler, je vais laisser le parler. Si je ne voulais pas le parler, je ne voulais pas quitter le colon. Ouvre la bouche, après ça, le ferme, il va ouvrir encore. Ou est-ce que je suis tombé là, je suis allé. Nous faisons fermer la bouche, après ça, le virer de l'aller. Tout comme Melo, ferme la bouche, allez. Parce que pas de Bible, ce n'est pas Bible à prêcher. Au moins, si tu as une Bible, tu as une Bible à dire, ça m'a bien mis à côté de l'écrit. Ou pas de Bible, on voit le bouche à dire à côté de l'écrit, pas écrit. Qui sont allés pour discuter sur le wagon qu'on a plus, wagon pour défendre, ou à virer d'eau, ou à faire ou d'eau. C'est comme ça, virer d'eau, ou à les amis. Et je ne peux pas faire débat avec Jean de Moulin, je ne peux pas faire débat avec les gens qui sont conscients, ou à admettre que si ça m'a dit, si ça la Bible dit, ça m'a pas écrit, il faut d'accord pour dire amen, oui, c'est ça, c'est l'idée, d'accord. Mais papa, il fait justesse audacieux avec moi pendant ce temps, sans dire pas écrit nulle part. Ou mettons femme pasteur, faut pas me retrouver dans la Bible, ou pas bien côté Bible écrit, il dit, j'ai dit, c'est l'idée, amen, la Bible pas doit ça. Ou mette femme à faire solo, femme à parler, femme à ceci. M'dou koto ou elle, li pa yé wop, j'invite amen, li pa yé. On a si bon bagaille ou pas comment, à servite, la Bible dit femme n'a de prophétiser, mais la Bible dit pas de parler en assemblée. Mais si la Bible dit de prophétiser, on pas de parler en assemblée à servite. Comment la parole vient prophétiser? Qui j'en la parole vient? M'pas comprendre comment m'capable détailler ça. Parce que y a pasteur, y a des enseignants qu'on fin enseigner ou vin expliquer la parole de Dieu, des fois qu'on dou. Comment m'bral lire ça, comment m'bral enseigner? Parce que là, Dieu va aux révélations, Dieu même lit aux révélations,
li bon tout texte et puis le bon enseignant a dit l'expliquer comment pour enseigner avec appui parce que sous vous faut capable défendre expliquer le détail pour yon l'autre monde qui capacité pour faire même bagarre là tout m'pa raconter bagarre pour m'pa expliquer m'pa détailler côté puis je dis pourquoi mais qui gens le comment qu'on a dit ça parce que m'bété chier m'expliquer m'dit mais comment mais ça la bible mais ça qui écrit mais texte mais ça qui écrit qu'on a là l'élément de mes serviteurs li doué fia ka prophétiser ol pa gen parler dans l'assemblée. Comment on va prophétiser dans sa serviteur? Expliquez-moi. Parce que si je t'ai posé une question, comment on va répondre? C'est aussi facile, bien-aimé. Enfin, je me dis facile, bon, pour homme spirituel, femme spirituelle. Ok. Apôtre là qui dit à propre bouche, les femmes n'ont pas le droit de parler dans l'assemblée, il va quand même poser une question. C'est même apôtre là, propre bouche, lui encore qui dit, fille, toute femme qui prophétise dans un côté 11 ans. Donc ça dit, il reconnaît la femme qui a prophétisé. Il tellement reconnaît la femme qui a prophétisé. Avant même qu'elle dit, femme n'a rien à parler dans l'assemblée, dans verset 32, en Corinthiens 14, là, il dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et puis ensuite, verset 33, 34, 35, il dit, femme n'a rien à parler. Donc ça dit, il connaît la femme qui a prophétisé, mais sauf qu'elle n'a pas qu'à parler, elle n'a pas qu'à faire l'assemblée. Mais s'il n'a pas qu'à faire l'assemblée, côté le café. Qui j'aime pas le connaître pour me connaître côté le café? Eh bien, on a qui ça va le faire? On connaît pas qu'à faire l'assemblée là. L'âme finit sous quatre ça. Oui, il qu'a prophétisé mais il pas qu'à faire l'assemblée, c'est la Bible dit pas qu'à parler l'assemblée. Oh, elle prophétise pas aller parler. Qu'on a ça va le faire. Comme tes femmes qui étaient prophétesses, on va aller visiter toutes femmes qui étaient prophétesses yo. Qu'on a les rive côté femmes qui étaient prophétesses yo, on va regarder pour moi les autres prophétesses côté où tu qu'on prophétiser. Qui gens yo te qu'on prophétiser. Et même la gueule, m'la gueule là oui. Compréhension a venir. Qu'on a pour me commencer, m'a commencé dans premier contrat. M'bral m'a paraître, m'bral ouè Deborah. M'bral ouè kouté Deborah te kon prophétise. Yo dim Deborah te kon prophétise sous le palmier de Deborah. Donc ça veut dire là, il part dans l'église, il part dans le top. Dans le pavis des hommes. Nous quitté Deborah. Nous fin avec Deborah, nous ouè Deborah prophétise sous le palmier de Deborah. N'a pas avancé pour nous regarder Deborah. Kou nan dit nous pas regarder pour nous Hilda. Hilda prophétisait à Jérusalem à l'autre quartier. Donc c'était pas dans le dans au milieu des hommes autrement dire. Et il pas même dit dans le pavis des femmes, il dit à l'autre quartier, ça dit la caille côté le territoire dans côté côté le habité à Jérusalem là. Une fille voit Hilda, pas de problème. On va regarder pour moi et Marie ou bien Miria. L'aime regarder moi c'est Moïse là côté le prophétisé. Comment elle te prophétise? C'est que pendant que vous allez dans la mer rouge là, mesdames, vous êtes dans la campagne, toutes mesdames, vous êtes ensemble, parce que garçon et femme pas mélangés. Nous comptons ça sous la loi, garçon et femme pas mélangés. Donc, mesdames, vous êtes ensemble, et puis Marie commence à chanter la batte tambour. Toutes mesdames, vous avez suivi, vous avez batte tambour. C'est femme à femme, vous avez chanté. Il se trouve que chanter Marie, t'as chanté, c'est lui, c'est ça qui va passer dans la mer rouge. Ça dit, son chanté prophétique. Donc là, moi, comment elle te prophétise? Moi, côté le thé, donc c'est pas. C'est pas ni dans l'église ni comment dire le dit ni c'est pas monsieur qui campé capitaine va pas bien un homme campé à faire bazar. OK. On fin ouais Deborah, moi Hilda, moi Miriam ou bien Marie comment on dit là, moi lui qu'on a dit qui est-ce on va regarder pour Anne. Parce que pour tout ça on va utiliser Anne. On a regarder pour Anne. Yo dit Anne prophétisait dans le temple. Qu'on a l'air dit Anne prophétisait dans le temple. Qu'on a l'âme curieux pour me comprendre. Puisque femme n'a pas le droit de camper parler dans l'assemblée, ou bien pas le droit de camper dans mitan homme, et femme pas comme même côté garçon, je suis curieux pour mal connaître côté âme te prophétiser l'alternant en plan. Nous va comprendre moi. Qu'on a m'bral gade. Qu'on a gade m'bral gade, ya. M'bral li pour moi. Comment m'bral comprendre les ânes t'a prophétisé dans temple là côté le téyé. M'oblige à étudier temple là pour mal regarder. Kouna m'prend tout bien-aimé on dit étudions le temple. Kouna nous gè voyage là nous fait à travers histoire biblique yo. Dans voyage là nous étudier construction temple là. Chaque chambre séparément, chaque domaine instancile tout prêt yo. Tout groupe chant qui était dans temple là. Et c'est ça qui fait nous te vienne découvrir que dans chanter c'était que garçon pas des femmes chantent. Et ça on dit là frère Patrick, pas des femmes chantent. Mais frère Patrick, qu'il y a un paquet de femmes chantent oui, femme artiste évangélique à droite à gauche qui chante oui.
pas de femme chantre, ça pas exister. Mais faut pas dire que dit Marie ou Myriam t'a chanté. Oui, mais elle pas chantre. Dans le temple, il était chanté dans la rue, pour aller marcher. Mais c'est évident, pas comprendre ce qu'on dit là. Pas de femmes chantre. Toutes c'était les Emma, les Datan, les Jédutoum, les Corée. Toutes c'était garçons, ils étaient consacrés, demeurés tout le temps dans le temps. Ils n'ont pas sorti ce que garçon pas des femmes chantent. Oh, mais c'est vite à dire, les femmes qui chantent aujourd'hui, les femmes artistes évangéliques, les femmes chantent, les femmes salmistes, cela n'existait pas des femmes salmistes, des femmes chantres. Ça n'existe pas. Ça veut dire, est-ce que tu sais bien ce que tu es en train de nous dire là, ça veut dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que tu... Dans la loi, il n'y avait pas de femmes chantres. Dans les groupes qui chantaient dans le temps, il n'y avait pas de femmes. Non, mais ça veut dire, peut-être que c'était dans la loi, mais dans la grâce, c'est différent. Y compris dans la grâce. Bon, c'est pire, c'est que dans la loi, les groupes de chants qui chantaient dans les temps, qui étaient réglementés par la loi pour te chanter dans le temps, tu as dit que des lois pour yo. Dans la grâce, ça n'a pas existé. Parce qu'on n'a pas les Corées, on n'a pas les Jeux du Tout, on n'a pas les Eman, on n'a pas les Jeux, on n'a pas les fils d'Araon uniquement de chanter. Mais ça veut dire qui ça gagne dans la grâce? Qu'est-ce qu'il y a dans la grâce maintenant? Ce qu'il y a dans la grâce, c'est que c'est l'église de Jésus-Christ qui sont ou qui constituent les chantres. Et ce sont les hommes qui mènent la danse. Ce sont les hommes qui mènent le service. Ce sont les hommes qui dirigent. Les femmes n'ont pas le droit. Serviteur sur le fondement des apôtres, pas de femmes chantent? Non, pas de. Est-ce que ouais, protestant, c'est ça, Bible a dit à la poche. Ou qu'à bonne raison, souvle, ou qu'à dit menti, souvle tout. Mais sauf que pour démentir, ça, Bible a offert. Et me connais pas qu'à faire la Bible. Juste dit que les serviteurs soient dit, c'est la vérité, dit Amen. Parce qu'on dit Amen pour aller, vous apportez un dixième de ton salaire chaque mois. Vous dites Amen, non? Apportez un dixième de son salaire, est-ce que c'est écrit? Nulle part, ce n'est pas écrit. Mais vous dites Amen. Or, ce que je suis en train de dire, c'est ce qui est écrit bibliquement. Vous ne dites pas Amen. Quand vous voyez cette confrérie d'artistes évangéliques, de chanteurs évangéliques qui vendent des adorations et des louanges, soi-disant les louanges de Dieu, les adorations de Dieu qui vendent, ils font les commerces des ventes, les commerces des louanges, des adorations, ça n'existe pas. Ce sont des débauchés, débaucheuses. Des commerçants, cela n'a rien à voir. D'ailleurs, il n'y avait pas de femmes chantres. Il n'y a pas de femmes chantres. Cela n'existe pas. Et d'ailleurs, mon protestant démenti. D'ailleurs, mon église vient discuter avec mon bâtiat là. Vient discuter avec même les papons bibles, mais une m'a dit me sont avancés. T'es chargé. Eh? Donc, comprenez bien. Pas dans rien protestant fait qui Bible. Les protestants n'ont rien fait qui a rapport avec la parole de Dieu. Tout ce que les protestants ont fait n'ont rien à voir avec la Bible. Ce ne sont que des traditions. Ce ne sont que ce qu'ils pensent être bon. Ce n'est pas la parole de Dieu. Rien du tout. Vous voyez, les artistes évangéliques, c'est en quantité. Des concerts payants, on parle des grands artistes internationaux, William Smith, et les Dietrich, comment il s'appelle là, le Massimadi là qu'on appelle, Kirk Franklin, un Massimadi confirmé. On va les dépucer, les bio, oui. Hein? Don Cohen, John Moen, ce sont des vendeurs évangéliques. Des vendeurs de louanges. Ce sont des blasphémateurs.
Cela n'a rien à voir avec la Bible, ça n'existe pas. Une femme vous dit qu'elle est chante, dites-lui dans quelle Bible elle avait vu une femme chante. C'est écrit où? Une femme vous dit que Dieu l'a appelée pour chanter, demande-la où dans la Bible c'est écrit que Dieu avait appelé une femme pour chanter. Ou qu'il y avait une femme chante dans la Bible, ça a dit, c'est écrit où? Donnez-moi une disciple qui était chante. Soit dans les évangiles, soit dans la loi de Moïse. Où? Où est l'évangile? Je ne suis pas d'accord avec. Je pense que vous allez publier, mais ça ne sert jamais. Vous voyez, tout le monde a pour un courrier. Vous avez dit que vous avez fait là, et vous avez dit que 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 tu vas dire à un homme que les artistes évangéliques, ça n'existe pas. Et ça n'a aucune base biblique. Aucune base biblique. Vous voyez les chanteurs, les ceci, ils chantent, vous allez dans leur programme. Cela n'existe pas bibliquement. Ça n'a rien à voir, ni dans la loi, ni dans la grâce. Ça n'existe pas. Et les plus durs, il n'y avait pas de femmes chantent, des femmes qui chantaient, comme des chants qui... Non. Ça n'existait pas. Myriam chantait au cours de son parcours. Anne chantait. Et il y avait qui encore qui chantait? Mais ce n'était pas des chantres. Elle chantait juste comme ça. Au cours de la rue, pendant qu'ils allaient dans la mer rouge avec les femmes, ensemble, elle chante. Mais ce n'est pas des chantres qu'il y avait. Il y avait des chantres, c'était que des hommes. Les Corées, les Dathan, les Man, les Jeditoum, les fils de Corée. Et, hein? Une femme qui se dit psalmiste. Vous êtes d'accord avec une femme qui dit je suis psalmiste? Un psalmiste. D'ailleurs, il n'y a pas de femme psalmiste. Et vous savez ce que veut dire psalmiste? Il n'y avait que des hommes. Il n'y a pas de femme qui avait écrit un psaume. Aucune femme n'a écrit un psaume. Donc comment une femme peut être psalmiste? Et vous êtes d'accord avec cela? Vous ne dites pas c'est faux. Ouais, vous avez une femme peut-être moins? Non, il va pas capable de me bailler raison. L'aime bien dit moi c'est libre il me prend temps pour me garder. Bon c'est lui qui a fait pour moi côté jeune, est-ce que c'est dans la Bible là, est-ce que ça fait, est-ce qu'il écrit et m'rivé moi c'est pas dans la Bible là. M'dou qui saisissement m'te fait moi pas gars faire gospel music dans la Bible, ça pas exister. A fait bail gospel music moun ka chanter voyager pour aller chanter faire concert moun an dossier artiste li la vente adoration vente ouais. Moi, ce n'est pas la Bible. Quand on me dit, bon, s'il n'est pas dans la Bible, il va faire. C'est que bon côté le sorti. Mal gardé, mal cherché pour moi. Oh, les mouilles veulent saisir pendant que tu es moi. Bon, on a qui te plus fait me saisir. C'est les 99 moutons. Tout le monde compte chanter à tes 99 moutons. Viens garder, non, pas là. Mal gardé. Si vous voulez, comment tu as écrit 99 moutons? On bambo chef t'a écrit. Et puis, 99 moutons, son poème qu'elle t'a. Et c'est non journal citoyen joué un petit poème n'a écrit. Non journal, il coupe journal, il prend petit poème. Parce qu'il t'apprend l'église, joua, c'est un soi-disant chanteur évangélique, machin d'adoration, machin nous ajouté. Il prend petit chant. Là, il fait place avec elle pour le bénir, assembler, et puis pour faire prière finale. Et puis, il prend petit bagage là. Il dit le chant ton chant. C'est type bagage là qui est maintenant l'improvisé là-dedans. Mais comment 99 moutons a créé? Je me suis dit, mais regardez-moi ça, côté sans la guerre, mon musique. 99 moutons. Pareil, mon livre est converti. Premier album évangélique, c'est-à-dire premier album musique évangélique qui est enregistré. Vous comprenez que tu enregistré? Dans le cabaret. Nous avons un cabaret, il n'y a pas rien dans la boîte de nuit. Dans la discothèque, yo. C'est là qu'ils ont enregistré pour la première fois. Et première femme qui va le camper pour chanter, qui va le monter sous scène, c'est Thomas Dorsey qui va le permettre ça. Thomas Dorsey qui va le permettre ça pour la première fois. Parce que femme pas de chanter gospel. Bon, et puis, quand on va dire que les gens ne peuvent pas comprendre. Par exemple, on dit que les femmes ne doivent poser des questions, ou bien femmes ne doivent camper parler dans l'assemblée. Femme n'a pas demandé mon kisho, et puis mon assorti pour le craser col. Bon, oubliez que femme pas de droit de vote.
C'est à moi là, il faut me voter. Tu as oublié ça. La loi qui t'a interdit de faire porter pantalon en France là, c'est 4 février 2013, oui, il a aboli. Pendant cette façon, loi qui datait le 28 novembre 1800, oui. Napoléon Bonaparte, oui. Donc, le regard est pour le 28 novembre 1800. Hein? 4 ans avant l'indépendance d'Haïti, Napoléon votait loi ça. Il y écrit loi ça. Que yon femme pa gen droit travesti. Li pa même dit porter pantalon, texte a dit travesti parce que pour les femmes porter pantalon, c'est travesti, le travesti, c'est-à-dire il déguisé tête li en garçon. 28 novembre 1800. Qui l'a yon aboli? 4 février 2013. Avant elle là. Et pas l'église le monde. Qu'on a oublié que femme pa gen droit voter. Où est le monde a transformé, le monde a bamboché Jules Avio, où on veut ouvrir l'église, fait même Jacques le monde. Qu'on a dans l'église, garçon et femme égal. Femme tourne garçon, garçon tourne femme. Et femme, garçon, quand côté, il fatigué, il fatigué d'être garçon, il est devenu femme. Femme fatigué d'être femme, il est devenu garçon. Qu'on a, c'est la grande mode. Après, on vient passer aux États-Unis, on s'invite à faire ça. T'as expliqué nous ça? Passer à baptiser, on bambouche comme ça? L'aile baptiser, l'aile penser, c'est. L'aile penser le baptiser et. L'aile quand il baptise un garçon, et vous dans son femme, il baptise. Vous n'avez pas de passer, il passe à moi, nous parlons, parce que. Comment est-ce que garçon baptisé? Et bien, garçon mieux, non? Son femme mieux. Et bien, femme mieux, non? Parce que son garçon mieux. Pendant ce temps, passer à t'aider déjà baptisé. Qu'on a passé, obligé à le présenter devant l'église, vous ne demandez pas de voir. Il va y. Il baptise au monde qui tout péri. Koura, li fatigué, li garçon li fatigué, garçon li femme, li te femme li fatigué, femme li vin garçon. Li vin garçon. Koura, l'autre la fait pause comme si il pas comprendre que femme pas connait mettre pantalon. Ou pas jambe connait femme pas jambe connait mettre pantalon. L'autre les femmes pas connait dans qui bibou te gen dans mon. Bible a changé, yo changé verset au kounya. Yo changé verset yo. Même dans les mots de femme, pas de droit voter. Qui les femmes intégrées? C'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, oui. Femmes commencent à intégrer, oui. Parce que toutes les messieurs mourent dans la guerre, on a commencé à intégrer. Femmes, et c'est là que les femmes commencent à mettre pantalon, oui. Quand on fait pas de sortie dans nous, là où les femmes ne mettent pas de pantalon, ça étonne, ou pantant, ou sauté. Ah, comment ça? Femmes ne mettent pas de pantalon. Ah, c'est lui. Au fait, vine sous la tête. Ou pas de jambes comme ça existait, c'était toujours existé, c'était toujours le cas. En portant, les femmes qui ont mis le pantalon, qui dit que vous moi-même. Pas mettre des gens inversés en bouillon, mettre en verset, ou en ton verset. Coup d'un autre, vous avez un insensé comme vous. Oui, la Bible pas du pantalon. Comment vous avez dit pantalon? Ah, vous avez verset à te citer, corsage, pantalon, jupe, chemisette. Pour te citer tout net. Li di vêtement ou besoin de pantalon encore? Li di habillement ou besoin pour le pantalon? Quoi, okay, si te dit pantalon ou non, ou pas d'après le pantalon ou d'abalon l'autre non? Ou pas c'est bon Dieu gare, il y a. Bon Dieu, puis intelligent, parce que nous t'en veux. Et verset a écrit bien écrit, dit depuis ce monde, depuis son femme qui peut ton habillement garçon, il y a une abomination. Et tout le monde qui a une abomination, pas qu'à sauver, Apocalypse 21-27. Ou pour ton pantalon ou en abomination? Tout le monde qui a une abomination, pas qu'à sauver. Apocalypse 21-27. Pantalon, son habillement garçon qui est lié. Tout comme jupe, son habillement femme qui est lié. Même les nouveaux gars, messieurs, changez pour nous, messieurs, pour jupe, garçon, femme, vous mettez pantalon. Il devait pour bon Dieu te dire pantalon dans le verset. Quand on a dit, je te dis pantalon, on a dit, le ballon l'autre, non. Il t'a dit, nous pas pris le pantalon, c'est moi dans le verset. Il dit pantalon, on a dit, l'autre, non. L'homme dit ça, n'a pas de bonnes idées de pantalon. Vous comprenez? Quand la dame dit ça, c'est dans verset A, nous parlons dans verset A, vous comprenez? N'a pas de verset A, n'a pas de pantalon. On a connu de mettre pantalon, monsieur, vous allez changer, vous pas pris le pantalon, vous allez arriver dans l'autre, non? Et puis, vous allez dire, ça que vous avez parlé, verset A dit pantalon, mais il va pantalon, vous allez dire, ça sont, par contre, son béquin gizouli. Quand on a comme son béquin gizouli, verset A dit pantalon, donc c'est pas ça. Mais mon Dieu est tellement intelligent.
Li pa mette pantalon, corsage, chemisette, jupe, non. Li di habillement. Kouna automatiquement tout tombe dans sa clan. Ouvri sak habillement ou vient tout la dan. Et puis ou a dit yon femme qui pote pantalon, c'est pas une abomination à Dieu. Napoléon Bonaparte pa tap vin ap leve pou jije pasteur tête en bas pasteur zombie kounya yo. Napoléon Bonaparte pa tout. Ou ton sanguine l'ap leve pou vin jije nou. L'ap jije nou pou le faire nou konnen ke pantalon pas fait pour femme. Ce sont les suffragettes qui vin ak demagogie. D'ailleurs, yo te ligotine on dame pour ça, pour baja. Parce que la révolution pou yo ka bégal la garçon, yo vle pote pantalon même jak garçon, c'est ton paquet de blouse qui te gagne pour l'église entrer dans bagage. Mon cher, tout c'est pas l'église bon Dieu nous yevre monsieur. Ba gros que problème avec nous dans ça, nous met continuer dans route. Tout va faire bon Dieu la prière. Ou pas ka reine Elisabeth avec pantalon, comment pou faire avec pantalon? C'est 70 ans règne qu'elle gagne. C'est-à-dire, li sorti depuis l'ancien mouté ou vis-à-vis de. Comment vous voulez pote pantalon? Vous connaissez que ça va exister. Li connaît. La zib la grand bay la ou che. Comment fom ge fè ge fou li ren et li me pote pantalon? Ren nan se wop li mette. Ren baka en pantalon se ak wop vou liye. A yon fom liye. Ah, monsieur, peut-être ça. Et puis, vous constatez que ça vient au vieux et au coincé, il est bloqué. Ah, vous ne pouvez pas contourner bon Dieu. Vous ne pouvez pas être bloqué. Vous ne pouvez pas chaud dans mes hommes là. Il vient chaud dans mes hommes. Il vient chaud. Quand vous avez un citoyen là, il y a un goût, mais là, il y a un sexe. Il vient une femme. Il y a un moment chagrin douillet. Quand il y a besoin de retourner un garçon, il ne va pas être capable. Eh, pas de mettre pénis là. Là, il fait couper, il mette chouchou. Quand il y a Dieu, il y a pénis, il y a un chouchou. Et vous n'avez pas de balle pour vous avoir, pour vous dire, pour vous dire, pardon, pour vous sauver. Péri, grand matin. Ça va bien, le Brésil, il est fini. Fini. Oui, Brésil, il est fini pour lui. Fini. Fini. Il va respecter mon Dieu, c'est fini pour lui. Bon, nous, quand vous avez la vie, c'est pas une question, nous terminons là, c'est pas une question. Si quelqu'un a question pour vous, c'est pas une question, nous voilà. C'est une question. Où est-ce que Mélon disparaît? Mackinton disparaît. Il y a l'aller, yo. Sans Bible, yo pas prend Bible rien du tout. Y a l'aller, yo. Yo ha oui. Vous comprenez? Daniel ou m'a pris le pasteur connait. Dans les gars où était là jusqu'à la fin. Vous comprenez moi? Bon Dieu béni nous. Moi même en pile et me condamner moi même nous comme ça déjà. Et passer votre distance à résister tête chargée, oui. bon on témoigner on va m'aller. Yo les gayon jeune dans l'église protestante. Qui vit côté, il dit, Frère Patrick, dans le monde, l'évangile va prêcher avec sa protestation à prêcher, qui est-ce qui est vérité, à côté de vérité, à côté de mon camper. Ok? Gagnons étude biblique, vous voulez chercher un pasteur en Haïti, la Vinfel. Est-ce qu'on peut participer là-dedans, venir avec pour me capable ouais au moins ma balancer entre ou même avec au coup de vérité aille. Moi dit OK pas de problème. Comme c'est pour capable ouais pour comprendre, ben toujours évangéliser lui. Me dit m'a venir d'accord, m'a venir. Moi déplacer m'aller dans étude là. Les m'arriver. Moi tout monde réuni même pas dit si c'est jeune là qui invite moi. Ah, sinon, il y a un problème, il y a un problème. Je vais. Moi, chita. Et puis, je vais suivre. Quand même, je vais noter. Je vais attendre des citoyens. Et puis, il a parlé. Il dit deux bagailles. Je ne vais pas prendre un pile bagaille. Je prends deux bagailles qu'il dit, noter. Et puis, je vais attendre. Le, li fait place à question parce que comme son pasteur qui recherche l'autre pasteur, donc yo tous les deux là. Yo fait place à moun pour moun qui pou poser question, pour te micro bay moun, moun a poser question, tout ça. Bon, moun yon va yon konan yon. Et yon a, on s'est temps, moun te tan comme konan yon konan très bien, moun tan, qui te tout moun vin poser question. Et puis moi même, avant, après, à la dernière minute, moi quelques degrés moun qui pose question, qui levé doit yon, puis moun levé doit moi. Yo prend tout l'autre monde yo va occuper. On allait ou pas occuper, m'kembe m'kite même m'relever même encore.
vin pa gen moun ka pose kesyon se ke dwet man kan lè, yo pa okipe m. Pou nan gon servant ki te la, servantan di fwe Patrick, se espri yo fè. Yo bien wò pose kesyon, yo bien wò dwet wò lè, leve kampe, leve men wò lè. M kampe, m leve men. Yo pa okipe m, wè nan tout l'eglise la, zye yo vin fikse sou mwen, men man lè, m pose, m pou leve dwet man pou pose kesyon. On a tout mon Dieu vinn fixer sur moi droitement là. Yo pa vle dan bam pa la parole. Kouna yo vinn dan l'embarras. Kouna yo vinn dans l'obligation pour porter micro à maman parce que tout mon a regardé, yo tant que yo bam micro. Gen moun ki fâché, en même temps gen moun ki content qu'a rit ou ki content que ça me braille, yo connaît ça va le chauffer. On a l'air bam micro et puis me dit salut pasteur parce que bonne mise bien, soit disant pasteur. A dit, basé ça, on le m'a fait dans le service. Il te fait 7 10 soir, m'a fait dans le service, m'gade moi, monsieur kap descend en kepi, kepi a sous tête li, bouche gel. La traversé, la ouya, m'a m'a bin en face, la traversé devant m'nan, pou la l'kay yon dam, ki gen maril mouri, ki nan komite la, bien ta. Et puis deux gros serviteurs même disait il dit gardez bien est-ce qu'on connait qui est ça qui passe là avec qui il couvre tête là il dit même pas qui est dit pas qui c'est pas un tel qui passe là il dit non pas il dit gardez bien pour eux il dit coucou serviteur il traversé 7 heures du soir soleil couché fait noir oui il prend le caille veuve là qui pour conclure dans caille là il traversé l'allée là-bas. Après ça, m'a dit témoignage un voisin, une voisine qui bombe sur le jour ça qui s'est passé. Couillon, salut, pasteur. Et il dit, salut, nous avons Jésus-Christ. Bon, ça fait longtemps que je vais faire nous, content pour saluer nous. Et il me salue l'autre pasteur, il me salue tout. Et première fois, moi, mon Dieu béni. Et il me dit, bon, moi, j'ai deux questions. Alors, ça qui me juge, moi, peuple ça, il me dit, il me garde le peuple là, il me dit, peuple ça, son peuple qui a besoin de sauver quelqu'un. Et pour le sauver, le besoin de vérité. Et comme on l'a, je suis que c'est vérité au côté. Pour le peuple, ça, pour capable de les sauver. Alors, tout à l'heure, on se dit que dans le judaïsme, il y a qu'on baptise les gens dans de l'eau. Est-ce qu'on a? Parce que si on dit, m'imaginer que c'est dans la Bible, on lit, on dit, parce qu'on va dire un bagage qui n'est pas écrit. Donc ça veut dire où elle écrit. Est-ce qu'on peut le peuple là? On va dire moi-même non, mais le peuple là. Verset côté ça ou l'île, ou l'île où elle écrit, que dans le judaïsme, on est baptisé dans l'eau. Et puis monsieur dit, je vais vous poser l'autre question, non? Monsieur dit, moi ça. À 15. L'une à 15, là, on va voir ça. Faut te faire comme ça. Vous voyez, mais non, libre mon chapitre. Et ça qui me dit Dani, faut pas faire même genre, pas faire même genre protestant, faut précis dans ce qu'on dit. Mais c'est là qu'on chapitre dans ça moi. À 15, qu'on a joué à lire la Bible. Pour prendre le printemps, pour lire à 15, pour garder à 15, pour lire premier verset jusqu'à dernier verset 22, puis c'est bagaille à terminer, tout le monde a la caillou, puis tout le monde va passer à tes bons versets. Et si on dit non, pas de bon verset, non? Tout le monde a dit oui, tes bons versets, tes bons à 15. Et on passe tout le temps à lire à 15 pour chercher ça, le doula, parce qu'il va écrire. Jusqu'à ce qu'elle a fini. Et puis tout pour nous, ah, il dit vérité, parce que c'est le verset. Et elle dit, bon, bah, elle dit, parce que, si vous voulez que ça à 15, dit, qui ça à 15 ans, parlez, ma blou. Mais à 15, va gagner pour vous avec ce dia. D'ailleurs, non, à 15, pas gagner mon baptême, n'a que la tête du tout. Donc, juste m'ando, pour 10 peuples, là, ça ou ce dit-là, qui m'a l'écrit? Parce que, monsieur, sujet, c'était sous baptême. Qu'on a lundi, mais c'est pour le bail verset. Mes amis, famille, va se mettre nos pattes là. Pasteur, on connaît plein de monde. Il y a gardé, monsieur. Et monsieur, et on connaît même depuis mon débat avec mon monde. Ou a dit vérité, vous pouvez vous dire vérité. Et ça, qu'elle me dit, si vous voulez, vous n'avez pas fait le balai. Si vous ne voulez pas le balai, depuis c'est pas vérité, la petite, vous parlez le balai, pas le balai. Depuis c'est mensonge, vous avez fait même jour. Parce que mensonge n'a pas écrit nulle part, ou pas besoin de preuve pour lui. Et c'est inventé ou inventé mensonge. Kouna la, misye commence à trembler. Misye, gongote kem vin fè mal, kem fè mal, gongote kem fè mal, moun gen pitié pou li.
Monsieur Tremblé, me dit pasteur, c'est juste verset à pour Bible, me dit Bible là devant ou bien Bible là devant, ouvre Bible là verset, ouvre même devant la pasteur. Monsieur comment c'est tremblé. On a pasteur té l'âme de guider descendre que puis il pourrait arriver là pour distraire là. Même quand tu me dis vous plus copé. Yo, parti. Nous bien propre, nous venons mettre de nous là. Dehors, nous pas te vite. Sou pas d'accord ça yo dou là. Allah ka va se nous pas te vite. Gen moun ki di oui, c'est pour Allah ka. Gen l'autre qui dit non, faut pas pas occuper l'église a pas pour lui. C'est l'église mon Dieu. Il pas ka mettre au dehors. Dit parce que comment pas ka répondre, m'a poser une deuxième question. Ou se dit que baptême au nom de Jésus est une doctrine erronée qu'elle est. Est-ce qu'on capable dans Bible yon moun ki baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Par moi maintenant by peuple là d'accord baptême au nom de Jésus-Christ sont doctrine erronée qu'elle pas de problème c'est ça dit m'admet il y a avant parce que c'est parole mais est-ce que au moins baptême au nom du Père du Fils du Saint-Esprit comme il parle doctrine erronée est-ce qu'on capable by au moins un disciple ou bien un apôtre qui baptisé au nom du Père du Fils du Saint-Esprit peuple attend et puis tout pour le t'a regarder monsieur mais c'est commencé trembler encore trembler pire parce que retourner vous pliquer vous prendre comme dit shit au nom de Jésus pas parler pour parler moi. Et puis, c'est blanc, monsieur, parce que je prends autorité sur lui. Parce que l'homme de Dieu prend autorité, on prend pas l'esprit, même quand tu as passé à brouh, monsieur. Et puis, il dit. Même moi, je suis étonné, je prends autorité sur lui. Il dit, brouh, monsieur, il ferme bouche. Je dis, chita, ou pas d'autorité. Et puis, quand on prend la parole, je dis, qui bon, je dis, 10 peuples, 6 pans de menti, monsieur. 10 peuples, ça nous dit, qui bon écrit. Et puis, monsieur, a tremblé, il n'a pas qu'à répondre. Tout bagay bloqué, sa kap ri, sa content, sa kap jouem. Mani pointi bristak mwen, m'plie yo. M'kite l'église citoyen en bali, m'a dit, ah l'ale. C'était nan samedi m'kwen, nan dimanche matin, m'sye di, bon, ou de gen patrik ki te vin la, yon gâte a fè, nou te bien à l'aise la, parce que yon kap bien apprendre nous la, et puis il vin gâte sa, patrik son gâte sa lié. Tout côté le passé gâté le vin gâté à faire moun li yon moun ap marcher son seul pied li même vini pour sous des pieds de marcher donc m'était un peu impoli alors n'a pas donné moi un petit patek là en mec dans pile il devient un mec de nous là il vin nous nous pas t'inviter li donc quand on finit l'histoire et monsieur que t'as le là pendant mal travail et puis beaucoup là qui dit moi ça. Est-ce qu'on connaît le pasteur? Je dis oui, je connais le très bien. Et vous connaissez? Parce que des fois, vous avez un bon Dieu, une bonne explication de ça. Parce que les gens montent sur le service avec ses vitesses. Mais si vous passez des années à traverser l'arrière, vous avez un peu de 7 heures du soir, fait noir. Je connais celui parce que je m'habitue avec elle. Mais ses vitesses, quand même, ne pas connaître celui. Même les gens connaissent, mais pas habitué avec elle, je m'habitue avec monsieur. Je dis, est-ce qu'on connaît le pasteur qui a descendu là? Monsieur dit, non, pas inquiète. Il garde bien après. Il dit, pasteur, un tel qui a descend là. Il dit, oui, c'est vrai. Et puis, il descend quand il a un missionnaire qui est dans le comité, monsieur, Marie, Manzemoui. Mais, là, il descend, par contre, ça a réglé. Moi, il fait noir, mais sauf que vous connaissez quand il y a une dame dans la vie. Parce que le scandale a déjà dehors. Quand il y a, c'est pendant ma travail, puis on collègue dit, est-ce qu'on passe un tel? Il dit, oui. Il dit, mais ça, on voisine, dit, me dit, qui sa voisine a dit, il dit, qu'il dit, qu'il dit, qu'il dit, ok, bon, même le bâton, il dit, qu'il dit, voisine, qui garde le pasteur, tel, bien ta qui entre, kaisen, tel, qui pague Marie, moi, qui pour continuer dans la là. Et pendant, passé à fin, en 30 ans, qu'on a voisine, qui a fait un tchou, pour être là, il se dit, qu'il dit, voisine, il frappe, porte là, qu'on a l'air, le pasteur entre, il dit, j'en ai 7 heures du soir, femme nan veuve, c'est vrai nan comité, c'est vrai c'est dame de l'église liée, li nan comité, mais li veuve, Marie mouri, ti moun ni ap étudier à l'étranger, en France plus précisément, li nan kala pou kont li. C'est dit soit pasteur ce qui sont pral faire la kay li. Est-ce que c'est gêne ou pral gêne? Est-ce que c'est en délivrance ou pral faire pour li? Li kèk vie esprit de Jezabel ou kèk vie esprit de Dalila sou nou pral retirer pou li? Bon, ou moun ta akompany a madame ou pral retirer esprit de Dalila à 7 heures du soir. Bon, peut-être ou pral gêne tout, ou bien veille de nous pral faire, ou décide de faire gêne avec dame missionnaire seul. Kouna pasteur entré. Kouna li di petite voisine nan descend lè le pasteur entré, voisine nan descend, la frappe porte là. A bon ti temps frappe porte là toc toc pou rele voisine nan. Lè frappe porte là voisine pa jam vin ouvri. Lè voisine nan vin resi vin ouvri porte là petite.
en dedans fait noir, non tout fait noir pendant ce temps pasteur, toute lumière éteinte pendant ce temps pasteur en dedans. On a voisin dit il y a des vitres, il dit bon Dieu, nous continuons. Dans quel lit, il continue à le gêner. À le gêner. Continue à le gêner. Et où est-ce qu'il fait ça dimanche matin? Tête chargée, quand il a fait l'église avec l'esprit. Pendant ce temps avec la missionnaire, dans la soirée. Ouais, mais c'est pas la carrière forte. Il me fout tout de suite, il va te dire tout. Ah, mais nous, mais bien nous là, où nous nous trop. Mais ton dieu, il va la carrière forte. Il va la carrière forte, oui. Oh, ouais, ouais. On est venu, on m'a dit, ma baba, toi. Moi, je suis dans le bat. Ouais, ouais, ouais. Ils font cause moi. Là, c'est qu'il a coûté, ça fait cause ou après ça, la question, c'est où tu fais le mal. Il dit, oui, faut pas te griver, il m'a écrasé l'église. Il faut pas dire que l'église est grâce à bagaille. Quand on a la madame dans l'émission, je dirais que quand on a l'élève, on dit oui, on apprend que nous avons grâce à l'église, nous avons fait des autres dans l'église. Et puis quand on a dit moi-même, tu as fait des autres. Parce que pendant qu'on a évangélisé, on a passé de porte en porte, on a passé de tous côtés net. Et puis nous juste passé devant le bâtiment. Nous avons terminé dans le bagaille. Et puis nous passé, et puis quelqu'un nous connaît, nous avons discuté avec eux, parlé avec eux, tout ça. Et puis on a sorti, on a parlé, on a dit ça à côté, et puis on a dit après, il est venu chercher Jésus fois pour venir jeter. On a dit, mais comment vous avez dit l'église, vous avez Jésus fois pour jeter. On a dit, mais quand on est là-bas, c'est un protestant. On a dit, mais regardez ma bouche. On a parlé comme ça. On a dit, mon qui fait ça, on va parler avec le direct, on va parler avec nous. Et mon qui fait ça, on va dire, comment il fait ça, si mon église est pas qu'on va faire comme ça. Et puis on a passé, on a venu faire quoi pour battre frère avec nous. C'est qu'un béo. Comme frère Kavem, nous ne sommes pas dans le gourmet, nous-mêmes nous ne sommes pas dans le gourmet, nous mettons un coup, nous acceptons un coup, nous ne pas faire aucune réaction, rien du tout, nous ne pas porter plainte, nous ne pas gagner nos cafés, parce que nous ne pas nos doigts. Et puis, vous avez, quand vous avez l'accusé, vous dites, c'est moi-même qui a dit, vous avez un frère disciple, il me dit, ah, mon cher, vous avez passé un tel après moi, vous avez fait des autres dans l'église. Il me dit, pardon, il me dit, un tel, il me dit, frère, un tel ou quoi, bah, ça? Il dit, oui, c'est ça. Il me dit, mais pourquoi c'est vous porter plainte? Pourquoi vous avez passé au papa? Si n'a pas besoin, il y a vite côté. Quand elle a fait publicité pour moi, dit qu'elle m'a fait des autres dans l'église. Ou qu'on est demandé toujours là pour laver ses vitesses, laver petite lit. Pendant que nos émissions, elle a dit moi, tu as fait des autres dans l'église. Je dis moi-même qui t'a fait des autres dans l'église. Oui, comment ça me donne? Qui ça me défait? Quand on a même côté à mon téléspectatrice qui veut, il dit frère Patrick, moi, tu es là dans le moment où tu es envahi ou nous, tu es venu battre nous. C'est tant que tu es frappé nous. Pour me filmer ça, mettre sur Facebook, pour me faire comprendre, même côté ça qui disait mon église. Même côté, il me dit, quand tu as passé ce bagage, il dit, la caille, même devant nous. Il me dit, mais mon Dieu, tu es là pour justifier. Mais ça, c'est la vie qui fait mon Dieu, pas qu'on aime dans le gourmet, quand il dit, tu as Jésus, le gourmet dans l'église, ou il me dit, pour te savoir, il m'a dit, par exemple, pas qu'on aime. Pour te savoir, il m'a dit, pour te savoir, oh, pasteur, mettre bagage dans le sac, pasteur. Pour yon kake Bernard, a yon po, pour faire qu'on est passé dans drogue. Protestant, oui. Protestant, oui. Pasteur Taïze, bon bas pied, pasteur, oui. Eh bien, mais comment bagay la te fait? Donc, ou on moun ko sa pa kame fom tèt man? Il va kame fom tèt man. Il dit, foudé, a batik. On va yon de moun la to. Foudé. Fom gen chas, yon mette mdiyon, nan baza. Foudé. Donc, mes amis, bon Dieu béni nous. Nous comptons bon nous ensemble. Et nous prêts pour nous répondre à toutes questions. Quel soit sujet, depuis le concerne la Bible, nous sommes pour nous répondre. Ou qu'a écrit nous en privé sur Messenger. Pour les gens qui veulent monter à bord, sur le fondement, ou sont capables d'écrire nous, ou rejoindre nous. Il y a un pasteur, il y a une mission, il y a l'église, qui est dans la démarche traditionnelle, qui a fait écrit, qui rejoignent nous. Sauf que, depuis le baptême n'est pas bon, ou obligé de faire le baptême. Peut-être que vous allez dire, mais c'est vite, comment l'église qui a rejoindre, comme dit, retourner sous fondement pour l'église, pasteur baptisé, toute l'église baptisée. Oui, toute baptisée. Baptisée, totalement. Tout le monde n'est ni pasteur ni l'église, toute baptisée, parce que baptême n'est pas bon. Qui est souhaité baptisé au nom du Père, du Fils, dans la Bible? Personne. Donc, pas de personne qui est baptisé comme ça, et pour baptiser comme ça, vous devez réfléchir, mettre tête en question, vous dites, mais est-ce vraiment pasteur qui est baptisé, donc on prend la Bible vraie? Parce que même mon baptême par personne qui peut baptême ça on la gueule là ça moi quand il faut mal consulter ton nèg qui connaît que lui pour me connaître ça passé vous comprendre moi on doit venir là on passé ou dit bon mon frère Patrick va comprendre mais passé à mon baptême au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit
on a bib moyen paraît personne monde qui baptisé comme ça. C'est vite qui ça parce qu'on cas sur et puis mal sur qui est pasteur qui ça cause pasteur faire comme ça. Nous comment les bib pour vous baptiser pour capable baptiser et pas c'est pas pour aller rebaptiser non pour baptiser même. Pour aller baptiser. Jean Bible dit et puis on va différence on va parler même là même. Même avec toute l'autre ministre même Jacques Apôtre. Ou précis dans ce qu'il dit, il y a écrit, il y a clair. Ou un monde qui va précis dans la Bible, dans ce qu'il dit, il va être clair dans ce qu'il dit. Il y a une blague, après exemple, il y a toujours un raisonnement là-bas. Et puis on va le coup, on va le tout, on va le coup, on va le tout. Raisonnement, jamais pour un verset. Ça va pas camper sur la Bible. Il camper sur les rudiments comme Paul te dit. Bon, le verset, ça pour me terminer. Ma plus grande verset, ça, après ça pour me dire au revoir. Pour nous capables de trouver, non? Je merci, je veux. Si Seigneur permet que nous ensemble, la Seigneur va décider, c'est pas possible. Et s'il décide, c'est pas possible. Nous pas pour nous opposer à ça que nous avons décidé. Qui ça le dit? Dans Colossiens le chapitre 2. M'appli à partir de verset 6. Là, m'a parlé de monde qui a bay raisonnement. Bon, mais qu'on a l'autre pasteur. Moi que son pasteur oui parce que moi depuis moi PAST c'est pasteur. Pasteur Meïs Fedner. En tout cas nous saluons pasteur Meïs Fedner et nous bienvenue dans notre chat non. Et qui ba moi Matthieu 28 19. Oui serviteur mon courant de Matthieu 28 19 là oui. Mon courant de lui. Qui ça va dire nous même de Matthieu 28 19. En aller nous ba nous dit nous qui ça va dire. Elle me connaît me lit Matthieu 28 19 de toute façon c'est lui sainte sujet moi. Vous comprenez? Dis-nous qui je vais dire de Matthieu 28, 19. En allez, pasteur. Commencez par nous, nos papa. Commencez par dis-nous comment cet esprit a relé. Et dis-nous qui est qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est trois questions que ça nous a posé pour le moment dans Matthieu 28, 19. Là. Parce que nous, elle dit, allez, c'est l'impératif. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, donc ça dit papa a bon nom. Au nom du Fils, ça dit petit de la bon nom. Au nom du Saint-Esprit, Saint-Esprit a bon nom. Donc ça veut dire 1 ou ban nous non papa 2 ou ban nous cet esprit nous va mande au fils ça parce que nous connons nos fils là et puis ou dit nous yon disciple ou bien yon apôtre qui baptise au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit n'attend nous pasteur Fedner Meïs bon Dieu bénis nous n'attend nous m'parle dans m'poko al dans texte colossien non sur affaire raisonnement non m'camper là m'attend pasteur Fedner parce que depuis passé à venir n'a pas reçu bien on a le pasteur Fedner. Bon, nous répéter pour vous passer Fidnel. Dani Souka écrit question pour passer Fidnel. T'as bon, moi, il y a prié. Écrit question pour passer Fidnel. Première question. Quel est le nom du Père? Deuxième question. Quel est le nom du Saint-Esprit? Troisième question. Quel disciple ou apôtre avait été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Selon Matthieu 28, 19. Puisqu'il m'a donné Matthieu 28, 19. Donc, on y va, passer Fidnel. Répondez à nos questions. Son moun ka écrit question pour passer Fedner pour ka wè nan chat là. OK, merci Dani. Quel est le nom du Père? Deuxième, quel est le nom du Saint-Esprit? Quel est le nom du Saint-Esprit? Écris pour lui. Vous comprenez? Ah oui, ça joue pas faire en créole tout. Par contre, il comprend français bien, ouais, écrit en créole tout. Et puis on dit quel apôtre ou disciple avait été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Quel apôtre? On a mouja bon dicté là, hein? Merci Dani. Oui, de me faire vision. Quel apôtre ou disciple avait été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non, et Dani qui a fait mouille, parce que tu as la bruit dans le chat là. Bien, quand on est aux États-Unis, il y a ce qu'on nous mouche. Ah, ou fè moun yo pense et la bêtise n'a passé. C'est regarde l'évangile, c'est qu'on a un goût de bon bâtir de l'évangile qui n'a même pas, mais oui, fier, mon cher. Oh, alors, tout n'a pas passé devant nous là, tout ces théologiens, oui, tout ce n'est qu'à l'étudier. Il va, il va se faire étudier. Go théologien, il y a diplôme. Moi, m'a de diplôme, bat fait étude. On gros chrétien mieux. Seulement, une révélation de la parole, je ne grâce, bon Dieu. Bon Dieu, il aime, c'est tout. Et qu'est-ce que ça me dit comme différence? Vous comprenez? Quel apôtre ou disciple? Alors, on met des disciplines.
Gèle son faute de foi plié. Quel apôtre ou disciple avait été baptisé au nom du Père? Ah, retire X à moi, mon cher. Oh, de pou mette X à ou la gen nan problème. Retire X à nan O à moi, et s'il plaît. Oh, y pa gen X, mon cher. De pou mette X ou change phrase à ou frère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors là, le pasteur fait n'en apte en l'okounia. Et merci Dani parce que vous avez écrit question pour passer. Vous comprenez? Pour passer. Si bon, l'autre monde qui a écrit la créole pour lui, pour écrire trois questions en créole, écrit pour lui. Et trois questions, c'est en dans Matthieu 28, 19 là lié. Comme Michel Bamboy, Matthieu 28, 19. C'est en dans Matthieu 28, 19 la question sérieuse et réponse en dans Matthieu 28, 19. Donc, parce que vous avez répondu, vous nous oubliez. N'attendez monsieur pour être capable de répondre. Par la grâce de Dieu, parce que nous sommes très gentils et très sages. N'attendez avec sagesse et avec patience. Pasteur Fedney qui va répondre à nos questions. Et n'a pas mis top chrono. On a les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passez, n'a pas nous passer. On a les. Parcourir même la plot, non? On a les. Quel apôtre ou disciple avait été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Quel est le nom du Père? Quel est le nom du Saint-Esprit? Pasteur Fedney Beis, question à vous. On a les pasteurs Fidney. Pasteur, that's how we écrit, non, mon cher. Ou bien Bible, non, mon, we écrit. Ah, pasteur, mon cher. On y va, pasteur. Écrit, pasteur, écrit. On y va. Vous avez une Bible quand même. Vous m'avez donné Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Quel est le nom du Père, pasteur Fidney? Quel est le nom du Saint-Esprit, pasteur Fidney? Quel apôtre ou disciple avait été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Monsieur, si nous ne pouvons pas répondre, montez à bord. Montez à bord sur le fondement des apôtres. Retournez sur le fondement, monsieur. Pas un Corinthiens 3, 11 ans déjà clair. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement des apôtres. Les mêmes fondement des apôtres, ils ne parlent pas de domination, de religion, ils ne parlent pas de Christ. Oui, Christ qui fondement. Attention, les mêmes fondement, de Christ m'a parlé. Et de Christ m'a parlé, ils ne parlent pas de l'autre bagaille. Ok. Dani, où est-ce que tu mets tes disciplines encore? Où est-ce que tu mets tes disciplines encore? Mais quand même, où est-ce que tu mets X, ça, c'est pas grave. C'est bon. Qui l'école Jésus t'a allé pour la parler? Comme paquet de bagailles que les pharisiens ont été saisis. Oui, là, on parlait de Jean 7, 14, là. C'est Jean 7, 14. Comment connaît-il les écritures lui qui n'a point étudié? Ah, Dani, ça, tu as oublié Bibou. Oui, vous faites comme content, mon cher. Hein? Bravo, me félicite. Franchement, me félicite au pasteur protestant dans la façon que me félicite, là, Dani. Vraiment, félicitations. Ou est-ce que vous êtes allé là? Vous êtes allé dans Jean 7, 14, Jean 7, 14 directement. Oui, c'est ça vous dit. Comment connais-tu les écritures lui qui n'a pas étudié? Là, vous voyez comment l'a enseigné dans le temple, comment l'a parlé, comment l'a parlé avec puissance. Mais comment monsieur fait qu'on s'écrit dans l'écriture là? Parce que monsieur va dans l'école. Ça veut dire qui ça? Jésus qui était sans instruction, les apôtres étaient sans instruction. Jésus qui était pauvre, les apôtres étaient pauvres. C'est ça, ça m'a dit au fort, oui. Pour te s'en faire d'accord, ça nous va dire pour te pas à l'école pour dire Jésus qui pas à l'école, Jésus pas à prendre, pas de connaître, pas de les apôtres étaient pauvres, les disciples étaient pauvres, les apôtres étaient sans instruction, Jésus Christ était sans instruction. Je veux dire, à la manière des hommes. C'est-à-dire, études classiques, bah, comme ça. Mais il y a une option. Ah, pasteur Fedney Beis, tout disparaît. Attendez. Mais c'est qu'il y a une chance à passer du tout. Il y a un bourré assez. Ouais, bah, là. Mal que moi, je ne sais pas, monsieur, bien. Parce que monsieur fâché, je suis gentil avec lui. Vous comprenez, votre quoi, elle est trop fort, monsieur. Vous comprenez, moi? Monsieur tout gentil côté lui là. Monsieur Gata pas dit oui. Regardez ça, monsieur. Regardez, on s'est passé au fragile, monsieur. Oh oh. Pasteur Mackenton parti, pasteur Melon couru. Il y a tout couru net. Dès que vous avez couru, il n'y a pas qu'à ouvrir Bible. Voilà.
On a même allé et a vini la fidne qui vini la lila qui m'a tué 28 dans sa moun, monsieur Ganda Koui. Monsieur Koui, oui. Oui, il m'attaque l'évangile de prospérité, oui, Dani. Et on connaît mon compte l'évangile de prospérité, parce qu'il n'est pas biblique. Hein? Il n'est qu'après chez l'évangile de prospérité, oui, bon Dieu, ce bon Dieu, riche, ce bon Dieu, il est riche. Et puis, il vient devant, prouver mon apôtre qui était riche. N'est qu'à l'étude de théologie, prouver mon apôtre qui est à l'école. Ou bien prouver Jésus-Christ qui est allé, Jésus qui est à l'école. Jésus-Christ qui est à l'école, les apôtres qui sont à l'école. Tout ce monde qui est à l'école, il est tout. Non seulement les pauvres qui sont pas à l'école. Non, la Bible qui est mon allié. Il y a même la Bible avec monsieur. Quand on a demandé qui Bible lit et qui Bible même lui, il dit mes amis, les voyez, pour la barre, on dit même, il dit, bon, monsieur qui est là, mais il est là. Même non, ça, on n'a pas la Bible là. Dans la coulisse, mais on dit comme ça. Ça vit, c'est pas. C'est pas vérité, ça Dieu pas vérité. Mais ça veut dire, allez trop fort, toi dit. Et ça veut dire, oui, allez trop dit. Et bon, l'autre même qui est, il dit, ça, et il dit, mon cher, mais, les voyez, pour la même, quand on a un arrêt, ben, m'a regardé, moi, ça veut dire, écrit. Bon, pas, je me donne pas ça, on a ça, et moi. Mais, m'a pas compris, quand on a un ça. Parce que c'est ça, nous, 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 Ndede a ou, pas de problème avec ça. Ou bien tout passe qui là, tout prend couille, tout couille, tout net. Pas de yon qui kapon biba vèm. Et puis tout ces théologiens. Kouna, dim ki raison pour parler de théologie. Puisque m'pi fort qu'on passe théologie. En fait, c'est pas pour m'vanter, non, son langage m'utilise. C'est pas pour m'enorgue yim. Même les signes d'affaires, m'dap gen raison qu'on dit Paul dit dans de Corinthiens 12 là. Qui s'ambra chercher dans la théologie, qui s'ambra l'apprendre dans la théologie. Mais pasteur théologien, depuis que je me connais, je prends un contact pasteur théologien. C'est que faire mes bouches, faire au courir. Qui s'ambra chercher dans la théologie? Je change pour mon ancien qui rencontre un pasteur théologien. Les anciens comme ça, déposer pour être théologien, il m'a dit ancien, qui étudie ou fait, dans quelle université tu as étudié, est-ce que tu étudies théologie? Ancien tombé, oui. Ancien dit, mes amis, oh, m'ba même fait moyen de l'école. Nèg la fait go théologie, go nèg lettre. Kouna la pmade m'kote m'da l'étudier. Ti mou m'da l'étudier. Hein? Kouna, est-ce qu'on est théologie, ba yon? Bon, pasteur Melon Koui, pasteur Mackinton Koui, pasteur Fedner Meis Koui, ah, m'a demandé de passer fait dans la maison et li qui na confrérie et démonia Carmel là. M'a dit li était là, m'a fait toute courinette, y en après l'autre. Pour ta bam dans ti bibliothèque une femme pasteur, mais toi pas être femme pasteur. Ou gars dans bambo chamel là, femme dans pasteur, mari pas pasteur. Donc elle dit femme dans automatiquement chef mari. Aïe, dès il pasteur chef Maria. Maria gagne droit pour chita et puis pour tendre madame qu'a pensé ni. Ça dit, n'est-ce que changer ça qui est écrit dans la Bible? Frère, au courrier. Bon, pas de l'autre pasteur qui monte encore? Pas encore? T'as gon l'autre pasteur, non? T'as quelqu'un pasteur, monsieur? Dani, t'as gon pasteur, non? T'as quelqu'un pasteur? Ah, ou pas pasteur, pas courrier, c'est élève, oui. Élève, là, pas bien courrier, la vraie de vous l'apprendre. Vous comprenez? En quelque sorte, vous pas fini l'élève net, non? Vous êtes élève très avancé. Me félicite. Avec un pile bagage, on dit la bague aucun vieux pasteur porter sa tête en bas qu'on est. Pasteur Monfort Alexis, c'est ça? Côté lui, est-ce là? Il va pas venir. Pasteur Edris Neptune, côté là, dit yo vini. Tagio, pas cité non, juste Tagio pour yo vinn là. Tagio. Puis on vient bail ça a fait côté revenir dans la Bible. Mais bon écoute il y a pour y assez bon donc j'ai terminé. Comme Dieu c'est férié lié et ça que nous vont dire de tout pour mon yo.
Pasteur Prosper Pericle, Pasteur Carlos Bambocher, Mallory Bambocher, Gregory Toussaint même sataniste, Tadio. La question c'est est-ce que c'est pas même bipé? Pourquoi vous pas fait vous nous va nous poser une question, pourquoi vous pas fait ça qui écrit là? Monsieur monsieur Fils-Aimé, docteur Fils-Aimé, nous compte docteur Fils-Aimé qui était pasteur, pas pasteur encore, enfin il va déjà pasteur en réalité, qui sont intellectuels, ils ont à respecter intellectuellement parlant, sont des qui m'apprécient en pile. C'est pas dans cadre l'évangile, non, parce qu'il pas dans, il pas dans faire l'évangile lui-même. M'apprécie pour niveau connaissance intellectuelle, son poids lourd qu'il est. On poids lourd, moi-même, nèg intellectuel, nèg qui gagne connaissance. Moi-même, nèg comme ça. Vous croyez que tant de nèg, nèg a bon envie tandil. La parler, ou li bon envie tandil. Il par un bon boche qui a parlé, qui fatigue ou avec ça, l'a dit non, mais ça l'a dit ou intéressé ou envie tandil. Docteur Fils-Aimé, son type comme ça. Son fierté pour Haïtien, qu'il est. Son fierté pour tout pays, toute nation. Ou pas besoin de nous donner comme ça président en Haïti. Parce qu'on est intellectuel comme ça, franchement, président en Haïti, franchement, on est obligé de fier les livres sur la scène internationale. Là. Ou y'a pas choisi de nous comme ça, le ministre des Affaires étrangères. Parce qu'on est comme ça, c'est pour fierté, il n'y a pas de on pas de gros égal, pas même capable. Dit tout. Même exprimé, on pas même bon cœur là, on pas capable. Il y a mettez vous dans le domaine ça. Mais on pas prendre des intellectuels, des formés ça, on est qui fait fierté haïtien ça, on pas mettre dans le bail, on laisser étrangers utiliser au mal. Vous comprenez? Donc, on a plus de respect pour Dr. Fils-Aimé, d'avoir dit passé, pas passé, pour Dr. Jean Fils-Aimé. Oui, on a plus de respect pour lui. Ton nèg m'apprécie pour connaissance. Li. Et Dr. Fils-Aimé, tu fais une émission, tu as parlé de Grégory Toussaint. Et bon bagage qu'elle te dit pendant que tu as parlé, elle te dit protestant, bon Bible. Yo réclamé tête comme protestant, comme moun qui a servi bon Dieu. Mais Bible qui n'a pas fait ça, sa Bible a dit. Mais yo a kembe Bible, nan men yo quand même. Et c'est pas faux. C'est ça que je dis toujours, protestant, mon Bible, pas fait ça qu'écrit là. Et ça que je dis toujours, bon, yon bagay côté sans faire que c'est ça, Bible, m'en dit le fait. Choisis n'importe bagay. Juste pour un bagay, dit ça, protestant fait ça, c'est ça, Bible a dit. Pas gagné, protestant fait que c'est ça, Bible, m'en dit. Tout ça, protestant fait, c'est tradition, c'est imagination, c'est affaire, yon mette. C'est pas ça, Bible a dit. Ou même, n'importe qui dans le chat là, choisis yon bagay, dis yon bagay, dis serviteur, ça, protestant fait, c'est Bible. C'est ça la Bible, demandez pour que tu s'en fais. Juste dis-moi. Choisis un bagage. Y'en a, choisis un bagage. Peut-être qu'on bagage, pas qu'on aime, ok, oui, c'est vrai, ça, c'est vrai, il fait. Choisis, choisis une. M'applique Colossien, texte Colossien pour nous capables de faire, comment dire, pour ranger de nous. Texte Colossien de l'île, nous t'avons lié. Mais ça dit, Colossien 2, le verset 6, ça continue. Alors, Dani dit protestant ou pas protestant, c'est protestant catholique. Alors, qui dit protestant catholique, c'est protestant. Parce que protestant sorti dans Luther. Si protestant sorti dans Luther, oh, Luther pas converti vrai. Luther pas quitté catholique vrai. OK? Parce que pour quitter un système, c'est leur couper fâché à tout principe, à toute règle, à toute formalité qui régit système nan. Mais si ou sorti ou écrit tes ou et pou ki ton paquet bamboche catholique ou kembe ou encore, ou pas sorti vrai mon ami. Luther c'est ton catholique son l'autre forme. Li catholique en dedans et puis bon po protestant. Mais en dedans Luther c'était catholique. Par exemple, on parlait de Martin Luther King, le pasteur baptiste. Il n'a pas gagné pour un bon Dieu. C'est un activiste, politicien, militant. Quel était? Il était même des prix Nobel de la paix. Et il était tellement en sauce, malgré tes amis, président Fouit et général Kennedy. Malgré le président accordé une série de bagages dans demande de capter la protestation yo, li pas jamais assez pour lui. Li t'a insisté pour d'autres bagages, c'est ça qui cause qui va le mener assassinat tout. Mais c'est pas pour l'évangile li t'est mouri. C'est dans démagogie politique li t'est qui fait fier li pété. Ou va li sauver qui bon. Et puis même là il va dans politique, tu va le sauver parce que Baptiste
Quand Baptiste sorti, dans qui bibou Baptiste sorti. T'as dit, ou dans la barrière, il y a un protestant, ou bien je vous l'observe. On va descendre directement. Direct, tout droit. Et on va même faire escale même. Parce que le travail vous descend. Bon, lit. Colossiens 2, 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition, c'est-à-dire les Mélon vignes là, les McIntyre vignes là, les Fednemeis vignes là, qui ça vous fait? Ils viennent appuyer sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et ça, qu'il n'y a pas qu'à camper devant maintenant pour dire qui ça? C'est le Colossiens 2, le verset 8. Il n'y a pas appuyé sur Christ, mais il y a appuyé sur la tradition des hommes, rudiment du monde. Donc ça fait qu'il n'y a pas qu'à camper devant. Il y a eu jour où? Pourtant, mais ça, la parole de Dieu dit. Pas oublier Colossiens 2, 8 là. C'est important. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est ça, nous t'appelons pour vous pour déterminer. Seigneur bénit tout le monde. Et nous pas de questions encore. Bon Dieu bénit nous un dernier. Toute gloire pour mon Dieu. D'accord, frère moi. Toute gloire pour mon Dieu. Et nous félicitons. Félicitons en pile. Ok? Toute gloire pour mon Dieu parce que Seigneur n'a amouli, il fait grâce. Il fait grâce pour nous capables de vivre pour lui. Il fait grâce pour nous marcher selon volonté lui. Et c'est lui qui fait grâce. C'est lui qui cause que nous ensemble, bien aimé. C'est lui. Et s'il fait moi-même avoir à vivre dans un principe l'évangile là, c'est faveur, c'est grâce. Et c'est pour l'autre, c'est lui. Donc, Seigneur a toujours accompagné nous tous les jours de vie nous. Et là, fait nous habiter dans la maison, Seigneur. J'aime David de habiter là-dedans pour te contempler. C'est très important. Donc, ça veut dire, nous avons rendez-vous demain, si Dieu veut. Plaise à Dieu. Pour yon l'autre moment encore, côté n'a pas ensemble encore, pour nous capables de parler de la parole, parler, et ou même qui toujours suivre nous, ou gon question, ou gon bagay, noter li, l'ovini avec nous, pour capable de parler avec nous. Et alors, Dani dit, ou a bien passé en Afrique. Bon, mais ça y a de tout côté, oui, avec passé Afrique, ça, ou gon yon konfou, faut passer Afrique, kap, et gorge moun. Faut que message arrive pour africains capable sauver tout, c'est très important. Et me rappeler les rencontres avec bien amis africains yo, yo t'ai saisi, yo t'ai choqué parce qu'il dit mais ça dit yo écrit parce que yo pas connaît s'il écrit. Yo pas connaît. Et là yo vinn dans Bible c'est écrit yo lit la DG yo. Ah ben c'était terrible pour yo, c'était terrible, me comprendre tout, me comprendre. Bon Dieu bénit tout le monde. Bon Dieu bénit nous. Nous pouvons prier pour nous capables de terminer. Faire la grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, nous bénissons, oui, parce que c'est bon Dieu, nous. Père, Seigneur du ciel et de la terre, dans le nom de Jésus que nous adressons pour ça. Pour nous merci parce que c'est bon Dieu, nous. Si ou pas de bon Dieu, nous t'entraver. Si Seigneur Jésus-Christ, pas de ressuscité, nous t'entraver. Merci, Père, parce qu'on ressuscité Jésus-Christ dans tous les morts. Et c'est ça qui permet aujourd'hui à nous capables d'ouvrir corps, nous capables de parler à tête haute. Et c'est ça qui permet que écaille va tomber dans les yeux, nous, dans les yeux frères, dans les yeux sœurs, nous. Et c'est ça qui permet qu'un pile monde cap monter à bord sur le fondement des apôtres, qu'un pile monde cap reconsidérer voyons, qu'un pile monde cap réfléchir, examiner, pour être capable de voir est-ce que ça n'a Dieu c'est vérité, oui, pour être capable de marcher là-dedans. Nous nous merci pour moi, merci pour frères, nous sœurs, nous. Merci pour chaque monde cap garder. N'a pas d'ouvrir les yeux, continuer faire ouais. Et tout texte nous tout ça nous dit faire ou aller examiner encore pour être capable exactement comprendre et pour être capable croire avec bon sens pour pas dire amen à toute bagaille sans que pas comprendre si c'est vrai père mais dire pour dire amen avec intelligence et bon comprendre et par l'esprit dans le nom de Jésus-Christ maintenant pour capable ba chacun de nous-mêmes l'esprit de sagesse de révélation dans ta connaissance avec ça il comprendre parole il est capable vivre pour mener une vie agréable les ça capable dire qu'on a tout bon vrai père au nom de Jésus-Christ nous prions merci à lui même soit la seule fois la gloire au siècle des siècles amen. Bon Dieu, tout le monde, moi-même, je suis condamné pour moi-même, non? Et moi-même, là, parce que là, moi-même, je me sens disciple. Jean 13, 34, 35. C'est comme ça qu'on est, nous, ces disciples. Là, nous, même, l'autre.
en nous d'amour, une l'autre, dans le nom de Jésus-Christ. Bonne soirée, bon courage à tout le monde. Bye.